Tu viens, tu viens Hervé Renard Mayuka Mayuka Mayuka, Mayuka. Mayuka. Remplace-toi Mayuka Il s'est vraiment mis genre dans un spot comme ça pour lui parler sur, sur le terrain alors que le stade était plein. Hein. Hervé Renard, putain, quel... <laughs> oui. On voulait la suite là. On... <laughs> eh bien, la suite, si tu l'avais, Bruce, tu vas sur YouTube et tu regardes le replay. Voilà la vidéo de la visite du stade Océan C'est sur la chaîne YouTube hors jeu Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle émission. Jour férié, encore une fois, mais euh, pas de répit pour euh, l'émission hors jeu On approche de la fin de saison. Euh, si je dis pas de bêtises, il nous reste encore euh, trois émissions euh, avec celle-là. Donc euh, attention, attention, euh, ne manquez surtout pas les, les, dernières, les dernières émissions parce qu'on a plein, plein de choses à voir. On est content euh, d'être avec vous. Beaucoup, beaucoup. Beaucoup de sujets à voir aujourd'hui, mais juste avant, on vous présente le casting du soir, composé de Pipion, qui nous a mis aujourd'hui un, un ah maillot ouais. à l'africaine. Ça, ça me plaît. Ah ouais. Là, ça. Petit, ça, ça petit maillot des Black Stars du Ghana, floqué ah ouais. à Samoa John, retour en 2010. Ah, Samoa John pour euh, 2010, toi. Euh, bah, okay. C'est ce jour où, comme euh, tous les Français, je suis devenu ghanéen, ce quart de finale <laughs> maudit. Euh... Contre l'Uruguay, évidemment, on était à fond pour euh, cette équipe. Et quand j'ai vu le maillot tomber euh, sur une promo, je dis, ah bah là, je fonce, je euh, suis obligé. Euh, un, jour, un jour très très sombre, en tout cas pour le football africain, on s'en souvient tous. Il y a Kanto qui est là aujourd'hui. Ouais. Comment ça va, Canto il, il a le... Toi, t'as sorti le. Pour les ouais, pour les ouais bah c'est quand même une petite piqueur de rappel, c'est toujours important. Euh, non, moi perso j'ai une promo sur le site Hollister, donc j'ai acheté un petit un t-shirt, petit voilà tout simplement vu que Sipion aime bien parler promotion. Ouais. Non et après, mais c'est moi le rat. Hein. Je, je, tiens, je tiens à faire remarquer quand même euh, que l'Olympique de Marseille a perdu ce week-end et que je suis présent à une émission du lundi. C'est vrai. Je pense que c'est la première fois de l'année où je viens faire une émission après une défaite de l'OM. Après une défaite de l'OM. Ouais. Pas en tant que présentateur, c'est important non. Ça. Non, mais <laughs> ça, je, En plus. J'avais pas plus. le choix. C'est vrai que c'est surprenant, mais en tout cas euh, bienvenue à toi Kanto Bruce est là aussi bien sûr, toujours, toujours au top mais c'est dur, de en plus en moment, plus dur <laughs> C'est de plus en plus dur la petite éclaircie, c'était la Milan qui a assuré la LDC hier mais, euh, mais sinon euh, on attend Nantes ouais, elle un fait plus compliqué, ouais, je suis dans le dur depuis quelques temps. Exactement, la France attend de, de, de savoir si euh, Nantes sera toujours euh, présent la saison prochaine on en parlera tout à l'heure bien sûr et puis aujourd'hui on a un invité un invité de marque les amis vraiment un invité qu'on voulait avoir depuis très très longtemps on l'a même pas eu on l'a jamais eu en, en remote ou quoi et ça c'est un plaisir il est là Sofiane du William FC, comment ça va Salut Brack salut à tout le monde va bah, très bien très ouais. bien merci pour l'invitation quand tu dis de Marc, c'est qu'il y a un petit lien entre vous et nous. Eh oui, aussi. bah oui, forcément, forcément oui. Il y a un, euh, un petit tiré, quoi. Un petit Très, très, très content d'être ici, et très content de parler de Nantes ouais. avec mon ami Bruce. <laughs> je sens qu'il y a des choses à dire. Ça tu as même Marcourt. Que... Je t'ai sorti au quiz la dernière. Là, fois, là, donc, oula, ok, de hein on part sur ce rythme-là. <laughs> ok, je voulais y aller doucement. <laughs> non, je vois que ça veut m'attaquer d'entrée. Donc on répond. Hein. <laughs> Fais très attention. Hein. Il a de la répartie. Ça a pas l'air comme ça, mais il peut être. Non, il est bon. Il est bon sur ça aussi. lui. il peut être très piquant. Moi, je me Bon, en tout cas, Sofiane, merci beaucoup d'être avec nous. Tu vas rester euh, bah, voilà, une petite heure avec nous. On va, bien sûr. On va parler de, de tous nos sujets. Ça se passe bien du côté de la, de la Winamax euh TV, ouais meilleure émission de France. Euh, <laughs> euh, non évidemment Après ça se passe bien sûr. Oui bien, Orgel, bien sûr. Bien non, oui. non non ça se passe très très bien. Euh... <laughs> <On>, on... <laughs> c'est quoi <laughs> <Y a> rien... <laughs> tu vois c'est pour, pour ça qu'on est meilleur. C'est pour ça qu'on est Non non, non, non. <laughs> non, non c'est un, bah, un kiff. je salue tout. Euh, je crois que vous avez eu déjà euh, nos amis. On Walid. a eu déjà wally. Oui Wally, déjà exactement. Donc euh, je les salue ça se passe très très bien. Sur une bonne lancée malheureusement on n'a pas d'événement incroyable cet été je crois qu'on a pris l'habitude tu sais des euros des coupes du monde, ah, ça a euh, mais on va taper du bon mercato, donc euh, non non, ça se passe très bien voilà. okay. merci à ceux qui nous suivent d'ailleurs. D'accord bah, très très bien, en tout cas on est encore une fois euh, très content de, 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 de t'avoir et euh, nous on va, on va enchaîner alors juste avant, je, bien sûr on vous euh, représente notre partenaire Winamax hein, euh, d'où vient notre ami Sofiane aujourd'hui, bah, le lien il est, il est complètement vert euh, vous le savez sur le site winamax.fr si vous déposez 100 euros, vous avez votre pari euh, qui est doublé en pari gratuit, très simplement, et avec le code je 10 vous avez 10 euros supplément. Supplémentaire. et bien sûr il faut un dépôt minimum de 15 euros, ça c'est les mentions légales vous les connaissez, et Kanto bien sûr, si jamais on parie, on parie seulement si on est majeur. Exactement, majeur et il ne faut pas faire de bêtises, moi j'ai perdu une couille sur ben là aujourd'hui, donc il euh, ne faut pas faire comme moi en gros. Je ne suis pas sûr que c'est le bon exemple hein. <laughs> <trucs> sur <laughs> ah, en gros il ne faut pas faire comme moi voilà. là, sur, sur les mises, allez-y doucement, voilà, y a, ouais, ouais. sur le site winamax.fr, vous pouvez vous limiter sur ouais. les, les mises, vous devez le faire même. Je suis limité hein, L'exemple ouais, ouais. ouais. de Kanto n'est pas le bon Faites ouais. très attention. Non, non, mais je me suis vraiment voilà. limité et braque en était J'ai mis des limites oui. aussi parce que parfois je, je perdais un peu le contrôle. Et, <laughs> et à chaque fois, on est en train de promouvoir la gestion de, des émotions, vrai, du contrôle de l'argent. Et quand ça m'échappe, il ben y a les limites. Et c'est vrai que c'est une bonne chose. Non, les, les limites ça, ça sert bien. Au moins, ça te permet un peu de te contrôler. Tu pas dispo les lundis toi à 18h30 à chaque fois parce que Pourquoi tu l'as très bien fait là. Ouais, tu ouais, rappelles ouais, des mentions fait, là, et tout. C'était pas mal. Tu gagnes pas d'oseille, tu gagnes pas ta vie avec les paris sportifs. Non, 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 non. Il faut le répéter. Il faut le rappeler. Il faut le rappeler. Et en général, on perd plus qu'on ne gagne. Donc voilà, c'est vraiment comme on vous le rappelle tout au long de la c'est juste pour mettre du piment dans vos, dans vos matchs, dans vos soirées foot, dans vos soirées tennis, rugby, je sais pas, et pour, pour vous amuser, pour que ce soit un tout petit peu plus drôle. Allez, on a fini les présentations, les amis. On enchaîne et on va tout de suite commencer par parler des trophées UNFP. Voilà, c'était là ce week-end. Tranquille, juste pour revenir, Bruce. Déjà, je vais te poser la première question parce que ça te concerne tout de suite. Est-ce que pour Qu est toi, qui me concerne bah, ça, ça va te concerner Tu vas le voir. Est-ce que pour toi, Kylian Mbappé mérite son titre de meilleur joueur En quoi ça me concerne plus <laughs> que les... En bah main, parce que tu as poste. un lien particulier avec le Kicks, donc non. Euh, forcément je voulais savoir ce que tu pensais quoi. Moi honnêtement. Que Messi était aussi nommé. Honnêtement, je le dis depuis je le dis depuis temps. Moi perso, j'aurais mis la Casette, qui est même pas dans les ouais. nommés. Moi, j'aurais choisi la Casette pour la bonne et simple raison que Lyon, ça a quasi pas tourné pendant une grande partie de la saison, ouais. et que pour moi, lui, lui même, a même dans ce Lyon-là, il a su faire le boulot. Il fait des stats de ouf. Il est en mode patron toute la saison. Alors que bon, ok, Paris, ils font pas une grosse saison en termes de jeu, ça a souvent été très décevant, mais tu es quand même le PSG, tu as des facilités. Et Lens, ça a très bien tourné toute la saison aussi, par exemple. enfin À part après, un peu après la, la Coupe du Monde, mais dans l'ensemble, ça a été bon. Moi, perso, j'aurais récompensé la casette, j'ai trouvé monstrueux. Voilà. Sofiane, tu conquis, vraiment, voté la... hmm? es conquis moi, Non, si non mais bizarrement, euh, vous savez bien, j'aime l'OL Je ne peux pas aller dans son sens parce que, euh, en gros, pour moi, la casette, je, je considérais que c'est la perf. Individuel ouais. de la saison. Mais pour moi, meilleur joueur, il y, y a trop un malus dans le fait de ne pas être avec ton club collectivement ouais. sur une place européenne. Parce que Lyon, si tu récompenses la casette, évidemment, euh, on pourrait totalement dire que c'est incroyable ce qu'il fait parce qu'autour de lui, il y avait des pimpins et en plus, tu as changé les joueurs au cours de la saison. Euh, et puis, il arrive dans un club où il y a un changement de coach, il y a un changement de propriétaire. Donc évidemment que. Je ne vais, vais pas dire le contraire, moi, mais c'est à valoriser euh, de manière incroyable, évidemment, ce qu'il a fait cette saison. Ouais. Après, sur le terme meilleur joueur, j'ai du mal, moi, de pas, alors en sous-entendu, récompenser aussi la perf collective. C'est-à-dire que si tu n'es si même pas dans les places européennes, ça me paraît difficile d'aller chercher un meilleur joueur au-delà de la sixième place. Ouais. Donc c'est pour ça que moi, après, je ne sais pas si on va avoir le débat entre Messi et Mbappé, j'hésitais entre les deux, mais. On a, on a beau avoir des, des, des critiques éventuelles sur ce qu'a fait Mbappé, surtout par rapport à la saison dernière où il était encore plus exceptionnel. Cette saison, il y a beaucoup de choses à redire aussi négativement. Mais je ne peux pas mettre un autre joueur que celui qui est allé 3, 4, 5 au ouais, classement. Vraiment. Okay. Donc toi, tu aurais, aurais du mal ouais, à, à aller euh, euh, voilà, sur, sur, sur la casette. Alors après, Bruce. Euh, moi, je comprends un peu ton avis. C'est vrai que dans une équipe où euh, c'était un peu bourbier, finalement, lui, il a réussi quand même à, à maintenir une certaine régularité. Et je pense que c'est surtout pour ça, toi, que tu t aurais, t aurais mis la casette. Mais après, euh, quand, quand tu entends ce que dit Sofiane, ouais. c'est vrai que finalement, il y a quand même un, un manque au niveau bah, voilà, de, des résultats de l'équipe. Et c'est oui, ça qui prime par-dessus tout. Pour moi, tu enlèves la casette, ils sont bien plus loin au classement. Ils sont ouais. proches de jouer l'Europe au final. Euh, voilà, il ne peut pas tout faire sur le terrain, à mon sens, tu vois Et... S'il n'est pas là, leur saison, déjà qu'elle n'a pas été folle, mais j'ose même pas imaginer, c'est ça le truc, alors que... Alors que pour moi Mbappé ok, mais le PSG encore une fois ils sont censés avoir des facilités. Si tu mets Mbappé, tu peux mettre Messi aussi dans ces cas-là. Ou pour mmh. moi c'est quasi kiff kiff sur la saison si tu prends l'ensemble. Pour moi la première partie de saison Messi était un peu au dessus et mmh. sur la deuxième partie peut-être Mbappé un peu au dessus, tu vois. Mais dans l'ensemble pour moi c'est assez kiff kiff. C'est juste que encore une fois la KZ, ce qu'il a fait dans cette équipe. Moi je trouve ça complètement fou. Moi. Ouais non je, je comprends. Quand toi t'en penses quoi toi de, de tout ça de, de ce sujet Est-ce que toi tu partirais plutôt sur un Lacazette Est-ce que tu serais parti sur un Messi, sur un Mbappé Est-ce que tu considères que euh, la victoire de Mbappé Mérité, t'en en penses quoi J'ai quand même un petit peu du mal à avoir euh, un autre joueur que, que Kylian Mbappé. C'est vrai qu'il y a des performances individuelles qui sont tout à fait louables toute la saison. Je pense à des garçons comme Luis Openda mm. qui fait une grosse saison avec Lens, qui a mis des buts ultra importants et qui, au final, bah, avec une équipe comme Lens, a tout le mérite. Il a un gros contre... creux quand même. Hmm il a un gros creux. Oui, oui, euh, oui. Faut il est exceptionnel sur la deuxième partie de saison. C'est vrai hum. que d'octobre à les janvier, il faut, faut, faut pas, il pas oublier, c'est ça, il y a pas mal de matchs où il est. qui a été ultra régulé, la casette. Quasiment. Oui, mais, mais, mais comme l'a dit, dit Sofiane, en fait, le problème, c'est que la casette, au final, sur le bilan collectif, il n'y a pas de récompense. Lyon termine à une place à laquelle ils ne doivent pas être avec le budget, avec l'effectif qu'ils ont. Et, et du coup, c'est quand même difficile de récompenser un mec en disant Toi, tu as été au-dessus de, de tout le monde toute la saison, mais ton équipe n'a rien donné. Et je pense qu'il faut quand même y avoir un une certaine Vous récompense dur, collective ouais. à un trophée individuel. Parce non, que regarde, regarde, Bross, 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 regarde, quand on va regarder, parce que là, es, là on est aujourd'hui, donc ça veut dire que on juge la saison, on sait très bien ce qui s'est passé cette saison, mais quand tu vas regarder dans 10 ans et que tu vas te dire, euh, la saison 2022-2023, le meilleur joueur, c'était Alexandre Lacazette mais que Lyon a fini à la septième position, voire euh, plus bas. Tu vas dire pourquoi tu il que dire dire c'est est, est quand même un peu bizarre, ouais. parce que y, y a, y, moi je veux bien, bien entendre, encore une fois, si c'est déjà la casette qui ne soit pas dans les cinq, c'est une honte pour moi, mais après on rentre dans un autre débat quand on considère qu'un joueur est meilleur euh, joueur d'une saison, c'est que pour moi ça récompense aussi la, 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 la vérité d'une saison, et la vérité collective d'une saison. Lyon a été éclaté pendant une grande partie de la saison. Lyon est très bon, enfin est bon sur la deuxième partie de la saison, on est d'accord, mais Lyon... Globalement, la saison pour un club comme l'OL, elle est, elle, est, elle est mauvaise. Mmh. Donc tu ne peux pas récompenser, tu vois, à terme, dans 10 ans, on ne pourra pas se dire 2022-2023, c'était la saison de l'OL. Pour moi, c'est pas, pas, pas possible. Ouais, ouais, mais dans ces oui. cas-là, j'entends ce que tu dis, mais ça veut dire que les dés, ils sont pipés d'entrée. Ça veut dire que si tu joues pas dans ah, oui, les oui. toutes meilleures équipes oui. du championnat, t'as aucune chance. Pour moi, moi oui. c'est ça qui me dérange. C'est comme choix. ça, ça. Comme ah, ça que ça se passe pour le moi, Ballon d'Or. Moi, je suis pas d'accord. Et pas exemple. pour le Ballon d'Or, c'est pas comme ça que ça se passe. Mais non, mais pour... un, un mec qui va rien branler mais... mais qui va être champion mais du monde ou qui va être venu dans la Ligue des Champions, il sera mieux classé qu'un mec qui. Là, on parle de la Ligue 1. On parle pas de plusieurs compétitions. Les trophées UNFP ou le Ballon d'Or, c'est des remises de récompenses individuelles, mais qui sont primées par le Collectif. Je ne suis pas d'accord, je te ça donne a toujours été un contre-exemple, je ne contre vous suis pas. Diallo, par exemple, il fait une très belle saison, il sauve en grande partie Strasbourg. Voilà, c'est pas pour ça qu'on doit dire, oh, parce qu'il a, il a sauvé son équipe du maintien. Ouais, mais après, vont... c'est là où il C'est a un vrai curseur. Mais donc, donc, hein, donc, en fait. donc Diallo, parce qu'il va finir 15e ou 14e, 16e, j'en sais rien, ça veut dire que forcément, il a fait une saison de merde. Alors non, que non, le mec. Non, c'est parce que ça me bah, dire. Ça... Pas du tout. Pas du ça, ça veut dire pour vous, quelqu'un qui a fait mais 5e, mais qui a fait une importante saison, il finira devant moi. Mais t'es extrémiste quand tu dis individuel. Mais non, t'es extrémiste quand tu dis ça. On n'est pas en train de dire que quelqu'un qui met 20 ou 25 buts dans la saison, il fait une saison de merde parce qu'il n'est pas récompensé par rapport aux performances collectives de son équipe. On est en train de dire qu'il faut juste avoir de la mesure. Un garçon qui va être au-dessus de son équipe va être mis en avant dans la récompense, mais ne peut pas... Prétendre un titre de meilleur joueur. Pourquoi Parce que derrière, il va y avoir des questions. Quel a été son réel apport sur son équipe Est-ce qu'il a vraiment permis à son équipe de franchir un cap la, la réponse est bah pour l'Olympique Lonnais, est-ce que la casette a permis à son équipe de franchir ah, un cap Moi, je pense que la Mbappé... casette a été l'homme fort de l'Olympique Lonnais, mais aujourd'hui, l'Olympique Lonnais, ils repartent avec les poches vides. Ils il, il font une saison chou blanc. La, la vérité... Donc, le nommer dans les 5, je suis d'accord avec toi, le Après, nommer meilleur joueur, c'est plus compliqué. La vérité, elle est là. Mbappé, tu le mets à Lyon, il fait la même saison que la casette à Lyon. Mbappé, il aurait été, euh, il non, aurait été meilleur non, joueur de 100%. Mais, 100%. Non, 100%. mais, là, mais la preuve, la casette, il est même pas dans les 5 Non mais il est même pas dans le 11. Les gars, Bruce. Arrêtez, a, arrêtez, les dés sont mais pipés. La Sophia, mais, la mais la, la casette, il est même pas dans les 5 ou dans le 11, vous me dites donc. Mbappé, tu le mets à Lyon, il aurait le trophée MFP. Arrêtez, vous savez très bien. Je vais voir ce Mais non, les gars, là, je suis pas d'accord. Quantôt, un mot sur la saison de Messi mais c'est bien, au moins l'émission elle a bien démarré, là, là je suis, non, là, je mais, suis bien chute je, je suis d'accord avec à peu près tout ce qu'il dit mais le problème c'est que dans la manière de dire on sait que Bruce il n'a pas de demi-mesure on sait que Bruce c'est qu de tout blanc ou tout noir et, et c'est ça vous êtes trop élitiste non si <laughs> on fait pas. Si, si. Si. il est ouf lui bah si, mais si pour vous on ne fait pas partie du top 7 sur la fin de la saison tu ne peux pas être joueur de l'année c'est plus difficile c'est plus ouais, difficile c'est comme ça c'est une cérémonie individuelle de remise de trophées qui doit répondre aussi à une réalité de la saison oui aussi tu vois sinon tu as raison dans ce cas-là on met Habib Diallo dans ce cas-là on met Eli bon Diallo on met saison, ouais, hein. moi, ouais, bah, c'est ah, hein. un kiff. J'ai découvert cette saison, euh, même s'il avait déjà marqué l'année dernière. Mais dans ce cas-là, si on récompense individuellement, il doit y être devant, devant pas mal. Donc, moi, vraiment, je, je peux entendre ce que tu dis sur la perf. Parce que pour moi, c'est une perf individuelle. Mais la, la question du meilleur joueur. Il y a un malus, tu dois avoir un malus, quand, même si tu n'es pas entièrement responsable euh, comme la casette, mais il y a un malus à avoir quand tu n'es même pas dans les 5 dans les européens. Bon, européens. Que... Alors, monsieur Pipion, Pipion, ouais, s'il si vous plaît, on n'a pas entendu. Pipion, tu vas trancher, <laughs> toi, tu en penses quoi de tout ça Dé <laughs> Déjà, je peux dire que pour le trophée de meilleur joueur de Ligue 2, c'est Miko là, il y a pas ouais. de débat. j'ai pas pleuré, j'ai pas chouiné, il n'y a pas de souci. Après, je trouve que le débat est intéressant sur finalement la place collective. Quoi qu'il arrive, la casette top 5, il devait y être, ça c'est indispensable, je pas compris. Peut-être une histoire tu sais, de vote un peu, un peu trop tôt dans la saison. C'est un peu bizarre parce que pareil, même pour Wai et le trophée de meilleur jeune... Euh, je pense que Nuno Mendes l'a eu, mais il y a eu sa blessure et tout. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être une histoire de timing. Oui. Après, c'est vrai qu'Mbappé a fait gagner beaucoup de matchs déterminants à son équipe quand même. Mm. Euh, des moments où ça a basculé et je pense que ça a peut-être marqué l'esprit. On n'oublie pas, pas que ce sont les joueurs qui votent et quand ils voient euh, Mbappé le fameux match contre Lille où il a d'ailleurs son but qui a été nommé parmi les plus hauts buts de la saison. Oui, oui. Je pense que les joueurs ils ont dû être marqués par ça parce que c'est un des moments marquants de la saison quoi qu'il arrive. Le PSG au bord du précipice dans un moment très très délicat, euh, notamment euh, lors de enfin, ce au moment. bord du précipice façon de parler. Hein, en... Non, mais tu sais avec ouais, ouais. ce qui se passait avec des champions. Non, et défaites et tout. Ouais. Euh, là, franchement, s'il perdait ce match contre Losc, peut-être ça aurait été encore pire. Peut-être qu'il perdait le titre. Ouais. Et là, tu vois le fait qu'il y a Mbappé qui sonne la révolte, tout ça. Je pense que ça a marqué l'esprit des joueurs. Euh, voilà, c'est vrai que, comme dit Sofiane, le fait que Lyon soit pas assez haut dans le classement. Mm, mm. Euh, je pense que s'il avait accroché une place européenne, je pense que voilà, il aurait peut-être été. Si Lyon avait joué les premiers rôles comme on s'attendait au début de saison, que c'était bien parti, je pense que voilà, ça aurait pu euh, rabattre les cartes. Mais euh, voilà, c'est vrai que. Quoi qu'il arrive sur ces trophées UNFP, il euh, y aura toujours des débats. Hein, quand tu vois le milieu de terrain, oui. euh, quand tu vois les latéraux, tout ça, je pense que euh, c'est à chacun notre appréciation. Quoi. Juste pour vous, ben vous dire, dire là-dessus et pour appuyer ce que je dis, c'est qui les deux meilleurs joueurs de PL cette saison pour vous Enfin, bah, le top, 3, euh, top 3, top 3, allez. Je mets Erling Haaland dedans. Ouais, vas-y. Ah, de Bruyne ouais. De Bruyne, ouais. je le mets aussi. Il y en a, ouais. Ingres, vous. Kane On peut mettre. Kane, ça, il euh... finit combien avec Tottenham c'est huitième ce huitième donc huitième donc, 8e. donc 8e. Lyon Lyon ils sont combien donc Kane ouais, mais est-ce que Kane il va Kane, avoir un trophée de meilleur joueur mais non mais donc Kane ah il ah a non. pas sa place dans la discussion je vais vous écouter si mais on, on dit qu'on bah qu bah peut non. élire un joueur on peut le, le, le sélectionner, mais on peut pas dire de lui que c'est le meilleur de la saison. Si tu moi pas, je ne mets jamais exemple, avec une le... meilleur joueur de la saison. Pourtant je trouve non, que ce qu'il bah fait, qu'il qu fait sûr. à Tottenham c'est extraordinaire. C'est le deuxième meilleur joueur. Évidemment. Il est top. Si 7. on prend si ah on, non, l bah si on prend l'exemple, si on prend l'exemple de Georgino, bon. moi je pareil, C'est pour ça. Jorginho, il y a quelques années, il fait dans Tottenham Georgino il y a quelques années il fait Champions League avec Chelsea et gagne l'Euro avec l'Italie. Il a été bien classé au Ballon d'Or. Est-ce que pour autant ça faisait réellement de lui un des meilleurs joueurs du monde Qui Jorginho. Giorgino, la saison. Après, la on n'a les matchs, de Arrêtez de faire ça. Bah, cette saison, il a fait une très grosse saison. Mais est-ce que ça faisait de lui l un des trois meilleurs joueurs du monde Bah, il faisait partie Il des a été Pourquoi Parce que collectivement, il y a des résultats. Tout comme, à contrario, oui. tu vas avoir un joueur qui va faire une saison de. Mais entregue, là, tu parles de mais qu va qui va pas de stats, C'est plus dur encore. C'est un autre poche. C'est comme ça le monde commence à en parler, découvrir que c'est un bon joueur. Parce Il a fait des derniers temps. T'es en train de dire que les trophées individuels, c'est uniquement des stats non, 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 non. Ah oui? <laughs> oui, non, je... non, mais. Attends, Bruce, je, je, moi je, je, je sais que le débat de Kane, il est intéressant. Sur... Mais... Non, mais attends, oui. il va totalement dans l'autre sens. Hein. Kane, pour y a, y a... moi, c'est top Bruce. 3. Est les... Il est dans la discussion oui. avec De Bruyne. Bon, Allan de Le C'est Ce qu'on dit un... de la KZ, Il est dans la discussion, mais il ne sera jamais meilleur joueur de Dé PL. Déjà, déjà Bruce, a, a, pour moi, il y a une énorme Sauf différence. À l entre. tu es obligé de le mettre en PL. Il y a une énorme différence entre Harry Kane et la casette. C'est que Harry Kane, il est dans une équipe qui presque joue le top 4, quasiment toute la saison, ou alors qui est aux portes du top 4, qui finit mal. Mais non, c'est comme Lyon. bah non, Lyon, il c'était ont fait une très saison, barré, elle est catastrophique. Non. Ils étaient ils éliminés. Étaient oui, mais c'est quoi la position finale au classement, non. ça se mais ressemble là, Oui, mais la position finale, tu n'as jamais joué le podium, tu n'as jamais joué le haut du tableau, tu as toujours été dans, dans une situation critique. Et puis, même euh, si la casette de l'Union tu peux a pas comparer la concurrence Européenne. Et la concurrence Ligue 1 dans le haut du tableau. Moi, je comprends ton exemple, mais c'est pas. pas L'exemple pour moi, c'est le copier-coller. Je comprends pas du tout aujourd'hui. Non, bon, c'était franchement. J'ai compris ce que tu as dit, c'est intéressant. C'est vrai, ouais, un démarrage. Non, mais c'est que nous-mêmes, on a tous un débat parce qu'on a tous des opinions là-dessus, mais il n'y a jamais eu de règles très claires et on a toujours trouvé oui, des scandales oui, oui. par rapport au trophée UNFE ou par rapport à, à l'élection des, des, des ballons d'or au classement. Après, ça, en vrai, la, en la fait... réalité, c'est quoi C'est qu'il n'y a pas de scandale que ce soit Mbappé. Non, ça, ça va va. non on non. est là dans le tu vois non. Euh, Parce qu'en en fait, quand Mbappé, les standards maintenant sont tellement élevés et dès que tu dis du bien d'Mbappé, en gros, tu es, euh, es un forceur ou tu es dans son corps. Moi, je veux, je veux bien avoir des. Parce que pour moi, cette saison, je l'avais déjà dit, mais il a perdu du retard dans sa. Il a, il a pris du retard pardon, dans sa progression individuelle, mais je ne peux pas en fait si tu me demandes en Ligue 1 le joueur qui fait peur, le joueur qui est efficace, le joueur qui est très important pour son équipe parce que quand Mbappé est pas là, je peux te dire que le Paris Saint Germain n'est pas la même équipe. Après on veut aller chercher des trucs, on peut très bien aller chercher des trucs en disant c'est moins bien, machin machin, je veux bien l'entendre, mais il est total. Enfin moi c'est lui ou Messi quoi. Et je mettrais même Mbappé oui, devant. Oui, chez les deux, oui, je suis d'accord. Voilà. Alors, Sipion, euh, moi, je voulais juste euh, aussi avoir ton avis un peu sur euh, globalement cette soirée-là. On, on l'a vu, hein, donc Nuno Mendes euh, finit meilleur espoir, Brice Samba meilleur gardien, Franquez meilleur entraîneur. Est-ce que pour toi, finalement, euh, au-delà du débat du meilleur joueur, euh, tout a été plutôt euh, respecté, selon toi Est-ce que c'est est cohérent Oui, je pense que le, le, le meilleur gardien, Brice Samba, par rapport à son parcours, on a déjà parlé, le fait qu'il quitte Nottingham Forest. Ouais. Euh, qui avait euh, sa place euh, en première ligue, lui était titulaire, qui va relever le challenge l'an soi. Et, et ça s'est vu qu'il a fait beaucoup d'arrêts déterminants, un jeu au pied efficace. Et voilà, gardien de la meilleure défense de France, euh, au bout d'un moment, c'est logique. Euh, L'entraîneur, pareil, parce qu'il nous a beaucoup fait du bien. J'ai bien aimé ce qu'a dit Franquet sur euh, Pascal Gastien. Il l'a salué quand même, il a dit Moi, j'ai voté pour lui. Ouais. Et ça signifie quand même, on a déjà parlé ici, mais le gros, gros travail qu'a fait euh, Gastien. On a encore vu le superbe but euh, du penalty arrêté de Mauridio, la ouais, relance, ouais, ouais, tout ça. Ouais, euh, la conclusion de, de Raoui, c'était super. Donc voilà, après, le meilleur espoir, bah, c'est ce qu'il faut pas mettre je sais pas une limite de temps de jeu un truc un peu parce comme que... Cabella a dit ouais. ah, parce que Nono Mendes après on sait que évidemment c'est qu le meilleur potentiel et... ouais. intrinsèque est a pas c'est le plus tout. fort dans la, liste. la liste on, oui, on par voit le à... talent oui, évidemment évidemment rapport... c'est 8 matchs complets en Ligue 1 cette saison tu vois ouais, c'est ça quand ouais, tu vois ce qu'a fait Elioui dans un Montpellier à Montpellier très très malade euh, voilà, enfin, il a marqué tellement de buts déterminants importants. J'aurais préféré le voir et en même temps, tu vois, il y en a d'autres qui sont sortis du lot. Bah, Barcola, la deuxième partie, Barcola disons, était énorme, qui était, ouais, qui était fantastique. Mais voilà, je pense il y Hui, il, il, il y a le plus beau but, il y a une petite compensation. Enfin, euh, je sais pas trop comment marchent les votes, mais bon, après, il je... y a aussi de la politique je... dans les trophées UNFP. On, Bien sûr, on, on va On va à, à personne. Tu vois, dans l'équipe type, ils ont mis euh, donc Nuno Mendes arrière gauche. Euh, moi, je mets Machado. Hein. Ouais, de Ah oui, ouais. parce qu'en fait, fait, soit. On, alors, on discute de quoi On discute d'une du, du, équipe sur la saison, on discute du niveau des joueurs. Nuno Mendes, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1 pour moi, tout court. Ouais. Je te parle même pas de la Terra, je ouais, te oui. dis Ligue 1. Mais. Par rapport à sa saison, huit matchs complets seulement. Alors après, il n'est pas responsable, il est blessé, etc. Mais si on est co cohérent, il doit même, pour moi, il doit pas être dans les espoirs. En tout cas, il doit pas être meilleur espoir de ligue 1. Mmh. Et dans l'équipe type, je mets un Machado qui a été euh, pour le coup euh, totalement présent avec Lens, qui finit deuxième, qui a un impact aussi statistique, qui est titulaire à gauche. Je le mets devant. Pareil au milieu de terrain dans l'équipe type, il y a Kefren Turam. Mmh. Ben, J'adore Kefren Turam. Mais tu vois le malus. Là, je le rajoute pour Kefren Thuram. Il finit très loin des places européennes. Moi, devant lui, je mets Cabella de Lille, mmh, mmh. qui est dans les places européennes. Et pourtant, je ne dis pas que je préfère Cabella à Kefren Thuram. Je kiffe Kefren Thuram. Donc, euh, sur la saison, voilà. Je... Il a été très irrégulier quand même aussi. Sur la saison, j'ai été étonné de le est voir. Ça? Hein. Kefren Thuram. Ah oui, oui, moi aussi. Pourtant, mmh. c'est un joueur intrinsèquement... Il y a quelque chose. Ouais. Mais Cabela, ce qu'il fait cette saison avec Lille, s'il faut récompenser un petit peu un Lillois, je le, je le mets lui. Ouais, toi. Tu lui. Pipian, tu voulais rajouter un truc. Non, non, je suis d'accord avec ah, Sofiane. Ouais. Moi, j'aurais bien voulu voir un, un milieu Lillois, que ce soit André, André Gomez ou Kabela. Ou ouais, parce voulez. que franchement, ils ont eu un, un tel impact. C'est vrai que, que tu peut-être que dans, dans la vie des joueurs, il les a marqués. Enfin, c'est vrai que ce, ce retour avec Didier Digard, c'est 3-4 mois, mais on parle d'une saison complète. Donc euh, je pense que c'est un peu un petit peu un petit peu faussé donc euh, c'est bien dommage après bah voilà tu vois pareil les débats sur Rongier qui n'est pas le joueur euh, le plus spectaculaire qui a rendu des services mmh. mais c'est vrai qu'au final tu vois sur ce milieu de terrain là à part Fofana il euh, n'y a pas eu, tu vois, des mecs qui sont sortis du Sorti lot. Sortis vraiment, ouais, ouais, ouais. Voilà, Tu vois, Ils par exemple, tu peux, vraiment pas dire, tu peux pas euh, dire. Ouais, tu saisons, peux ouais. pas dire Verratti, parce qu'on a non. déjà vu hein, ah tellement meilleur Verratti. Voilà, je pense qu'il ouais, y a beaucoup de débats. Et pareil pour le latéral droit, je pense qu'Akimi, on est très, très, très bon, de en meilleur niveau. Ouais. Après, en même temps. Bon, en bah, latéral bah, droit, j'ai du mal à trouver meilleur. Tu vois, j'ai hésité, moi aussi. Amari Traoré, même Jonathan Close, tu vois, c'est tout. Franco, Non, mais après, quand tu vois ce que Rennes a vécu cette saison, après la blessure de Terrier, il n'y a aucun joueur qui sortait du lot, quoi, pareil cette équipe là ouais c'était pas ouais, fou, mais quoi. donc dans ce cas là c'est par défaut c'est parce que c'est Akimi que tu mets bah après comme il dit il comme, comme il dit il y a aussi une petite part un peu de politique enfin il y, y a de les la points, politique a des ouais. trucs, voilà on essaye de comment ça il y a de la politique <laughs> on essaye parfois quand tu sais pas représenter... tu mets un joueur du PSG voilà. moi, honnêtement voilà. honnêtement moi le 11 franchement je, je m'en fous un peu tu vois ouais, c'est ouais, pas c'est ouais, pas ouais, un truc qui ouais. m, qui m'intéresse en revanche le meilleur joueur le meilleur espoir et tout enfin mais ici il a eu raison d'aller voir Coldplay lui il a tout compris on s'en bat les reins il lui excuse tout. Hein, Mais est il a raison. Qu'est-ce qu'il va foutre là-dedans Qu'est-ce ouais, ouais, qu qu'il perd son temps Alors, il, Cipion... il est joueur de Ligue 1 et il va à une cérémonie de Ligue 1. Franchement, c'est n'importe quoi. <laughs> je suis d'accord, <laughs> Coldplay. Viva la vida, c'est incroyable. <laughs> Très belle. Sipion, <réponse. rire> euh, c'est vrai qu'il faut aussi parler peut-être de l'équipe type de, de Ligue 2. Alors, je suis désolé, ah. je viens vers toi parce que je sais que la saison. T'as été euh, obligé de la suivre et je sais que tu la suis, mais tu, tu vas, te vas te la suivre la pas pas semaine prochaine. Ouais. <laughs> <Ouais. rire> se c'est pas, 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 pas moi qui l'ai dit, l'ai dit Si ça se trouve, vendredi 23h, euh, j'envahis la pelouse. Ah, bah soit, soit, pour toi. Soit de bonheur, soit pour demander euh, la tête de Gérard Lopez. Ce sera un, <laughs> un scénario double, hein, on va voir. Franchement, je vous souhaite vraiment qu'il s'en vaille ou qu'il se fâche c'est compliqué. Mais ouais, cette équipe type, toi, tu peux un petit peu nous en parler. Encore une fois, Victor Lécal, dont j'ai parlé il y a quelques semaines, qui est bien présent. Et honnêtement, pour l'avoir vu jouer, parce que je fais le flexeur, mais et euh, je me suis bien concentré sur lui. Euh, je pense qu'il a le niveau pour évoluer honnêtement dans ah, non. pas mal d'équipes de, de Ligue 1. Vraiment, ah, si, c'est tout, euh, pff, très intéressant. Tu changé depuis que tu fait les Non, 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 les non clairement, j'aurais de presque un, mis les trois milieux du Havre un, avec euh, Kechta en plus. Euh, parce que Bouchouari, c'est vrai qu'il euh, a, il a fait les bonnes choses, mais je pense que là, pour le coup, il y a aussi l'étiquette Saint-Etienne. Ouais. Parce que trois joueurs de Saint-Etienne dans l'équipe type. Qui est dans le ventre mou de la Ligue 2, on est bien sympa. Après oui, ouais. Nkunku est arrivé cet hiver, il a fait une super perf. Par exemple à Bordeaux, enfin pas avec Nkunku de Leipzig en fait. évidemment, <laughs> ou Georges Kevin Nkudu aussi. <laughs> Nkudu, Et Vitaly Simba, franchement, il est meilleur créateur d'occasion en Ligue 2 alors qu'il est latéral gauche, tu vois. Ouais. Donc euh, c'est fou. Voilà, euh, que te dire de plus Non, l'attaque, je pense que Crasso, euh, Mikotadze, euh, Maja, euh, ça, ça se vaut. Greg Gersen à Bordeaux, c ça a été l'un des meilleurs défenseurs. Il était meilleur sur l'aspect défensif que Barbet, mais Barbet, c'est le capitaine. Il a mis des buts importants sur Koufran. Van de Kharkov, terrain droit de Bastia, il n'y a pas grand-chose à dire. Et le gardien, le gardien de, de du Havre, qui a fait, pareil, une série d'invincibilités assez folle. Donc, honnêtement, il y a pas trop de débat Ouais, Alexandre Mendy à la place de Maja, mais là, pareil, le Malus Ligue 2, il va s'appliquer parce que ouais. quand ils sont loin, Bordeaux joue les premiers rôles. Donc, non, il bah, y a une équipe de Ligue 2 là où il y a des joueurs qu'on va revoir. Euh, très prochainement à l'étape supérieure. Il y a Richardson qui a été recruté déjà par Reims l'été dernier qui était prêté oui. au Havre. Il n'est pas dans l'équipe lui si, il y est. Il y, il y est. Est. Parce il que est. Lui, est Pour le peu de matchs que j'ai suivi de Ligue 2 cette saison, c'est celui qui m'a le plus bluffé dans le, dans le style. Il, il... Après, c'est un branleur, hein. excusez-moi pour <laughs> le mot. Bon. Non, non, mais c'est vrai, non, il, a non, un non, il a un côté très nonchalant. Exactement. Etc. Mais j'adore. Il, il, a, il, a, il a une forme de flemme sur le terrain qui peut être un peu. Euh... Il vous fait penser à quel joueur, genre un joueur plus connu pour. C'est dur parce qu'il est longiligne, un peu décitiqué dans le style. ok. Alors, pas dans le profil forcément, hein, mais dans le style, je trouve qu'il est. Il euh, oh, y a du équitiqué dans le style. Alors, c'est peut-être pas. Euh, on va me dire, ouais, mais t'as vu équitiqué cette saison, etc. Mais le équitiqué de Rhin, c'est un joueur intéressant. Mmh. Donc. Euh, Richardson dans le style ça, ça lui ressemble. C'est donc ça le multivers. Hein <laughs> J'étais ouais. en train d'écouter Pipi a Alors, On a demandé à, à qui il ressemble dans le style. <laughs> Sofiane l'a dit branleur, ça nous sort tous les branleurs. je que des branleurs sur le chat. Après dans ma bouche, enfin ce mot pour un footballeur c'est pas forcément négatif. J'aime bien moi les. Après faut pas que ce soit trop abusé Les mecs qui sont en c'est parce qu'ils sont ils sont au dessus, ils peuvent se le permettre. Voilà ils sont faciles c'est ça. Bon messieurs on va refermer voilà cette page trophée UNFP. On voulait pas en faire non plus une heure. C'était juste histoire de revenir sur les petits débats qui existaient. C'est vrai qu'on n'a pas trop parlé de Messi. enfin si on a tranché Bruce. Non mais non mais non mais on a dit. Tout à l'heure on a dit qu'il y avait peut-être un débat entre Mbappé et Messi, mais il y avait rien d'autre. à Il aurait y être pour moi. C'est quasi kiff kiff avec Mbappé. Mbappé un peu mieux sur la deuxième partie de saison, Messi un peu mieux sur la première. Honnêtement, objectivement, je le pense. Donc voilà. Merci merci Bruce. Si enlevais Messi ou Mbappé cette année, Paris, ça aurait été compliqué pour être Champions, ils auraient sûrement pas été champions. C'était les deux pour faire les stats, etc. Qu'on fait la diff quand il faut quand et même. Et Neymar fait une très bonne première partie ouais. de saison. Je pense vrai, que s'il si, bon. fait la même en deuxième. Euh... Ah ben bah, il, est, il, est, il est dans la discussion. Ah oui, oui bah, il aurait été meilleur. Ouais, ouais, même. meilleur même. Je veux ah. bien qu'on de Neymar, mais sur la première partie de saison, pour moi, des trois, euh, mm. il, ah, il était fort. Clairement, il était à il était un autre niveau. Ok, très bien. Eh bien, euh, les amis, euh, avançons et passons à notre partie euh, Ligue 1, jingle. C'est simple, hein. ça va être un, un débrief, bien entendu, du, du multiplex. Hein. Euh, deuxième multiplex aussi qui aura lieu euh, ce week-end. Euh, mais d'abord, on va un petit peu s'intéresser aux au points chauds. Alors déjà, bon, le PSG qui valide son, son titre. Mais juste, euh, pipion un truc qui est assez fou, c'est que euh, Paris, là, euh, remporte son 11e titre de champion. Mais on a vraiment la sensation que c'est dans l'indifférence la plus totale, mais que tout le monde s'en fout. Il y avait enfin, trois supporters. Parisiens, parce que supporters tu parisiens, pas supporters parisiens, mais... On n'en a absolument rien à cirer. C'est assez dingue quand même d'en arriver là quand même. Pour eux, c'est vrai que c'est devenu un petit, peu, un petit peu banal. Après, il y avait un parcage, a c'est vrai ça, des fumigènes, ouais. quelques effusions de joie dans le vestiaire. On a vu ça sur les vidéos du club. Mais pour eux, c'est devenu la normalité et aussi le fait que finalement. Euh, Il n'y a plus de célébration euh, dans la ville de Paris euh, avec les débordements qu'on ouais. a connus à l'époque. Ah oui, oui j'y bah, ça... étais, je te confirme, c'était quelque chose. Ouais. Ah, c'est toi responsable <rire> Le <laughs> fouteur de mer. <laughs> ouais, J'étais en panique, je n'étais pas du tout responsable. Donc, euh, ouais, ouais, c'est hyper, euh, hyper paradoxal. Après, je pense que là, euh, depuis ce qui s'est passé hier avec Serge Rico, tout ça, je pense qu'ils ont ouais, plus ouais, trop la tête vrai. et tout, on a senti un petit peu de vrai gravité. Vrai. Donc, euh, bah, évidemment, on espère euh, de tout cœur qu'il va qu va bien se rétablir, que ça ne va pas être trop, trop grave euh, pour lui. Euh, voilà, le, le, le PSG a fait, a fait le job. Après, le plus intéressant finalement dans ce Strasbourg-PSG pour côté parisien, c'est la déclaration de Galtier. C'est Galtier qui affirme oui. qu'il mérite une seconde chance, qu'il oui, envie oui. de rester une deuxième saison, qu'il a su faire le dos rond. Il y a une forme d'éloignement de, de la réalité, je trouve, chez lui, parce que il, il, évidemment, remporter le titre pour lui, c'est bien, parce que c'est un coach qui a besoin encore de, cette, de ce crédit et tout, mais on ne peut pas oublier tout ce qui s'est passé depuis aussi sept mois. La première partie de saison, ok. Même si en Ligue des Champions il termine derrière le Benfica, on ne peut pas aller UD. Mais tu vois, l'élimination en huitième contre un Bayern finalement qui était moyen mais supérieur à ce psg là on l'a bien vu, où il n'a pas tenté grand chose. On a l'élimination en Coupe de France face à l'OM. Et euh, voilà, il termine euh, champion. Mais tu vois, il n'y a pas ce petit truc quoi. on se ouais. dit, a l'impression que c'est un peu comme la fin de Pochettino qu'on a envie que tous tout le monde ça s'arrête et qu'on passe à autre chose donc qu'il qu peu... a été en plus dans la tourmente voilà exactement. il y a la polémique qui est encore ouais. euh, sur le devant de la scène mm. et voilà surtout euh, l'intégration des jeunes joueurs à part zairemri qui reste extrêmement discutable où tu vois il charge les jeunes joueurs alors que tu vois il protège toujours les cas du vestiaire euh, honnêtement, euh, je pense qu'il faut tourner la page et que lui-même, il, évidemment, il a envie de s'accrocher parce qu'être euh, euh, entraîneur du PSG, ça reste euh, une vitrine formidable. Mais je crois qu'il faut, euh, qu faut s'en rendre compte et vu ce qu'on est en train de voir sur euh, Luis Enrique, euh, Mourinho, Thiago Motta. Euh, euh, Gaillardo à Béferra, j'ai l'impression que Luis Campos est en train de checker tous les 06 de la planète <laughs> pour euh, le débarquer, donc euh, je pense que ça va être fini pour notre ami euh, Galtier. Euh, Sofiane, c'est quoi un petit peu euh, l'avis global de, de la team Willamax euh, euh, FC Enfin, euh, Thomas, sur euh, quoi Tidani, euh, Elton, sur le PSG, sur euh, Galtier, euh, c'est très... quoi un peu la tendance, euh, vous, dans votre édac Non, plutôt sévère, mais très vite, ouais. surtout Walid, euh, par rapport à Galtier, c'est-à-dire qu'il y a même pas volonté de lui laisser une chance, au final, il a plutôt eu raison. Mm. Euh, après, euh, évidemment, dans la communication, je pense que. Il a été euh, très vite hors sujet. Euh, L'épisode Charavois a été le début d'une <laughs> série... Euh... D'une série de, de, de maladresses en, en communication. Même il y a eu le truc du vice capitana pour Mbappé et Kimpembe. Enfin bref, ouais. je sais pas si on a oublié, mais sur la communication, il a totalement déraillé. Après, nous, sur les. Il n'avait pas parlé des supporters aussi au tout début, quand il venait de signer à Paris. Je préfère l'OMU. Oui, ouais, il avait dit ouais, il y a un truc, j'avais trouvé ça ouais. lunaire, mais comment il peut dire ça oui, Bien euh, sûr, bien sûr. Euh, donc oui, sur Galtier, c'était très rapidement négatif. Euh, mais, mais tu sais, moi, nous, on se disait surtout, euh, au bout de 10 ans, parce que là, tu fais un constat sur une saison, mais au bout de 10 ans que tu es ici, tu te retrouves avec euh, un club euh, qui s'est totalement euh, séparé de ses supporters. Ouais. Ce qui est incroyable quand tu as autant d'oseille et que tu peux, euh, que as la liberté ouais, ouais. Faire de, de, de choses, faire quoi. très attention, tu vois. Mais au final, tu te rends compte que aussi masse d'oseille. Euh, parfois tu es, es en dilettante sur les choix, c'est-à-dire que tu dis même si je me trompe à ce niveau-là, il y aura toujours l'oseille pour me rattraper, et tu n'es pas dans cet esprit de, de, de peur par rapport au fait de, de se tromper, et tu te rends compte qu'au bout de 10 ans, c'est un club qui, pour moi je, je répète, hein, je l'ai répété 50 fois, pour moi le Paris Saint-Germain c'est un club super respectable, mais aujourd'hui tu te rends compte qu'au bout de dix ans... Euh, ils, ils, ils se sont séparés totalement de leurs supporters. Ouais, a Alors que ce soit au niveau de, de la stratégie, au niveau mmh. de la communication. Et je trouve ça très triste par rapport à ça. Moi, bon, je ne suis pas supporter du PSG, pas du tout. Mmh. Euh, mais euh, euh, on, on pense toujours au reset, tu sais, à chaque fin de saison. Mmh. Je pense que là, avec les départs de, de Messi, éventuellement, allez, peut-être Neymar, s'il y a une porte de sortie. Il y aura peut-être la possibilité de faire quelque chose, mais ouais. bon, on se dit chaque fois, ça, chaque saison, ça, ça, ça ne marche pas. Mais je pense qu'il y a une opportunité de faire quelque chose parce que là, pour le coup, tu es vraiment avec tes supporters sur un, t'es devant un mur. Quoi. Ouais, ouais, clairement. Donc, clairement. Euh, pourquoi pas Ils t'ont lâché. Et le stade de France arrive, hein. Le ouais. stade de France, ils sont, ils sont chauds. Toi, tu as envie d'aller euh... Ah non, pas du tout. Hein, bah, euh, pas on a parlé ici, tu te souviens mais très bien. Mais vraiment, non, les euh... gars, je vous pose la question. Il y en a qui croient encore au PSG sur les saisons à venir. Mais non, mais toi, alors, non, je tu vous poses toujours cette question, mais Bruce, il y a des gens, ils supportent ce club. Mais Il tu, faut respecter quand tu, tu poses cette question, Bruce. C'est pas respecter, mais tu peux supporter. Il y a oui, mais on peut être quelles réaliste, sont mais vos... tu peux. Quelles mais, sont vos raisons d'y croire Moi, c'est ça mais, qui m'intéresse. Mais les raisons d'y croire, c'est que de toute façon, le football, c'est un sport qui évolue en permanence et qu'il ouais. y a des changements qui peuvent faire que d'un coup, ça repart. Et y a pas, je ne suis pas en train de te dire que je suis naïf et y que, y ça là, qui, ben, pas, que ça se passe mal. Il y a changements Je ne sais pas, des changements d'hommes, comme il vient de le dire, Messi, euh, Neymar qui s'en vont. Tu, tu vas, qui, tu qui vas qui va va jouer des au ballon dans cette équipe Mais, mais, mais j'en sais rien. Il manque déjà des joueurs de ballon et quelqu'un qui fout de ouf. Tu ne sais pas, Neymar, Messi, ok, pas de souci, il y a eu des problèmes, ce que tu veux, qui, mais, qui va jouer au ballon dans Mais Bruce, le, le problème, c'est que si, si on t'écoute dans, dans, dans ce sens-là, on s'arrête de tout faire en fait. Il n'y a, a pas de, il a, a, a pas d'espoir. Pas... Je comprends ce que tu veux dire, mais il faut, il faut laisser les gens travailler. c'est pas, pas que tu... faut. Mais faut on, les a, on les a laissés travailler tant que t'as cette direction. Je te spoil la saison prochaine, ça sera un fiasco. Bah, je je sais Et pas. <laughs> pas. Je, je sais ça pas. sera Moi un je... fiasco en Coupe d'Europe, ce que tu veux. Je peux, Alors là, je suis prêt à ce mais que tu veux. Hein. C'est un fiasco si tu continues avec cette politique. Si tu continues. Oui, c'est ça. Le vrai changement, c'est pas un changement de joueurs, c'est pas un changement d'entraîneur, c'est un changement de politique, c'est un, une, une prise de conscience de ce qui ne va pas au PSG. C'est ça le, le problème majeur au PSG depuis des années. C'est la prise de conscience de ce que le club doit être et de ce que le club a envie d'être. Et le problème, c'est que quand on parle souvent de non-respect du club, non-respect du PSG, c'est aussi par rapport à ça, par rapport à des joueurs qui peuvent être plus gros que le club, par rapport à une gestion administrative du club qui peut être bah, parfois un petit peu en dessous de ce qu'on attend dans, dans les plus grands clubs d'Europe. Même si dans tous les grands clubs d'Europe, il y a des problèmes, il n'y a pas que uniquement au, au Paris Saint-Germain. Mais je pense qu'avant tout ça, moi, il faut qu'il y ait une Volonté du PSG de savoir ce que cette équipe a envie d'être, et à ce moment-là, essayer de bâtir cette équipe-là en fonction de ça et ont arrêté de, de recruter des joueurs Après, par ci euh, par là. Oui, ouais. non, mais excuse-moi, Quentin, mais il y a deux choses qui sont. Moi, c'est pas question d'y croire ou pas y croire, Bruce. Sincèrement, je suis pas dans ce truc-là, mais par rapport à, à l'analyse qu'on peut faire de cette saison et de ce qui va se passer la saison prochaine, il y a deux trucs qui peuvent changer. La, la première chose, c'est que tu as la Coupe du Monde qui est passée, mmh. donc tu sais, l'objectif. Parce que Messi, quand il vient, il vient pas que pour le PSG. Oui, je veux te dire, dire il vient aussi oui. pour oui, oui. le rayonnement par rapport à la Coupe coup du Monde. Il marque une grosse croix euh, saison. Tu que, et que je suis persuadé que le fait que le Qatar, euh, dans ce moment-là, dans ce laps de temps, a plus pensé à sa compétition qu'au Paris Saint-Germain. Donc ça, première chose. Après la fin de la Coupe du Monde, est-ce que tu peux penser à autre chose Ils auront peut-être la possibilité de le faire un peu plus par rapport au club. Et puis, j'ai envie de te dire aussi, on est sur une saison où c'est la première fois que je sens les supporters aussi critiques sur les individualités, bah, donc sur passé les un joueurs peu cette saison. Ouais, c'est passé donc, clairement. Je ne sais pas euh... si forcément ça aura des répercussions la saison prochaine. Mmh. Je te dis que c'est pas anodin quand même que tu ailles siffler Lionel Messi, que ailles sifflet oui, oui. Neymar. Que Nasser Al-Khalafi, il y a eu jusqu'à très très peu une fracture entre le CUP et, et, et la direction. Donc, je, moi, moi c'est plus de me dire là, c'est bon, tout a explosé, en gros. Euh, peut-être que l'année prochaine, il y aura une porte, de, de, une porte ouverte. Mais, Bruce, moi, ce n'est pas une question, tu vois, de, 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 de savoir s'il y a de l'espoir ou pas. J'essaye de me dire que peut-être qu'on rentre dans un truc nouveau. Mmh. Tu, sais, Allez, tu sais que pour moi, justement, ça, c'est une victoire de la direction, le fait qu'on ait parlé beaucoup de Messier, etc. C'était volontaire et ils ont poussé à ça. Pour décaler le problème, plutôt qu'on parle de. Alors oui, ça parle un peu de Nasser ces derniers temps, mais ça a parlé énormément de Messi, etc. Et pour moi, ça, c'est fait près la de la part de la BD. C'est de la. Pour moi, c'est de la. C'est ce que Mourinho a de la toujours com fait. C'est ont... ce qu'il aime faire, Mourinho. Dès que, équipe... Dès que son équipe aligne pas trois passes, il, il, met, il, met cla... claque... il met une claque à un journaliste et on parle que de Mourinho mais... et pas de son équipe qui aligne pas trois passes, il absorbe réglé. La pression. bien Mais ça, c'est de la politique, c'est de la com, tout ce que tu veux, tu décales le problème pour qu'on parle un peu moins de toi, mais ici, il en a pris plein la gueule, alors que. Que tu le veuilles ou non, c'était le meilleur joueur avec Mbappé de cette équipe et tout le reste était éclaté quasiment. Enfin, à part Danilo Nuno quand il était là, ça a parlé. Messi, Messi, Messi après dans, Neymar son... Un peu, Neymar après, un dans peu. son comportement, Messi il a aussi ses torts. Hein. Mais tu Je trouves veux te le dire... comportement des autres bien Il y a ni le niveau ni le comportement chez les autres. Non pas mais le problème. Le, si tu veux faire une comparaison avec les autres joueurs, éventuellement, on va se dire qui est le pire des pires. Mais d'accord. Mais moi Lionel Messi, vu que j'ai une grande estime par rapport à lui, moi j'ai envie de te dire que dans les performances même si c'est exceptionnel 16-16, hein. 16 buts, 16 passes d'essai, c'est exceptionnel pour un joueur. Mais je pense que du côté de Lionel Messi, tu pouvais encore faire mieux dans l'implication collective. Oui, Et sûr, moi, je vais te dire aussi, sur le lien que tu as tissé, que tu n'as pas su tisser avec tes supporters, évidemment que les supporters, ils sont aussi responsables de ça. Parce mmh. qu'il y a certaines insultes, certains sujets qui, qui que que sont un gris, peu limite. Évidemment, un peu évidemment, mais je te dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Euh, lui aussi a ses responsabilités dans, dans, dans le peu de liens qu'il a tissé avec le club. Tu avais deux ans pour le faire. Je, je veux bien entendre que moi, sortir du Barça de ton cocon, c'est difficile. Okay Mais tu as une responsabilité aussi par rapport à la grandeur du joueur que tu es. Ton expérience, parce que c'est un joueur de 35 ans, et dans la communication, je pense qu'il pouvait faire mieux. Et quand je dis mieux, c'est que pour moi, il n'a rien fait. Dans Après la faut communication. Voir il avait la personnalité pour le faire. Mais Parce que ça, on peut moi, le dire. Mais <coughs> si c'est un mec qui est resté toute sa vie au Barça, il arrive au PSG, il ne connaît pas forcément l'histoire du PSG, il ne connaît pas forcément l'historique. Est-ce qu'il avait vraiment le, la, la, la carrure ou la personnalité pour faire ce que tu es en train de décrire Ça, je ne suis pas ah, sûr. Si, on Pour lui, tu vois il On parle juste de faire vibrer ses cordes vocales. Oui, mais bon. Je ne te parle pas, je ne lui demande pas de se mettre en maillot du Paris Saint-Germain, de clamer son tout tu acte vois de Messi, tout ce que Messi va dire va être scruté, va être analysé. C'est pour, pour ça qu'il a une responsabilité. Alors soit il nous explique, il nous dit, moi je suis pas capable de parler, d'ouvrir ah. la bouche. Il peut nous le dire. Mais il y a, des, tu vois, il y a des petits gestes à faire. Ah, ouais. Allez saluer un public, oui, c'est un minimum. C'est un Mais, vers, mais, un il insulté, ce mais non, mais avant qu'il insulte, il y avait déjà ce problème-là. il Mais Messi a grippe très vite, Il est Je suis oui, d'accord en partie avec ce que tu dis, l'implication et tout. Il a pas tout donné, je pense, à ce niveau-là. Il s'est criant, pas de souci. Après, pour moi, on va me dire que voilà, Messi pour ça que je le défends. Pour moi, il y a des circonstances atteignantes dans le sens où c'est pas son club, il décide de pas grand-chose. Messi, ses équipes, ça a toujours été ses équipes. Là, c'est l'équipe d'Mbappé. C'est pas l'option numéro une devant, il décide de pas grand-chose, c'est la vérité. C'est aussi simple que ça. Et je pense que Messi, il y a eu beaucoup de frustration. Euh, très vite, il a été pris en grippe, on lui a pas dit. La première saison, je trouve pas. Franchement, je, par rapport à sa saison, je trouve qu'il y a eu quand même de la patience. Hein. Mmh. Euh, je, euh, vous avez Parce que c'est. Alors, il y a eu évidemment des débats, etc. On était là à se demander pourquoi il n'était pas bien, mais j'ai entendu, oui, début, entendu oui. énormément. Et c'était un très bon argument pour moi, le fait de sortir de ton concours de Barcelone et d'avoir du mal à te faire la ville de Paris, au club, etc. Et moi, je suis prêt à l'entendre. Mais j'ai trouvé que sur la première saison, il y avait énormément de patience médiatique. J'ai trouvé que dans les tribunes, il y avait de la patience aussi. Il y avait une forme de respect. Donc, tu vois, il y a, y a oh eu des moments bah, bah, après, je me je dis qu'il a une responsabilité aussi et que tout Messi qu'il est, comme dirait Jean-Michel Larquet, oui. et il a une responsabilité <laughs> par rapport à la et situation. Après, ouais, après pour moi, il y a de la frustration <laughs> parce qu'il y a un point de non-retour quand il se fait <laughs> insulter tous les noms. Il Ça, a, pas bien. Il n'a pas été respecté comme il se doit et c'est la vérité aussi. Il faut, faut dire les choses comme elles le sont. Et il y a de quoi être frustré en cette équipe où il y a trois joueurs capables d'avoir un QI-Foot un peu supérieur et de combiner quand la plupart du temps, tu veux jouer vite au ballon et qu'il n'y en a pas un qui est capable de te la remettre comme il faut. Et tu le vois, tous ceux qui connaissent Messi, qui le voient tout le temps jouer, le nombre de fois où il est frustré dès qu'il veut accélérer ou qu'il fait une passe où il se dit, au bout d'un moment, tu le sens, il est fatal, il se dit, eh vas-y, tu le sens à son comportement, vas-y, ça sert à rien, parce que la plupart, ils comprennent pas de toute façon bon, très si... limitée. C'est pour ça que je dis, j'ai hâte de voir l'année prochaine. C'est bien beau, ok, Neymar il y a eu des problèmes, tu peux peut-être t'en séparer, pas de souci, mais ici aussi. Mais... J'ai hâte de voir un Bernardo Silva et qui combinera s'il arrive au PSG, ça va être drôle de minutes aussi, parce ah, que vrai lui vrai va vrai être perdu <laughs> très vite, parce que tu passes de City avec des mecs qui ont un cuit foot monumental, tu viens à Paris où il y en a 3-4 qui et sont capables là, de hein. comprendre des mecs, ça va être très compliqué très vite. Et là on en reparlera quand on verra que Bernardo Silva, ils diront les gens, mais on comprend pas Bernardo, il est moins <laughs> fort. Il est où le grand Bernardo bah, C'est jusqu'autour, tu as une équipe où, bah, qui est beaucoup plus limitée. C'est voilà, mon avis. C'est bon, Bruce, t'as dit ah, tout ce que t'avais à dire. Mais pourquoi <laughs> tous les joueurs qui arrivent à Paris, on les reconnaît ah, plus frère, là pas. Mais non, mais con, au bout d'un moment, con, chaque année, on fait les mêmes constats, <laughs> on dit les mêmes choses. C'est parce que voilà. Les... Bon, bon, Bruce, on, on en reparlera. Et on dira on... la même chose l'année prochaine. Faudra on aura encore, encore des émissions. Ouais, euh, on, on dans les, dans les semaines à venir. <laughs> on aura le temps d'en reparler. Quant au. Il y avait un match très important. Enfin, très important ça dépend encore une fois où on place le, le, le curseur entre Rennes et, et Monaco oui. euh, victoire, de, victoire de Rennes et encore une défaite de, de Monaco qui en dit long en tout cas sur euh, la décompression de cette équipe hein, une équipe qui s'est complètement perdue là, sur cette deuxième partie et pourtant oui. qui semblait voilà, s'être positionnée et être euh, limite euh, en course pour euh, peut-être remonter un peu plus haut et en fait non l'équipe euh, a, a explosé en, en, en plein vol et Rennes qui se replace Rennes qui euh, reprend une position euh, très intéressante pour, euh, pour l'Europe Ouais bah écoute pour Monaco je pense que ça n'a rien d'épilogué là-dessus on en a parlé la semaine dernière on en a parlé la semaine encore avant et ça fait maintenant pas mal de semaines qu'on qu en parle avec un coach qui commence un petit peu à faire n'importe quoi essayer des Kayo Henrique en défense centrale dans des défenses à 3 alors que ça faisait partie des, des meilleurs latéraux de ce championnat pour, pour moi donc euh, donc voilà il faut, il faut mettre de côté la, la saison de cette équipe monégas qui me semble à chaque fois faire des recrutements assez ambitieux mais qui au final euh, n'est pas arrivé à jouer un football correct cette saison. On pensait qu'on allait voir la fameuse locomotive de deuxième partie ouais. de saison, comme Soukovac, mais on l'attend encore éternellement cette année. Il va falloir changer de coach l'année prochaine et peut-être revoir un petit peu la, la politique. Parce que, essayer des joueurs à tout va, on voit bien qu'il y a des qualités chez des joueurs, mais on n'a pas créé de collectif cette saison et c'est ce qui a manqué à, à Monaco. Maintenant pour Rennes, bravo à eux, parce que c'est pareil, ils ont eu. Euh, la période où c'était le, le, nouveau, le nouveau, Barcelone de, de championnat-là, puis derrière ils ont plus mis un pied devant l'autre avec notamment la blessure de Terrier où on a commencé un petit peu à avoir des difficultés avec euh, avec Guiri qui avait du mal à trouver ses marques, Traoré, avec la qui, avait pas qui a fait la, la blessure d'Amari Traoré aussi, de, de, trao de Traoré mm -hmm. aussi, mais c'est vrai que voilà on a souvent mis en avant les, les qualités offensives et l'armada offensive du, du Stade Rennais et leurs difficultés, pendant un moment à, à parvenir à concrétiser des actions. Là maintenant, on a l'impression que c'est derrière eux et recommencent à marquer beaucoup de buts. C'est un peu dommage de se réveiller aussi tard parce que pour le coup, l'AS Monaco était une équipe qui pouvait potentiellement faire peur pour le podium. Mais l'équipe qui aurait vraiment pu être inquiétante cette année, c'est le stade Rennais. Mais un petit peu comme tous les ans, le stade Rennais, c'est l'équipe rouleau compresseur où on se dit qu'ils vont faire une saison de ouf. Et puis derrière, il y a un passage à vide et, ouais. et on a l'impression que ça stagne un petit peu. Passage à vide avec euh, bien sûr des circonstances. Hein. On, oui. on a, les blessures. On a, on a mais ça leur a permis, tu vois, de, de, de faire éclore des joueurs qui étaient un petit peu dans le mal parce que Major fait une très bonne fin de, de saison. Il euh, y a Doku aussi, tu vois, qui est un joueur euh, un peu vivif oui, oui, comme oui, ça oui, là, foufou, oui, oui. mais qui a de la qualité mais qui avait besoin de se contrôler de se, se contrôler, canaliser, se peu, canaliser ouais, donc ouais. lui on l'a vu un petit peu plus c'est ce qui le sauve c'est la profondeur de banc et ces joueurs-là ouais. euh, qu'il a aussi ouais. parce que faut le dire l'effectif de, de Rennes est un bon effectif et après sur Monaco moi je te trouve trop gentil Kanto pour moi c'est la pire équipe pour moi c'est la pire équipe du haut tableau de Ligue 1 ouais, oui, la pire honte avec, avec Lyon, Lyon. En, 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 temps, on, on peut faire de un jeu, combat d'infirme avec Lyon si vous voulez mais pour moi Monaco c'est une honte la saison tu penses avec des qualités individuel pas parce que tu vois sur, on, on disait l'année dernière ils finissent bien avec clément mais ils finissent dans une forme de, de, de sprint final mais dans le jeu c'était pas ça n'a jamais été était concluant tu vois cette saison c'est pareil mmh. moi il a des, son 4 2 4 euh, parce qu'il est obligé de mettre ben Yedder avec un autre attaquant à côté de lui donc ça déstabilise beaucoup l'équipe je trouve ouais. le double pivot depuis la, le départ de chouameni beaucoup moins impressionnant évidemment mmh. mmh. tu as aussi tu... Camara, il un, peu... Camara, il il un excellent il début de saison c'est simple il fait PSG puis après il a Ouais, donc ils euh, plus rien fait. Quoi, donc c est... C est... Et puis, euh, euh, tu vois, tu... on parle de l'effectif. Moi, j'étais prêt à dire aussi en début de saison que pour moi, c'était le deuxième effectif de Ligue 1. Mais mmh. tu te rends compte d'un truc aussi, au fur et à mesure de la saison. Que quand il fait jouer Ismaël Jacob, euh, ailier euh, gauche, ouais. je te dis il y a peut-être un souci aussi ouais. au niveau des ailiers, de la profondeur. Crépin ouais. Diata n'est jamais revenu de sa grosse blessure. Buts, euh, Minamino donc, crois, ils se sont trompés. Euh, Minamino, mmh. tu ah ouais, vois, il il est du, voilà. Euh, donc il y, y a beaucoup de choses à redire sur Monaco et puis sur le coaching de Clément. En fait, c'est très simple, Clément, c'est football manager, c'est-à-dire que <laughs> tu es en cours de match, tu remplaces un joueur au même poste. Fais, euh, tu fais du temps de jeu en fait. Ouais, ouais, Combien ouais. de fois il a sorti beignet d'air dans un match alors que beignet d'air, il ne méritait pas du tout d'être sorti, mais mm. qu'il fallait faire du temps de jeu pour soit euh, ben Seguir, soit pour Volande, soit pour... Et qu'à un moment, il a, il a mis beignet d'air sur le bras, ouais. il ne faisait plus jouer voilà. donc il le perdait. Finalement. Il a perdu. Ouais, ouais. Donc moi, Clément, euh, euh, je veux bien, euh, parce que quand il est arrivé, il est venu avec cette étiquette de, joueur ta de coach tactique qu'on a vu à Bruges, notamment sur la phase de poule de Ligue des Champions, mm. Mm. mais tu te retrouves avec une équipe qui, dans la forme euh, de, de jeu, dans ce qu'il propose, et c'était déjà le cas l'année dernière avec... Kovac avec Clément, c'est pour moi c'est une honte parce qu'on parle de, de la saison de Ligue 1, mais ce qu'ils font en Europe où ils se font taper par Braga ouais. et encore et, et cette saison les par Leverkusen, par Leverkusen, hein. ouais. c'est pas les Leverkusen de fin de saison qui va jouer la Europe. Ouais, hein. Leverkusen éclaté ouais, ouais, en début ouais, d'année. Donc on Monaco, la Coupe de France contre Rodez en finale. Ouais, tu m'en rajoutes <laughs> encore. Donc Monaco, en fait, <laughs> le tru Malus. truc de Monaco, c'est qu'ils ont de la chance parce que tout le monde, y a Personne n'a rien à foutre en fait de ce club. Il y a pas mon cas, hein. Mais personne n'en parle. Mais si c'était un Marseille qui faisait cette saison, ce ferait bah, déchirer. Mais évidemment. Mais Marseille ils sont presque en train de se faire déchirer bah, alors qu'ils oui, sont mais sur Canto, le les Et à ça on va, fois, en, parler, ouais. on va ah, en parler. dans même pas ça. cinq minutes. Donc, euh, mais oui. Euh, Pipion, je voulais aussi ton avis sur ça, sur, sur le Stade Rennais et euh, la S Monaco. Je pense que étais plus ou moins d'accord avec ce qui ce qui se dit finalement. Ouais, ouais. Je pense que là pour le coup, Rennes termine bien et ils ont besoin de ce sprint final de cette Coupe d'Europe pour se rassurer parce qu'ils sont. Je pense que s'il terminait hors ouais. Europe, ça aurait été vraiment une saison ratée. Il faut le ouais. dire, hein, parce ouais. qu'éliminer euh, tôt en Coupe de France, en Coupe d'Europe contre une équipe qui n'avait pas joué depuis trois mois. Et voilà, on l'a souvent dit il y a la blessure de Martin Terrier qui est leur meilleur joueur, leur joueur plus plus. Mais tu as eu un mercato hivernal, tu as eu beaucoup de temps pour ajuster ça. Et finalement, Genesio n'a jamais su trouver vraiment la bonne formule. Euh, voilà, il a changé beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup de fois son 11. Et là, par contre, cette équipe, elle tourne bien. Au détriment de certains joueurs. Kalimundo est sorti du bon ça n'a pas matché pour l'instant, mais il faut pas l'enterrer, je pense qu'il reviendra. Doku, ce qui est super, c'est qu'il est enfin laissé tranquille par les blessures, parce que ouais. je pense qu'on l'avait tous vu, ici, le potentiel de ce joueur. Qui est, qui est fabuleux, et je pense qu'il a vraiment besoin de ça, d'être à 100% physiquement, c'est un peu tu sais, comme Paul-Georges Entep à l'époque, oui. s'il était à 90%, bah, c'était pas le même joueur, et là, pour le coup, il a, il a fait tellement de, de, de misère. Ah, trop dur à défendre, lui, ah, quand est qu il sûr. est bien comme ça. Même lui, il se dribble. Ah, ah, ouais, ça. Non, mais ah, le, on en reparlera la semaine dernière, mais le wow. match à Ajaccio, il se fait attraper plusieurs fois, Pff, c est, c est, c est, les adversaires voulaient se le faire. Après, moi, j'étais pas forcément fan du fait que Genesio continue, parce que je chantais quand il était arrivé au bout d'un certain cycle. Après, voilà, peut-être qu'on se dit euh, le choix de la stabilité, peut-être qu'on va chercher un entraîneur, on ne sait pas ce qu'on aura, euh, tu sais ce que tu perds, tu sais pas ce que tu gagnes. À voir encore une fois pour le mercato ce qu'ils vont faire, parce qu'on rappelle c'est une équipe qui a investi euh, depuis chaque été euh, 80 millions depuis trois ans. Mmh. Donc voilà, il ne faudra pas se tromper sur le choix, mais j'espère qu'ils vont enfin passer ce cap avec Terrier, le retour et tout, mais surtout euh, voilà, il faut qu'ils enclenchent un petit peu euh, candidat assumé au podium, faut que ça joue tout le temps cette saison et voilà, le, le fait de faire victoire-défaite, victoire-défaite, c'était un peu lassant, mais bravo, honnêtement, ils ont fait le job, ils vont terminer sans doute européen, il faudra bien gérer à Brest. Après, pour Monaco, bah, Sofiane, je le rejoins totalement. Tu sais, oui, oui. Je n'ai pas été euh, euh, très euh, gentil avec Philippe Clément parce que moi, je trouvais qu'il faisait régulièrement n'importe quoi. Euh, déjà à l'époque où il disait je ne peux pas associer Benyder à Mbolo alors que c'était vraiment ces deux meilleurs... Oui parce que de ça defensif. dépendait mal à la, à la, au enfin, sur le pressing, sur le premier pressing mmh. apparemment c'était pas bien. Mmh. Moi j'ai vu euh, quand il les associait pas, je peux te dire c'était aussi la merde. Hein. Ah oui, non, Donc Mbolo sûr. pour moi c'est le joueur il faut mettre euh, titulaire quand ouais. qu il arrive. D'en ouais. ouais. ah, passer ouais. autant de fois cette saison alors que c'est quand même un joueur dans la surface, mmh. hein. le fait de remonter le bloc parce qu'il y a des écarts de ligne euh, incroyables et lui quand il te garde le ballon de but il permet comme ça de à l'équipe de, ouais. de venir vers lui. T'en passais autant de fois cette saison, euh, et en plus là il est blessé sur la fin d'année, donc au final sur la saison, ton meilleur joueur ou ton top 2 joueur, tu l'as pas utilisé C'est sûr. Un Après échec. ça c'est les choix des coachs, hein, encore une fois, c'est selon leur, 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 leur manière de jouer, euh, voilà, euh, euh, parfois tu as des joueurs qui passent à la trappe comme Mais, mais voilà, Monaco, pareil, là c'était le, le grand ménage, va être super intéressant, je répète, euh, super infrastructures, c'est mmh. parmi euh, le top des centres d'entraînement en France, donc déjà tu as un cadre qui est incroyable, et surtout mmh. une so un centre de formation qui est toujours performant, ils viennent de remporter à la Gambardella t'as du vivier sur lequel t'appuyer, après c'est toujours la même chose, ce projet d'achat-revente avec des mecs qui savent pas qui veulent rester, et pareil pour les cadres, tu vois, Dizazi et Fofana veulent partir, ils veulent partir en allant plus haut, mais peut-être qu'ils vont se prendre euh, une grande claque dans leur mmh. gueule. Désolé de le dire comme ça, mais mmh. ils vont peut-être devant mmh. beaucoup de dé déconvenus parce qu'honnêtement, pour moi, ils n'ont pas le niveau pour aller voir plus haut. Ce que j'allais dire, est-ce il Est qu'il a le niveau pour aller plus haut ah, moi, ah, Je ne suis vraiment ça pas va, sûr. il y a un doute sur ce joueur, moi. Euh, je veux dire, ça en parle pour l'équipe ouais, de France. Il hein, a euh, euh, dans des grands clubs, mais je suis pas convaincu. Je préfère Badiachil, moi, dans le style. Mais moi, je préfère Badiachil, largement. Et quand il était arrivé de Reims je me posais déjà beaucoup de questions sur, sur ce joueur-là et quand je voyais la, la charnière d'Isassi et Badiachil et que les deux étaient convoités par les cadres européens, mmh. je me disais mais attends, pourquoi c'est une charnière où les deux joueurs individuellement sont convoités par des grands clubs mais quand je les vois collectivement à deux, je les ai jamais vraiment trouvés bons ensemble. Mm. Et je me dis, au final, il y en a peut-être un qui est moins bon que l'autre. Et j'ai toujours été persuadé que Badiachil était, était plus fort. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais, mais j'ai toujours eu une préférence pour Badiachil. Bon. Après, juste attention, un... dans, le, dans le truc, tu vois, on parlait de la tactique et du déséquilibre dans cette équipe quand tu joues en 4-2-4. Bon courage mon pote pour jouer dans un double pivot dans cet effectif. Oui. Tu vois c'est pour ça qu'il faut oui, faire, oui. faire attention parce que je pense que c'est quand même un bon joueur. Et bon courage pour jouer en centrale aussi dans cette équipe là mmh, mmh. parce que les vagues que tu te manges même contre des petites équipes euh, contre hein, le match contre oui où ils il perdent j'ai plus score en tête mais je me souviens de Vague où Balogun il est en un contre 1 avec Disasi tu vois quand on juge aussi des joueurs individuellement faut juger qu'est-ce qui est mis en place collectivement hein. et mmh. je pense pas qu'il soit bien mis dans les bonnes conditions mmh. en tout cas. Tu voulais racheter un truc, Kanto Ouais, je, parce que sinon, je ne vais pas arriver à trouver le sommeil ce soir. Euh, tout à <laughs> l'heure, je parlais de qualité de l'armada offensive du Rennais. Je n'inclus évidemment pas Karl Toko et Kambi. Voilà. Ah, je, je, <laughs> juste, je... ah bon Ça s'est mal passé, la deuxième partie de la saison <laughs> Non, je vais ah, quelque chose. Je enfin, barcola, moi. Je ne sais pas. Pourtant, on ah, me l'a vendu comme crack, incroyable. Hein. Les Lyonnais ne connaissaient quoi. rien. Alors, messieurs, attention, le, 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 le temps file et j'aimerais bien quand même qu'on fasse notre sujet de la semaine sur Igor Tudor. Parce que là aussi, il y, y a pas mal de choses à dire. Bruce, on va regarder le calendrier de la prochaine journée. Euh, Multiplex, d'ailleurs, euh, je vous le dis tout de suite. Se peut, il se peut qu'on le suive ensemble, ce multiplex, on vous en Oula. parlera, mais il y a peut-être un truc qui est en train de se, se pas... Euh, pas validé encore. Ouais, moi pas si je vais tenir. Moi non plus. Justement, c'est pour ça que je dis, il se peut. J'emploie je, le conditionnel. Bruce, euh, Nantes qui perd contre Lille, euh, Nantes qui menait, euh, Nantes qui avait peut-être ouais. l'occasion, bah voilà, de, de bien, euh, de bien se rattraper. Il va falloir euh, aller euh, bah, chercher cette euh, euh, ce maintien jusqu'au bout. Ce sera face à Angers de l'autre côté, Auxerre affrontera Lens. Est-ce qu'on y croit encore une fois C'est la question que je te pose toutes les semaines. Maintenant, parce que <laughs> ça bouge pas. Euh, comment comment est-ce qu'on le sent ils sortent, en boîte, ils sortent en boîte, les Lensois, vendredi soir. <laughs> je te donne l'information. Bon, cou bon courage pour ta semaine. Le truc, c'est que, comme je, je je dis depuis, comme je dis depuis quelques temps, j'ai accepté il euh, y a déjà quelques semaines que Nantes allait être en Ligue 2. Pour moi, c'est déjà miraculeux d'être encore en vie à la dernière journée d'avoir ce scénario-là. On n'a jamais vu personne descendre à la 32e journée. Hein, de... bon, <laughs> dans tous les cas, tu allais être en vie jusqu'à la 38e. C'est déjà, <laughs> déjà une belle quoi? chose. Non, tu as dit que c'est miraculeux d'être encore en vie. Oui, sur le bilan comptable, je je j'ai encore envie à cette dernière <laughs> journée. Oui 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 j'ai pas compris. Non, non. <laughs> Bruce, non, continue, continue parce que... Continue. Non, non, ouais, on, fait... on, peut, on peut y passer 5 <laughs> minutes, donc continue. Mais non, et continue, Angers, continue. ils sont en Ligue 2 depuis longtemps. Oui, mais Angers, et Angers ils sont pas en Ligue 2 compris. depuis la première journée. Ils sont en, <laughs> en Ligue 2, Angers. Oui, mais non, non ce que je veux dire, c'est que ça fait 100 matchs qu'ils n'ont pas gagné. Tu vois la série qu'ils ont fait pour moi, ils devraient être officiellement en Ligue 2 déjà depuis quelques journées. C'est ça que je veux dire, c'est assez fou. Donc heureusement que voilà, au même si ça va un peu mieux ces derniers temps, au début, ils ont pas pris beaucoup de points. Mais c'est pour ça que... Faut voir ce, ce côté-là parce qu'il y a que ça à voir. Après contre Lille en vrai, il y a eu un peu de mieux. La première mi-temps était bonne, sincèrement, était ouais. sérieux de Nantes. En plus ils profitent d'une erreur. D'habitude c'est eux qui font des erreurs et là pour une là, fois, il... joli cadeau. Joli cadeau et Merlin en profite bien. Et Nantes il y, y a quelques occasions. Donc Anago et tout, t'es pas loin même de mettre un deuxième but. Tu vois ce qui aurait été juste incroyable. Et puis bah, deuxième mi-temps, tu retrouves, tu retrouves le Nantes qui donne deux buts par match. Voilà donne deux pénaux, à Auré qui jette, mais c'est pas possible à ce niveau-là d'être mm. aussi naïf. Alors que Nantes était bien, et Lille était vraiment pas bien, tu vois. Et c'est pour ça que c'est terrible. Donc euh, il relance complètement euh, Lille. Et puis derrière, c'est que ça va se compliquer. Et puis à la fond, qui lui aussi est pas bien depuis quelques temps, bah, qui malheureusement cette sortie euh, a pas trop touché le ballon. Mm. Donc tu donnes Joli deux... punch. Ouais, tu donnes deux pénalties et puis bah tu perds après. Sincèrement, perds à Lille. Il voilà, n'y a rien de scandaleux, mais c'est vrai que sur le match, un peu frustrant, parce qu'il y a un monde où honnêtement, ce Lille était prenable. Et si pour une fois tu faisais pas de conneries, mmh. tu aurais pu sûrement gagner ce match, peut-être gagner ce match. Mmh. Donc des regrets, après, comme j'ai dit, ça va jouer à la dernière journée, en espérant que Lens joue euh, un minimum le jeu. Voilà, Après, si jamais bah, il décide de moins jouer le jeu, on peut même pas leur en vouloir. Hein. En plus, Angers, aussi... attention aussi de ton côté, parce que. Gé... Ces derniers temps, oui, oui. C'est pas long, c'est ils, début. Ils vivent leurs derniers Mais le truc, c'est que si Auxerre gagne, ouais. c'est fini de toute façon. Donc c'est pour ça que tu es bien obligé de, de regarder à côté. C'est ça le problème. Donc euh, voilà, on espère que lance prenne au moins un point là-bas face au moins le nul. Et que Nantes, de bah, toute façon, ils n'ont pas le choix. Il faut, faut gagner. Quoi. Après, c'est vrai que ces derniers temps, j'ai joue, joue mieux que Nantes. Donc il euh, hum. y a un monde où lance fait un résultat contre Auxerre et Nantes ne gagne pas. Okay. Bon, en tout cas, on, on suivra ça dans, dans, dans le multiplex hein, au Cerlance. On, on aura un oeil, bien sûr, sur le Monaco-Toulouse, bien entendu, pour les places pour l'Europe. Le Nantanger, forcément. Brest-Rennes aussi, voilà. Et trois euh, lille ce sera euh, clairement les, les, les cinq matchs sur lesquels on aura un œil et euh, qu'on débriefera très certainement dans la prochaine émission. Messieurs, comme je l'ai dit, on voulait faire donc, ce sujet de la semaine sur Igor Tudor. Eh bien, c'est parti ah bah y'a pas de jingle, ouais, mais il <laughs> y a toujours un jingle sur le sujet de la semaine. Poinot, qu'est-ce que tu me fais il y a toujours un jingle, c'est ouf. Euh, bref, alors messieurs, on l'a vu, euh, saison euh, assez mouvementée euh, pour euh, l'OM. Non, mais c'est catastrophique. Saison assez euh, mouvementée pour, euh, pour l'OM. Euh, finalement, l'OM termine troisième euh, podium. Mais maintenant, on le voit, euh, on l'entend, Kanto, ce, ce truc. Est-ce que c'est une réussite ou est-ce que c'est un échec Quand on voit, bien sûr, euh, les moyens, les ambitions on, que tu as, on, on, on se pose la question est-ce que finalement euh, l'OM a, a réussi son, son coup Et l'autre question, bien sûr, c'est de savoir si si Igor Tudor doit continuer. Est-ce qu'il va continuer Est-ce qu'on va avoir envie de le garder du côté de l'OM Qu'est-ce que lui euh, va avoir envie de faire Je sais que tu pas dans sa tête, mais euh, euh, quand on est supporter marseillais, euh, qu'est-ce qu'on en pense de, de, de tout ça Comment on fait le tri Alors, euh, pour le côté positif et le côté réussite, j'ai rarement pris autant de plaisir à avoir joué l'OM que cette année, notamment sur le début de saison. Avec ces compos qui étaient sur le papier bizarre, quand tu vois Matteo Gendouzi qui était lié, on se demandait un petit peu ce que Tudor dors est en train d'inventer. Puis on a compris au fil du temps que c'était pour mettre beaucoup d'intensité, avoir un pressing très haut, récupérer des ballons hauts, surtout pousser l'adversaire à faire, à faire beaucoup d'erreurs de, 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 de relance. j'ai pris énormément de plaisir à voir évoluer cette Olympique de Marseille là, et notamment avec cette deuxième partie, ces matchs retour plutôt de, de Champions League, où on a eu l'opportunité de, de pouvoir y croire jusqu'au bout. Le bilan, c'est que derrière, ça a été un échec. Mmh. Au niveau du championnat, pareil. Il y a cette notion de plaisir, il y a des résultats. On a parlé pendant un petit moment de, de ces équipes-là, le PSG, le Racing Club de Lens et l'Olympique de Marseille, qui étaient sur un débat, je crois, d'une saison à 100 points ou à 90 points. C'était quelque chose d'historique à un moment donné de la saison. Et le travail d'Igor Tudor n'y est pas pour rien. Le bilan, c'est qu'on termine troisième et qu'il y a une régression par rapport à l'année dernière. En Coupe de France, on élimine le Paris saint la main avec un beau match, avec euh un match une exceptionnel. équipe exceptionnelle. Voilà, ouais. un match exceptionnel, en mais bon, vu que je suis marseillais, après on va dire que... Mais je préférés de la saison, tu vois. J'en ouais, sens particulièrement, tout, mais voilà, l'ambiance... C'est mort de faim. C'est ça, y ça y c'est l'ambiance la de Marseille. Et c'est ça, exactement. C'était la bonne version de ah ouais. Tudor avec des daleux sur le terrain qui étaient capables de fournir des efforts et de bien jouer au ballon. Le bilan, c'est que derrière tu sautes contre Annecy. Donc en fait, moi, si je compare la notion du pion, c'est de quoi tu parles. Ouais, ouais c'est ça. Annecy, ça. Tout ça <laughs> Annecy, il connaît un peu. Bon, lui, c'est Escalès qui lui a, qui lui a, qui s'est occupé de, de voilà, deux. Et Vincent et, Pajot. Et, et, et voilà. Et Pajot. Nous, nous, nous c'était le gardien remplaçant qui s'est occupé de nous. Comme quoi, il y a du talent euh, à Annecy, et on fait bien du côté de l'État de, de dire que nos régions ont du talent de manière, <laughs> de manière répétée. Euh, non, non. Mais plus sérieusement, en fait, c'est. C'est un peu une saison, j'ai envie de dire, lunatique et presque schizophrène de cette Olympique de Marseille où tout le monde s'est régalé, mais finalement tout le monde sort frustré comme jamais, j'ai envie de dire, avec les résultats. Et je sais même pas si j'ai envie de garder Tudor ou pas aujourd'hui. Ouais. Bonjour. de toute façon, il se casse à la juve, non Même lui, ne sait pas s'il a envie de régler. Exactement. Même lui. Il et, il et, et le problème, c'est qu'on sait pas ce que lui veut, on sait pas ce que nous on veut, on sait pas qui c'est qui peut potentiellement venir. J'ai la lu, juve le veut. J'ai bah, lu juve, Francaise ouais. aujourd'hui. Oui, si tu me dis Francaise à Marseille, euh, oui, je, je, je crache pas dessus. On parlait là, là dès la, on la saison prochaine Dès la saison prochaine ouais, mais mais Non mais c'est ce dont on est en train de parler ouais, bah, hein, oui, J'y crois pas beaucoup Je pense que Hayes a tout intérêt à rester encore un ah, an oui. Surtout avec oui. son, ses fonctions qui ont été améliorées Les résultats, le budget qui va être un petit peu plus conséquent oui. Etc etc Mais non, aujourd'hui euh, Moi le problème c'est qu'en remplacer Tudor, oui mais à la place de qui Parce qu'il y a un effectif qui est bâti pour Saint-Pauli, Il un effectif qui derrière est bâti pour Tudor Si on change tous les ans, peut-être que ce sont des profils Qui vont avoir du mal à s'acclimater On a vu avec le cas Gerson cette année qui était très bon en fin de saison dernière sous San Et sur et la prépa été... aussi. Et sur la prépa aussi, mais qui au final derrière n'est pas arrivé à s'acclimater, à trouver sa place dans cette OM-là. Et le problème, c'est qu'à changer d'entraîneur chaque année, bah c'est bien, mais le problème, c'est que ton effectif qui a été bâti pour l'entraîneur d'avant, ça peut avoir des. des c'est pour conséquences. ça tantôt que en fait, c'est très difficile de répondre à la question réussite ou échec. Ouais. Bah oui. Mais en fait, ça dépend où tu te positionnes. Euh, moi, j'irais un tout petit peu plus vers réussite. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est que en début de saison, est-ce que tu vois l'OM sur le podium Moi, je pense qu'on est beaucoup à ne pas les voir parce que au, au, on mo est... au moment où tu dors signe. Oui. Oui. Ah ben bah non, tout le monde parlait de Tudor d'émission voilà, avant même qu'il y match officiel Il avait même pas encore euh, ah bah oui. signé en il fait, était déjà décrit. En fait tu vois là où, là où et, et c'est totalement normal ton débat euh, Braque ouais. et je pense qu'on est tous à faire aussi le débat Braque. du coach <laughs> euh, euh, Merci pour moi Excuse-moi <laughs> <laughs> excuse euh, J'ai bugué ouais, Non mais on est tous à faire le débat sur le coach Oui Ok, on peut discuter euh, de ce qui s'est passé cette saison, euh, euh, de certains shows aussi tactiques, euh, de son incapacité à, à rentrer euh, euh, enfin à, à rentrer certains joueurs dans le 11, à avoir de la profondeur d'effectif, okay. sa gestion de certains cas, Gerson éventuellement, euh, Gendouzi éventuellement. Mais je pense que la question de savoir si c'est réussite ou échec, pour moi, c'est sur ce que Pablo Longoria met en place. Mmh. Et quand tu dis mmh. à chaque fois, on change d'effectif, donc on va. Enfin, on change de coach, on va devoir rechanger d'effectif. Tu vois, ça aussi, tu dois le prendre en compte dans, ta, dans ton euh, analyse de la saison de Tudor. Moi, je dis réussite parce que pour moi, c'est fort ce qu'il a fait à, avec un effectif qui a été remodelé en début de saison, ouais. avec les supporters qui étaient là à t'arracher la tête euh, très très rapidement dans la saison. Avec aussi, moi, je te dis, c'est parti en vrille dans le vestiaire en fin d'année. Oui. On a qui te disent, c'est de la responsabilité de Tudor. Mais moi, je le vois dans un autre sens. Je trouve ça exceptionnel que ce soit parti en vrille aussi tard. Oui. Parce que pour moi, avec cet effectif-là, normalement, très vite, tu perds Gendouzi très vite, tu perds Payet parce que tu le mets sur banc. Très vite, il y a très des vite, joueurs, il y a des, des joueurs pas simples. Tu peux un a tu vois. Et je te le dis, et, et moi, j'ai beaucoup de griefs par rapport à Tudor notamment euh, parce qu'il est aussi comptable de ce qui s'est passé contre Annecy Il est aussi comptable, pour moi, de ce qui s'est passé contre dans la poule de Ligue des Champions, parce qu'on va me dire ouais, quatrième, c'est normal parce que c'est l'OM. Non. Cette pas là, dans cette poule-là, hein. tu dois être au moins en, en europa. Bah, League, oui, par rapport oui. à ce que tu fournis Les deux matchs face à Francfort, notamment, sont honteux. Le, mais le premier ouais. contre Benin aussi. Le, mais, dans, dans la mentalité. Mais de... quand on juge ouais. réussite ou échec, il faut prendre en compte un truc, c'est que Longoria il a mis en place un tourbillon de clubs. C'est-à-dire que. Tourbillon d'effectifs, tourbillon de coach. Et quand tu juges une mmh. saison, tu dois prendre aussi en compte ça. Et pour moi, même si ça se termine sur deux podiums, et, et tu dis là, par rapport à la saison dernière, c'est mieux, enfin c'est moins bien. La saison dernière, Sur le bilan comptable. La, bien sûr, mais la saison dernière, tu obtiens la deuxième place grâce à un but d'un joueur oui. qui n'est même pas dans ton équipe. Ça oui, serait oui. Ganago qui t'amène en Ligue des Champions <laughs> directement. Donc moi, je veux bien ah, ouais. qu'on fasse le petit jeu comptable, etc. Mmh. Mais ce que je veux te dire, c'est que tu es très souvent sur un fil. Parce que ce qu'a mis en place Longoria dans le style des joueurs dans ce qui te demande dans l'implication surtout dans une ville comme Marseille où chaque, chaque, chaque semaine tu es remis en cause mmh. je alors pour l'instant ça tient mais moi j'ai beaucoup de doutes sur ce qu'il est en train de faire par rapport à l'effectif et même les supporters sont perdus. Parce que c'est vrai que Longoria, euh, on a l'impression qu'il a un petit peu le totem d'immunité. Ouais, hein, ouais. Partout, trop gentil il avec lui, trop gentil par... avec. Oh, parce que, que faut... finalement, on n'a pas été peut-être un peu trop. parce que sur certains ouais. trucs, parce que juste pour finir, trop parce que je suis un petit peu long. Mais tu vois, dans ce sentiment même d'identification aux joueurs. Tu changes tellement d'effectifs que les mecs, même les supporters, ils sont perdus. Il y en a qui bah sont ouais. fans ouais, de Gendouzi. Ouais. Il y en a ils sont fans de Gendouzi. Moi, hein. je suis fan de Non, mais ce je... pas une critique, mais juste non, pour mais... te dire que c'est le seul mec qui enchaîne un petit peu. Ouais, et pourtant, c'est pas un joueur. <laughs> qui... Et qui Élie, qui... tu l'as perdu dans la saison. Hein. Et tu l'as complètement fond. perdu. Hein. Mais c'est pour te dire que tu es tellement loin de cette identification par rapport aux joueurs individuellement que tu arrives à. Il y en a ils se disent, si on avait gardé Gerson. Mais Gerson non. a de nombreuses reprises sur le match contre Francfort, il est éclaté Gerson, euh, mais bien sûr. tu vois et, et, Mais c'est parce que tu as tellement envie de t'identifier au joueur et que ça bouge tellement, ah oui. que même les supporters ils sont perdus. Donc plus de Longoria sur les critiques à mon avis, moins sur les coachs, même s'il ouais. y a des choses à dire. Le truc, le problème aussi Après, de Marseille, vous, vous tout parole. a été dit, et je suis d'accord, le truc c'est qu'au final, c'est à la maison où ils font pas le taf, et ça ce n'est pas normal, parce mm. qu'on sait que ça peut être une pression nég négative à Marseille quand ça ne tourne pas trop, parce que les joueurs se mettent beaucoup de pression, etc. Ce n'est pas évident mais normalement, ça doit être un stade où c'est trop dur d'aller jouer là-bas. Lance cette année, ils ont quasi fait carton plein chez eux. Marseille, ça devrait être quasi pareil. Ça devrait être trop dur d'aller gagner là-bas. Ils ont gagné combien de matchs chez eux Marseille, euh... ils ont... Marseille, ils ont cinq défaites à la maison, c'est pire. Enfin, 6 ou 7 Je crois ils ont gagné 10 à matchs à la maison. À domicile, euh, on n'est pas C'est bon. pas normal, tu vois. Mmh. Ça, c'est pas normal. Et ce qui leur a fait défaut aussi, c'est ce fameux numéro 9 Heureusement que Sanchez, il a fait le boulot pendant une bonne partie Sans de la saison. Sans oublier la blessure d'Arite. Ouais, aussi. Mais à un moment donné, Sanchez, il, il a été moins décisif, ce que tu veux. Vitinia, ça a pas fonctionné. Parce que si tu rajoutes les mmh. résultats à domicile et que tu trouves un neuf qui t'assure les stats et tout, parce que Sanchez, honnêtement, heureusement qu'il a fait le boulot. Cette Saison, parce il, est là, ouais. il a été incroyable. Mmh. Si tu rajoutais ça, mais il faisait une saison incroyable au final, Marseille. Mmh. Il manquait peut-être pas grand chose, mais et ce neuf aussi, ils l'ont jamais fait. Là où, quand même, je te rejoins sur, sur le, les, les matchs à domicile, j'ai eu la sensation que l'équipe ne faisait pas corps avec le public. Il y a, il y a des saisons où sûr. Marseille, quand tu les voyais jouer, tu avais vraiment l'impression qu'en fait, tu jouais contre eux et les supporters ouais, et Et, Bielsa, et, ouais. et cette année-là, était Franchement, au choix plus Cette, là, cette pour... saison, euh, ouais, ouais, ouais. exactement. C'était pas du tout un, un, un plus d'avoir les supporters. Et pourtant, les supporters poussaient. On, on les a quand même entendus cette saison parce que bah, les mecs, on connaît Marseille, les mecs te lâcheront jamais. Mais t'avais l'impression en fait que tu regardais une équipe jouer qui était là mais qui se souciait pas trop de ce qui se passait autour parce que justement elle gérait ses problèmes à elle mm. en interne. Et, et normalement, t'es censé te servir de ce que, de ce que te donne Les supporters Et même les équipes qui venaient, ils sentaient ça, que... Que... ils se disaient il y a un coup à faire à Marseille. Et et comme... comme les équipes qui jouaient Paris tu 10 tout, ans, il y a moyen de. C'est une équipe qui a beaucoup vécu sur son intensité et tu te rends compte que oui. dans ce type d'équipe-là, quand ça baisse tu ouais, te rends ouais. compte de la qualité des joueurs ouais, ouais, moi je se vous se je se vous se le dis sur le ouais, 11 regardez prenez joueur par joueur sincèrement hormis Alexis Sanchez qui est pour moi un joueur incroyable il y a beaucoup par dire individuellement sur ces joueurs bah, ta et ta donc, donc quand reste, on fait close, quand mais, on fait bah, il, tu les, peux les, mettre sanchez tu vois c'est typiquement c'est très on, irrégulier on va, on va prendre juste l'exemple d'un cas très clivant et moi j'assume totalement moi Rongier verrait tous les deux moi Rongier verrait tous les deux quand tu me parles dans leur rôle dans l'intensité qu'ils mettent dans la capacité à récupérer Récupérer des ballons, parfois à proposer devant. Quand il y a beaucoup d'intensité, ces mecs-là, ils sont dans le positif ils sont dans le thème ils sont dans le ton tu et, tu, et tu ta vois ta moins leurs défauts ce qui était bien au début de saison quand ça allait bien tu vois mais exactement mais quand tu as moins d'intensité de, 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 quand tu es moins sur la variable physique ouais, ouais. quand tu es face à des blocs un peu plus bas tu vois qu'il manque un, un truc techniquement ouais. tu vois que ces joueurs là c'est pas des joueurs supérieurs et sur les 11 sur le 11 hormis Alexis Sanchez il n'y a pas de joueurs supérieurs et ça c'est de la responsabilité aussi de Pablo Longoria mmh. donc euh, évidemment il y a eu la blessure sur Dunaï qui et le Tudor à, à mon rentrer. sens et, et le Tudor parce que après je, qui, je suis d'accord avec tu... toi tout ronger parfois ils ont du mal un petit peu à faire péter le verrou adverse et ils devraient peut-être être un peu plus offensifs moi c'est notamment pour Ronger c'est un joueur que je ne critique pas parce que c'est un des joueurs qui pour moi est le plus important de l'effectif de l'Olympique de Marseille mais là où moi je suis D'accord et pas d'accord avec toi, c'est que pour moi c'est la faute aussi à Tudor de sans arrêt proposer ce milieu rongé vers tout et de ne proposer aucune alternative à ça pour arriver à venir débloquer les situations face au bloc adverse. Après les adversaires et les entraîneurs, ils vont étudier encore et encore et encore et encore la façon de jouer de la part du milieu de terrain de l'Olympique de Marseille. c'est quoi ton alternative quant au Second Douzi Bah tu peux avoir Gandouzi, on a prêté gay, et... ou bah, on peut, pas on pas peut vieille, aussi recruter... De plus. Non hein. mais on peut aussi recruter quelqu'un avec un profil un peu différent. Là, là non. on est d'accord. Donc, Donc à, mon sens, à, à mon sens. Je suis d'accord avec toi. Ce sont des joueurs qui, techniquement, peuvent faire un peu plus de différence. Mais il y a aussi, pour moi, un manque de variation par rapport à ce que propose Tudor et par rapport, peut-être, aussi au manquement d'effectifs. Pipion, je, je veux t'entendre. On t'a pas entendu, toi, euh, sur ça. Alors, peut-être revenons à la, à la question de base. Est-ce que, pour toi, euh, Tudor doit rester Est-ce que tu comprends aussi bah, euh, toutes les critiques qu'il peut y avoir, en tout cas, venant, euh, venant, venant de Marseille, venant du peuple marseillais envers euh, l'équipe Ouais, parce que évidemment, on est dans cette. Euh... Dans cet instant où l'OM déraille complètement et termine un petit peu en roue libre, malheureusement, mais moi, je, je, je prône quand même un petit peu de continuité et je pense que tudor peut être, euh, comment dire, cette clé de voûte, ce euh, garant d'une institution de l'OM Fort. Tu m'expliques euh, J'ai l'impression que quand j'ai vu les débats sur la gestion des indualités, à part Gendouzi, où je trouve qu'il y a peut-être à redire, ouais. notamment l'incorporation dans le double pivot, où je pense qu'il aurait été plus à l'aise et surtout euh, ronger vers tout tout le temps pour un peu apporter de variété. Je crois qu'il a finalement eu raison. Il a eu raison de mettre euh, Paillette sur le banc parce qu'il ne correspondait pas finalement à son projet de jeu. Gerson, on l'a vu, euh, les matchs de Ligue des Champions étaient là, même le fameux match OM Ajaccio, ouais. un petit père de la maison, il fait absolument n'importe quoi. Et euh, tu vois, un joueur qui est nostalgique du Brésil alors que ça fait à peine un an qu'il est là. Honnêtement, je suis pas hyper hyper fan. Donc euh, moi, je pense qu'il il, il a apporté ce, ce, ce petit truc, cette rigueur. Et j'ai vu beaucoup de réactions négatives à son sujet. Je pense qu'il y a pas mal de joueurisme à Marseille. Mmh. On est vraiment là. Il faut pas toucher Mar Payet, Mar Marseillais à vie. Oh là là, ils sont tellement importants et tout. Non, je pense qu'il est capable de les amener euh, vraiment vers ce stade-là où c'est vraiment le club qui compte. Après, évidemment, sur le mercato, j'aimerais que voilà, il, il y a des bons choix. Et pourtant, tu vois, cet été, il va se passer tellement de choses. Il y a des retours de prêt à gérer. Hein. Mmh. Là, il y a Milik qui va revenir. Il y a Konrad Lafuente, il y a Louis Enrique, il y a Mavi, tu as peut-être oublié de revenir. Euh, ouais, on en a Isaac oublié ça. plein en vrai. À Mavi, oh ouais, Enrique, non, euh, non, voilà. Il y a ouais. quand même du beau monde, tu vois. Ah ouais. et, euh... En vrai, Milik, c'est super dommage que c'est pas fité un peu plus tôt, ce que pourtant lui. Euh... Non, mais c'est sûr. Mais tu vois, même le mercato hivernal, le dernier, on était tous là. Unai, Maïnovski, Vizinia, on se dit l'OM fait ça en plein milieu de la saison, c'est génial. Et finalement, bah ça a pas pris comme lance avec ouais. euh, Thomasson et Fugini. Onaïm, on malheureusement, il y a une blessure. D'ailleurs, Paris, Harit, on a hâte de le revoir parce que ce n'est pas la partie de saison. C'était vraiment un des tout, tout meilleurs joueurs de cette OM. C'est une des blessures qui nous a fait le plus ouais, mal ça, de la saison. Peut-être la blessure, euh, même. Voilà. Mais moi, j'ai envie de voir un peu, justement, la fin de cette euh, machine à laver de coach où l'OM s'installe un petit peu plus dans le temps, euh, laisse euh, se développer ça. C'est vrai que par rapport aux résultats en Coupe de France, en Ligue des Champions, il y a des choses à redire. Le championnat, c'est dommage. Mais quand même, sur ce qu'on a vu, le, le, le projet Tudor sur ses premiers pas à l'OM, tu as envie de dire, tu as ce gars-là, tu as envie quand même de le voir un peu plus asseoir son autorité. Moi, je serais vraiment pour renforcer Tudor, dehors ses idées. Mais vu comme il n'est pas suivi, vu comme les mecs… – C'est ça le problème, c'est l'utopie. C'est difficile quand tu es un personnage. Il est remis en cause sur beaucoup de choses, alors que sincèrement, je pense que dans le débat, on devra englober beaucoup plus le projet de l'OM en globalité pour... Il a des circonstances atténuantes par rapport à ça. Et moi, je peux entendre que lui, quand euh, il a amené l'OM, alors quand on dit euh, que c'est vrai, c'est un peu systématique, sa façon mmh. de jouer, sa façon oui. de proposer le on, je peux t'entendre, Kanto. Mais est-ce que sans ce systématisme, il serait arrivé euh, à ce niveau-là, c'est-à-dire mmh. podium Tu vois, en fait, c'est le serpent qui se mord la queue. Dans ouais, quel ouais. sens Est-ce que si tu déstabilises ton effectif en cours de saison, est-ce que quand, on euh, pas, ouais. quand ton déesse quand enfin quand ton président... <laughs> Ce qui est un peu ton DS, du coup, euh, t'amènes pour 55 millions d'euros de euh, de, des joueurs. Qui t'apporte pas une plus-value. Alors, il y a la blessure d'Unaï, bien ouais, évidemment, ouais. mais Ma Malinovski, on est surpris de voir que ce n'est pas un joueur qui fit dans un 11 titulaire. À l'Atalanta, c'était un joueur d'appoint, c'était un joueur incroyable. sorti de banc. Mm. Donc, euh, moi qui regardais l'Atalanta tout le temps, je voyais bien que euh, quel type de joueur c'était. Mm. Vitinha, je veux bien entendre la patience, mais est-ce que pour 30 millions d'euros, c'est acceptable d'avoir un joueur qui ne t'apporte pas une plus-value, même minime, mm. tout de suite, immédiate, sur les six, six derniers mois de la saison Donc, il y a aussi ça à mettre en, en perspective par rapport à à la stratégie globale et tu dors. Je pense qu'il sort les de sa saison, mais grandement parce que le projet de l'OM pour moi les cif, quoi qu'il arrive. Mmh. Le problème c'est que tu vas rentrer dans tes tourbillons bah, à chaque saison. Bon, bon en tout cas c'était très intéressant très honnêtement et je pense qu'on vous isolera comme d'habitude comme on le fait ce sujet sur l'OM et sur YouTube si jamais vous avez envie de, de réagir là-dessus de <laughs> nous donner votre avis à vous parce que euh, tous les avis comptent et eh bien écoutez euh, n'hésitez pas à le faire. Euh, Sofiane. Il est l'heure de, de nous quitter. Eh ben je laisse notre ami <laughs> le prof. Évidemment non Change. mais c'était franchement trop cool de t'avoir d'ailleurs. Ah, hein, merci ça, à toi, beaucoup. J'ai beaucoup apprécié ton passage, une voix eh bien, très agréable à écouter. Euh, selon, merci euh, c'est euh, euh, ce, qu euh, ouais, me ce que m'a dit c'est ce que femme me dit. J'écouterai en podcast l'émission juste pour entendre ouais. Sofiane parler. Ouais, ouais, qui bah va devoir retourner avec la deuxième meilleure émission de France du coup. Évidemment. Pour en <laughs> en... Mais merci de l'invitation, c'est un plaisir. On te retrouve euh, sur la Wina TV, bien sûr, pour, euh, avec le, le Wina Max FC, dans laquelle euh, parfois tu présentes, dans laquelle parfois tu été chroniqueur. Je sais bien. que euh, tu me dis que tu préférais être Je préfère être chroniqueur que, que présentateur. <laughs> Après, Parce que c'est dur, comme, place, métier. Hein. dur euh, comme métier. Euh, c'est dur euh, comme métier, mon copain. C est, c est le, le timing, ouais, ouais. le ton, euh, les, les gens qui ouais. parlent trop ouais. quand tu leur dis de la fermer On l'a fait plusieurs fois dans le aujourd'hui. Je préfère être merdeur que. Quand il y a Wally d'Etidiani, c'est pas évident de tenir une émission aussi. Wally c'est ouais, 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 vrai, c'est vrai, ouais. c'est quelque chose. Mais bah, en tout cas, voilà, tu, euh, tu, les salueras pour nous. On, on, on est toujours très content de vous, de vous, avoir ici. Et puis, bah, euh, on te voit très vite, on espère. Avec plaisir, les amis. Merci bien. Salut, bonne chance pour la suite, messieurs. Salut. Nous, on va passer à une séquence qu'on aime faire, mais surtout, on va faire entrer euh, notre, euh, notre, super sub euh, qui va venir, bah, voilà, faire la dernière partie de l'émission avec nous, ou alors plutôt la deuxième heure hein, de l'émission. Dans, dans 5 Ouais, 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 pas, pas de problème, Poinon. Tu peux prendre plus de 5 minutes, Poinon, t'en voudras pas. c'est le prof, c'est Abdou. Abdou qui est ouais, avec gars. nous, qui est là, qui est de passage sur Paris. Euh, vous le savez, Abdou aujourd'hui, bah, c'est celui. Ouais, euh... ouais. Celui qui gère euh, tout ce qui est, euh, bah, voilà, euh, il est, tout ce qui est euh, communication. Il est où mon Messi Je ne l'ai euh, pas non, encore eu. vu. Bon. Il est où mon Messi <laughs> on, on va parler français parce que les conférenciers, là, <laughs> <j 'ai vu rire> là c'est bien beau. Qui veut me tot Les amis là. Les amis <laughs> J'attends, je me connecte tous les jours. Abdou, Abdou, on va se parler. Comment ça va, Abdou ah, Je suis content de vous voir. Ouais, nous ah aussi, franchement, un plaisir. content de vous voir, nickel. C'est toujours bien de t'avoir avec nous dans En plus, on on va pas tarder à parler d'Arsenal arrives au meilleur des ouais. moments. Donc tu vas ah, pouvoir yeah, bien yeah. nous donner ton... On fait d'abord le, le débrief d'Angers 3 si ça te dit <laughs> Avant de parler de souffrance <laughs> Parle pas de malheur, pas de, pas de, pas de malheur euh, Pipion euh, Et on va, on va en parler maintenant Parce que c'est notre nouvelle rubrique Les recrues, euh, idéal, pas de jingle Sinon ça va très très bien Abdou Ça va super, ouais, Moi, comme, comme toujours t es, t es, hein, ça, ça va super T'es pendant combien de temps là sur Paris là euh, Je suis là jusqu'au début mi-juin environ Ah t'es euh, là pour un petit moment là Ouais ouais absolument okay, ouais. Moi je pensais que tu repartais dans la semaine Genre je fais mon petit, euh, ma petite non, descente Non non tranquille D'accord. Je vais rentrer. Euh, C'est quoi En char à voile, comme il avait en dit. En char <laughs> On en a parlé en plus tout à l'heure. <laughs> bah <voilà. Voilà. rire> bah en tout cas, trop cool. Merci, euh, merci à toi d'être là. Donc, comme je vous l'ai dit. Attention, euh, notre rubrique euh, ouais, commence à faire, euh, faire son petit chemin maintenant. Les recrues euh, idéales, alors c'est très très simple. Je vous explique le, le concept. Tout simplement, on prend un club et on essaye de faire le mercato de ce club en euh, bah voilà euh, ciblant des recrues qui seraient euh, parfaites pour la saison prochaine. On l'a fait bruce déjà avec euh, le Paris Saint Germain. On l'a fait avec l'Olympique de Marseille. Euh, vous l'avez fait la semaine dernière quand j'étais pas là quant avec. Lance, moi avec Lens et Lyon. Et Lyon. Et cette semaine, on s'est dit qu'on allait partir sur des clubs étrangers. On va partir sur Arsenal donc et le FC Barcelone. Alors, qui veut commencer entre Pipion et Bruce Je ne sais pas s'il y en a un qui veut se lancer, qui Moi, est chaud, qui a grave hein. envie de nous présenter son, son mercato. Tu veux Parce que, que tantôt, il, bah il a des problèmes de comic Je te, te laisse Alors, la main, bon. tu choisis. Allez, bah j'y vais. Mmh. Allez, bah, Allez bah, pas pas faire un petit bah, parfait, Tu veux Allez. Alors. Attention. 1, 2, 3. Déjà déjà il était bizarre votre truc. Ouais, j'ai des combats que j'ai. Il était bizarre, <laughs> bizarre. J'ai gagné vu de gagner quand même. Oh, on ouais. voit la oui là. J'ai ouais. eu ouais. deux, deux mecs vu, aussi hésitants. J'ai pas jugé hein. Ah, oh, ouais, oh, ouais, j'ai ouais, vu ouais. la main comme ça, j'ai tac tac tac. Moi, c'est pire face se clash. Ah ouais, normalement ça va sortir cash comme ça. En tout cas, on a vu on a vu que le mouvement de poignet de Bruce était très fluide. On on a pu voir, on voit qu'il est entraîné à faire des pierres feuilletées ciseaux C'est évident, c'est évident ce que je veux dire. J'en fais énormément. c'est important. Matin, midi et soir, petite séance de pierres feuilletées au Panvers. Oh là, pierres comme Non, 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 non. Comme ça. Arrête, ma parole, il est rabat. Laissez Kanto. C'est mon roi! est complètement <laughs> ravagé. Bruce, on commence par Arsenal. Ton mercato idéal pour ouais. Arsenal, Alors, Donc je, rappelle, je rappelle la règle. Hein. Gardien si besoin, ouais. sinon un joueur par ligne, un défenseur, un milieu, un attaquant et Abdou. Après derrière, toi, tu trancheras entre les deux, tu nous diras je quel est Très bien, de... je me suis fait plaisir, j'ai dépensé des thunes. Parce que pour moi, Fais Arsenal, c'est l'APL. Ils n'ont pas besoin plaisir. de 100 joueurs, mais ils ont besoin de gros joueurs. Et toi plaisir. À mon sens. Bruce, tu peux passer ta bouteille pleine. Fais-toi plaisir, Bruce. J'ai plus d'eau, j'ai trop soif. Vas-y, vas-y, vas Merci. Oh, la connexion. Ah, elle est belle, elle est belle, connexion verte. Merci, vas-y, vas-y, Bruce. Euh, du coup, on commence par qui, Arsenal Arsenal, Arsenal. Donc, Arsenal, donc, euh, défenseur, ils sont prêts en régie oui, <laughs> Je préfère demander enchaîne, parce, parce qu'on ne sait jamais. Enchaîne, enchaîne. Bah, J'attends que ça s'affiche, du coup. Défenseur, j'ai mis euh, Danseau pour la bonne et simple raison que pour moi, euh, c'est un très bon défenseur et qui vaut pas. Tu as des Guardioles, tu as des gros défenseurs, mais qui valent très cher. Pour moi, aujourd'hui, dans une grosse équipe, il faut au minimum trois très bons décès. Voilà, on l'a vu avec Liverpool, dès que tu as un problème dans ta charnière, c'est compliqué. Et on l'a vu avec Arsenal cette saison. Et pour moi, lui, il est accessible. Il est très bon. Il va pas coûter 80 millions d'euros comme certains autres défenseurs. Et ouais. c'est peut-être le moment d'aller le chercher. Donc euh, voilà, je dirais lui pour, pour compléter l'effectif Arsenal. Okay. Ensuite, milieu de terrain Bon, là, j'ai dit que j'ai envoyé un. Hein, ah ouais, mais vas-y, vas-y. Vas là, faut de l'oseille pour moi. Il leur faut absolument un milieu de terrain. J'ai pensé à Rice. Bon, un peu comme super tout le monde, joueur. je pense. Un super, super joueur, joueur qui va coûter extrêmement cher. Mais pour moi, Arsenal, il faut passer à la caisse parce que c'est le genre de joueur qui peut te changer une équipe. Comme j'ai dit, Arsenal, il se passe beaucoup de choses. Il y a un très bon effectif. Si tu veux améliorer l'effectif il y a le banc, etc., à la profondeur, mais il faut aussi des très gros joueurs. Et pour moi, si tu veux des très faut gros des leaders, joueurs, en il fait. faut passer à la caisse. Et pour moi, lui, typiquement, ferait énormément de bien euh, énormément de bien cette équipe. Après, on sait qu'en PL, ce ne sont pas les seuls qui sont dessus. Et c'est pareil en attaque. J'ai pensé à quelques attaquants, mais pour moi, c'est lui qu'il faut. Et pour moi, c'est jouable. J'ai pensé, euh, bah, sans grande surprise, à Ossimène. Pour moi, faut envoyer énormément sur lui. On sait qu'Ossimène va aller en PL. On sait qu'il y a beaucoup de clubs dessus. Mais je pense que si Arsenal met l'argent, ça a un il y a moyen que Ozymane soit tu, intéressé. Toi, tu vois Ozymane potentiellement rejoindre ah, Arsenal bah, Genre, ils font les offres et tout bah Avec ce qui se passe à Arsenal, c'est très plaisant à jouer. Il veut aller en PL. Enfin, c'est ce qu'il dit ça tout Ça aurait la gueule, en tout cas. Pour moi, tu vois ce qui se passe à Arsenal. Oui, ça peut être très intéressant. D'accord. Voilà. Okay. Euh, de toute okay. façon, en Première Ligue aujourd'hui, t'as City qui a des années-lumière euh, voilà, du, du reste pour et moi. Qui a pas besoin Il Qui a pas besoin de Neuf. <laughs> On sait que ça en parle à United, mais... Et tu as besoin d'un neuf. Peut-être <laughs> ça sera plus à United, on ne sait pas, ou Siemens. Et voilà, donc je me dis, pourquoi pas Arsenal En tout cas, c'est le moment de... Ton... En tout cas, tu dois tenter ta chance. Si... Okay. Et je pense qu'il y a une possibilité, ouais. Non, mais c'est intéressant. Moi, j'aime bien, en tout cas, personnellement, euh, les idées. Pipion Allez, on va partir sur un latéral qui devrait être disponible cet été. Bon, Déjà là, pas de gardien pour vous, hein. non. Ramsdale okay. 100%. D'accord. Euh, voilà, le euh, City n'en veut plus, le Bayern ne va pas l'acheter. C'est Joao Cancelo. Faut ouais. foncer. Euh, il s'est joué euh, à droite, à gauche. On peut l'incorporer au milieu de terrain. Honnêtement, euh, on parlerait de 60 millions d'euros, 70, mais c'est totalement dans les cordes d'Arsenal et ce Moi, serait. Je pense que ça serait moins cher, non? Vu que City, eux, sont bah, débarrassés. Que ça pourrait être je pense moins, cher. moins cher. Après, cher. City, le vendre à un club de PL, je Je pense pas que non plus. Tu vois, ils seront, ça, euh, ouais. ils seront super généreux. mais Honnêtement. Euh, si Arsenal veut passer un cap, c'est ce genre de joueur qu'il qui leur faut ouais. euh, en défense aussi. Euh, mieux de terrain, bah, j'ai pensé à Rice, mais je pense à un autre mieux de terrain euh, PL euh, qui est en vogue et que j'adore, c'est Moses Caicedo, forcément ah, Brighton, ah oui, bah oui, qui a, qui a ce profil tellement généreux, tellement ouais. intense, qui correspondrait parfaitement au projet d'Arteta et en plus, euh, je trouve qu'il s'est nettement amélioré avec deux Zerbi dans la progression balle au pied, dans le jeu, euh, avec possession, dans les 30 derniers mètres. Il peut vraiment euh, totalement correspondre à, au double pivot avec euh, Partey ou, ou Jorginho. Et enfin, en attaque, moi, plus qu'un gros nom, euh, évidemment, ce serait bien. Mais en fait, je pense que c'est une équipe qui a besoin aussi de profondeur de banc. On l'a vu à certains moments cette saison. Donc, j'ai pensé plus à un joueur comme ça, c'est James Madison, parce ouais, qu'il est relégué avec Leicester. Mais ceux qui suivent l'APL et euh, ce club savent que c'est vraiment un très bon joueur qui mérite d'aller voir euh, ailleurs. Et honnêtement, tu vois, quand tu as un petit creux, quand tu un joueur qui est absent, quand Trossard, quand Martini, quand Sakar ou un coup de moins bien, tu fais sortir Madison sur le banc et c'est ce qui leur a manqué. Donc, tu vois, on parlait un petit peu du débrief d'Arsenal. Bonne saison, qu'est-ce qu'il doit faire de mieux bah, la profondeur de banc, passer de 13-14 joueurs à 16-17, capables euh, d'aller euh, chercher le très haut niveau, l'excellence. Et pour moi, Madison, en plus, il sera peut-être pas forcément au plus cher euh, vu qu'il y a la relégation de Leicester. Donc, je pense que ça peut être un, un choix euh, voilà, à. Euh, 35-40 millions, et honnêtement j'ai très envie pour moi. Madison, il peut aller dans toutes les équipes de Ah mais là, il a un très bon niveau. Donc, toi, en fait, pour toi, le numéro 9, c'est plus un choix pour compléter, pour compenser. J'ai envie, je sais, costaud. Je sais que voilà, Gabriel, on peut l'utiliser sur le côté aussi. Gabriel Jesus a été blessé, mais quoi qu'il arrive sur le plan statistique, on était un peu déçu de son apport, mais c'est que sa première saison. J'ai envie de lui laisser encore un petit peu de temps avant d'aller voir un 9 d'une autre équipe. Lui laisser sa chance. Alors, Abdou, il paraît que toi aussi, tu as préparé justement tes mercato idéales. On va te laisser avec Arsenal déjà juste pour savoir lequel te plaît le plus entre celui de Bruce et de Cypion. Enfin les deux sont ultra intéressants. Sont ultra dans ultra, ouais. Après moi il vaut plus cher donc euh, bon. Ouais. Ouais. Il m'a coupé la parole. <laughs> <laughs> oh, c'est pas <laughs> la première fois. Okay. <laughs> voilà. Non 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 plus sérieusement les deux sont ultra intéressants okay. et puis chacun vraiment a, a des visions là, un peu plus offensives, ouais. un peu plus structurées. Moi, moi je suis plus d'avis de Sibion. après. Moi, au niveau de mes choix, premièrement, pour Donso, ultra intéressant, parce que c'est vrai que voilà, c'est un défenseur central qui est à Lens, ouais. le step-up le step c'est Arsenal, qui ne coûterait pas aussi cher que d'autres défenseurs centraux. Moi, par contre, je serais plus pour rebasculer Smith dans l'axe et plutôt, du coup, euh, pro, partir sur des latéraux. J'ai pensé automatiquement à Cancelo. Hein, ouais. euh, mmh. il, connaît, il connaît la première ligue, euh, il est vif, etc. Puis ensuite, euh, de mon côté, en, en, en backup également, c'est un côté Estopinian euh, que, que je trouve ultra intéressant. Euh, ouais. en, en termes de latéral. Kaysedo, bien sûr, euh, il n'y a, a, a pas photo, mais euh, moi, je, part, je partais également sur Declan Rice en milieu défensif. Mm. Voilà, le, la, la question ne se pose pas. En, en, en choix 2, plutôt MDC, MC, parce que parfois, tu aime bien jouer avec deux défensifs ou bien plutôt euh, un milieu à trois. Ouais. Euh, je partais également sur Onana d'Everton, hein, qui, qui pour le coup, très physique, très athlétique et est très solide. Ensuite, pour le choix de Madison. Alors, Madison, euh, moi, pour le coup, là où est-ce que j'ai un peu plus de frein, c'est que, euh, si aujourd'hui, tu ramènes Madison, euh, Emile euh, Smith-Rowe euh, est sur la touche. D'accord, ok. Euh, il, perd place, quoi, il, il perd sa place. Il perd sa place. Après, voilà, il y avait pas mal de rumeurs, euh, comme quoi le joueur voudrait partir, etc. Donc, euh, pourquoi pas mais moi pour le coup on a déjà Trossard qui peut du coup faire la navette mmh. euh, et puis je pense qu'il pourra même s'adapter sur, 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 sur le côté de, de Saka mais bon bon courage pour jouer la place de, de Saka <laughs> et pour Jesus euh, alors si on arrive à voir Ozimen, enfin excellent exceptionnel hein, ouais. mais aujourd'hui Jesus en neuf moi aussi j'aimerais bien voir une seconde saison et puis il encore jeu Surtout une saison sans blessure, sans, euh, voilà. sans Coupe du Monde. Après, sans Gabriel n'a jamais été l'attaquant tu sais, qui va te mettre 35 buts, 40 buts non plus. C'est ça, en fait, que non, je mais veux parce dire. parce qu'il n'a jamais Il eu la, la, la continuité. Pour moi, en gros, ouais, mais tu pour vois. moi ça ne sera jamais le joueur-là, justement. Enfin, ouais. À mon sens, okay. c'est un joueur que j'aime bien, qui est toujours en mouvement, qui va te mettre des buts, qui peut jouer côté aussi, machin. C'est pour ça que moi, je suis hmm. aussi mène ou un autre, mais j'aimerais un, un pur neuf, en fait. C'est ça, en fait, que je veux dire. Ça peut être aussi mène ou ouais, un autre. Oui, tu, tu, tu préfères voilà un pur neuf plutôt qu'un neuf pivot, qu'un neuf ennemi, un, 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 un neuf technique, etc. Mm. Mais en tout cas, ouais, non, pour, pour Ressus, c'est vrai que voilà, c'est un joueur qui est plein en but. Maintenant, Arsenal, c'est plus une équipe où est-ce que bah on va plutôt faire jouer le collectif à 100% plutôt okay. que dramer une très grosse star qui, qui va faire qui va faire la diff. Voilà. Mais, mais en tout cas, moi, le, les éléments les plus importants pour le coup, c'est vraiment euh, euh, voilà euh, euh, si, enfin, aujourd'hui, euh, avoir le retour de Saliba, c'est ultra important pour nous. Euh, Gabriel dans l'axe, ok, mais euh, pas mal d'erreurs techniques, ouais, ouais, ouais. Ouais. pas mal de matchs. C'est pas le patron que t'attends, attends, hein, Gabriel. Hein. Voilà, donc plutôt, plutôt, vrai, plutôt vrai. remettre Smith dans, dans l'axe, si et seulement si on fait intervenir deux latéraux très costauds, même si Zinchenko, j'adore, hein, mm -hmm. mais défensivement, parfois, c'est un peu plus compliqué. Et puis derrière, euh, vraiment le, 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 le mieux défensif central du ouais, train. important. Sûr. Ok, voilà. ok, bon, bah, euh, très 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 bien. De toute façon, euh, Arsenal, une chose est sûre, ça ne peut que progresser, hein, vu, vu ce qui s'est passé cette saison. Euh, on, on imagine que ça. Et, sera, et, et, et je ne sais pas pourquoi je disais Smith, mais je voulais dire. Ben ben C'est Ben White, ça, ouais, ben ça, que... ah, Je, je voulais parler de Ben White. Ben, donc, non, je ne sais pas pourquoi je disais Smith. En, en, en euh, en oui, par contre, et sa euh, saison, elle est bluffante, Ben White. Elle elle super joueur, franchement, incroyable sur le côté et tout. Mais il est vraiment trop fort, de toute façon. Messieurs, passons du coup au Barça. Pipion, cette fois-ci, tu vas commencer. Tu as la main. Et on commence donc avec euh, ton, ton défenseur. Euh, Sterstegen, je pense que bon, on ouais. le garde. Hein. Jusqu'à maintenant, on n'a jamais changé un gardien. C'est vrai, hein, non, mais. Alors, les gommes sont ça plutôt bons à être On quoi. sait jamais, on sait jamais. Ah. Si temps. on fait Monaco, je pense que Nubel, euh, lui, <laughs> c'est la priorité. <laughs> Il Il on pas, un pas un se mentir. Monaco, tu peux t'amuser, c'est Monopoly. C'est ça. Euh, du coup pour le Barça j'ai pensé à un latéral droit parce que Koundé veut plus trop jouer à ce poste et faut peut-être tu vois le, 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 le penchant de Baldé euh, dans ce rôle-là en tant que latéral <laughs> il s'amuse ouais, je crois qu'on a vu la même chose Ça avec moi, moi aussi je la même. Chose. Un geste très bizarre, Et c'est lui qui en parlait. Oui. Tout je sais que ah c'est une allusion à quoi. À, ah, regarde, mais, mais bah, as un problème. En fait. <laughs> mais, toi, toi, mais sais ce que tu vas faire après l'émission <laughs> je, je fais passer <laughs> ma patte d'un doigt à l'autre, il a le problème Regarde le replay, regarde le replay. Tu veux Pierre feuille ciseaux Bon, bip, bip, on va mais... dire vas-y. Du coup, pour le Barça, je pars sur un latéral droit, euh, dans le même profil que Balde, son penchant, après pour une question d'équipe, peut-être que ça risquait, mais au moins tu sais que tu pourras avoir ce joueur pour utiliser sur certains matchs, c'est Jérémy Fripong de, du Bayer Leverkusen, okay. qui a un des meilleurs prospects dans, dans, à ce rôle-là, qui a passé encore un cap sous Xabi Alonso, ouais. qui est un joueur qui s'est très bien centré, qui sait faire beaucoup, beaucoup de bons débordements, Et qui s'est explosif, hein. qui est vraiment, bah euh, franchement... En Liga, tu sais que des fois, qu il y a des trucs qui sont fermés. Lui, normalement, c'est si arrivé. Normalement, c'est pas un joueur qui doit être bridé. Vraiment, il peut s'éclater. Puis ça reste un jeune joueur. Chavi peut le driver pour l'amener encore ouais. vers l'étape supérieure, Donc, je serais vraiment fan de, de le voir là. Ouais. Après, bah pour le mieux de terrain, bah apparemment, s'il est libre, il faut foncer sur lui. Quoi, pour compléter le milieu de terrain, c'est Gundogan évidemment. Oui, oui, oui. C'est le choix un peu évident, quoi. C'est l'opportunité, assez incroyable. Bon, je pense que quand même, City si va, garder... va rester de garder. Qu'il va rester. vu ce qui s'est passé ces deux, trois derniers mois, vu sa seconde partie de saison, j'ai le sentiment que oui, évidemment. Mais voilà. Peut-être que euh, le Barça va mettre les moyens, tu sais, uh, Gundogan, vu son âge, un dernier très gros contrat, le Barça ouais. qui lui en fait, offre... Ah, je pense que Sissi va lui proposer justement ah, une blinde. Je, je, pense, pense. je pense que ça va être le, le truc avec Dario Silva et tout, c'est sûr pour... Eux. Pour, pour le garder. Mais voilà, s'il y a une fenêtre pour le Barça pour faire euh, deux Young en 6 et euh, associer Gundogan et Pedri, je serais extrêmement fan ouais. de voir ça. Honnêtement, euh, ça, me, ça me plairait beaucoup. Et puis en attaque, j'ai beaucoup réfléchi. Je suis parti sur plein de joueurs. J'ai hésité entre deux jeunes, tu vois, comme Kubo et Kudus, Mais finalement, regardant les âges euh, des attaquants du Barça, j'opterais pour un peu plus d'expérience. J'ai pensé à Sadio Mané euh, parce que bah, voilà, la okay. saison Bayern ne s'est pas bien déroulée. Il y a eu cette blessure, certes, mais sur la seconde partie de saison, ça n'a pas matché. Et en fait, je pense que le Barça a besoin aussi de ce genre de de joueurs en attaque un peu plus d'expérience un peu plus de, de, de maturité tu vois vraiment Sadio Mané partir du Bayern alors qu'il vient d'arriver le Bayern un... ils en veulent plus Déjà, moi, Avec ce qui s'est passé avec Sané, ils peuvent s'en séparer, ils s'en séparent Je pense aussi qu'il y a une possibilité. Et l'avantage, parce qu'il ne va pas coûter hyper cher, mais il n'a que 31 ans. Il peut encore rendre beaucoup de services. Et oui, certains vont se dire par rapport à Mané, finito, 31 ans. C'est sa première mauvaise année. j'ai toujours su que tu un peu africain. Par contre, moi, les gars, je ne suis pas avec vous. Je pense vraiment que Mané, on ne le reverra plus à un top niveau. un bon niveau, au niveau moyen peut-être. que 31 ans, c'est pas bien j'ai envie de le relancer. Moi en fait. c'est marrant. Mané, oui, oui. mané, je pense qu'il est un peu sur le déclin petit à petit. Mais il, peut il, est, il, est, il est carrément moins bon. Il peut être mieux que, que ce qu'il y a eu là. on ne dit pas qu'il est devenu éclaté du de jour au lendemain, mais je pense, j'ai du mal à croire. Il est, euh, il est moins bon. Mais il ne faut pas oublier que la, la, la blessure avant la Coupe du Monde, elle lui a quand même fait très très mal. Du coup, ce qui s'est passé aussi au Bayern, ça l'a quand même bien, bien atteint. Je pense que même psychologiquement, je pense qu'il a dû prendre un coup. Et on sait aussi qu'à Liverpool, ça a été très difficile parce qu'il y a toujours eu la comparaison avec Salah et que euh, bah, finalement, à la fin, tu avais l'impression qu'il... Il avait presque même perdu, perdu, son football à cause de tout ça. Moi, je dis s'il arrive à trouver dans un environnement qui lui, qui lui correspond bien, où il, on lui fait confiance et on lui donne voilà du temps de jeu, je pense que ça peut repartir. Après, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, soyons pas trop euh, attirés. Non, avec je, qui, te je te pense, dis hein. pas qu'il a plus rien à donner, mais je hmm. pense que le meilleur mané, c'est derrière lui. Ce okay, okay. De dire, mais comme d'autres okay. hein. ouais. Non, non. Bah, pour continuer un petit peu sur cette idée, c'est un joueur qui peut jouer partout, qui a joué en faux neuf. Euh, si Lewandowski est pas là bah peut-être ouais. que c'est une option meilleure et il y a quelqu'un qui dit ouais il n'est pas compatible avec le Barça franchement on a vu tellement de joueurs qui sont passés qui, on a, ils ont mis 60 millions sur Ferran Torres en se disant regardez c'est le joueur idéal et tout honnêtement ouais. euh, un, un an et demi après c'est un flop donc euh, moi j'ai je, 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 envie de voir euh, Sadio Mané dans ce type de okay. jeu et je suis persuadé qu'il peut rendre beaucoup beaucoup de services euh, voilà peut-être être le troisième le quatrième homme mais je suis sûr que vraiment ça peut être une bonne option et je répète ce sera pas si cher que ça il a que 31 ans il a encore quelques années à donner ok ok très bien bon bah voilà ça c'est le, le mercato de, de Scipion pour le Barça n'hésitez pas à le noter hein, bien sûr sur les réseaux et, et sur les capsules qu'on vous diffusera notamment sur Pickpock. Abdou on va enchaîner avec toi et Bruce tu termineras pour le pour le Barça comme je, je connais un petit peu ton lien avec cette équipe Abdou qu quels sont les joueurs que tu as choisi moi, moi juste pour revenir ah vas-y que... tu peux vas année pour le coup c'est une question qui, qui se pose ouais. c'est pas le joueur auquel j'aurais pensé par rapport à barcelone mmh. Mmh. Mais, mais ça peut se poser et, et pour le coup non je pense pas qu'il soit entre guillemets finito ou quoi ce mmh. soit mmh. il a eu sa grosse blessure une année coupe du monde enfin voilà et puis surtout il faut pas oublier ce tout ce qui s'est passé avant avec la qualification en Coupe du Monde, oh, la, la bah, victoire oui, oui. d'Afrique des Nations, Sénégal, meilleure nation Afrique. <laughs> merci, merci de le repréciser, je suis bien. un fervent... Euh, voilà. Euh, <laughs> sénégal break. T'entends quoi, <laughs> Poignot sénégal <laughs> Non, euh, pendant l'Angleterre-Sénégal, il était pendant l'Angleterre. Non, non, non c'est faux, faux, On a suivi le match. c'est faux C'est faux. C'est tout ça parce, parce qu'il qu avait envoyé sur l'Angleterre. Non non, 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 On a ce point-là, comment tu peux envoyer... Je te jure, je te jure, Abdoul... J'ai plus vu parler Abdou. Euh, anglais que Wolof. Abdoul, je te jure, pas. Non, non, moi, de mon côté, un latéral, enfin, je vais encore parler du même, mais il s'opinionne, en plus il parle espagnol, donc excellent, voilà, hola chico parfait. Ensuite... Un, un mieux défensif. Alors, je sais que beaucoup ne vont pas être d'accord avec moi, mais, 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 mais en termes de rock et notamment, euh, euh, voilà, pour euh, de ce côté, remplacer Busquets, pas forcément sur la durée, mais mmh. quelques saisons. Parce que Au moins pour faire Bousquet, la transition, le tampon. Voilà, quoi, le peu. tampon. Euh, moi, je pensais à Fabinho. Fabinho, okay. moi, en l'occurrence. Euh, D'ailleurs, voilà, faut le relancer, Fabinho, et... hein, parce que franchement, c'est un super joueur et ça fait un petit moment qu'il s'est perdu. Hein. Voilà. C'est euh, en fait, une bonne idée. Donc, euh, donc voilà, après, bien entendu, en hein, Goundoan, euh, il, faut, il faut sauter dessus. Donc hein, clairement, si tu peux. Euh, peu, peu importe où tu le mets, tu peux même le mettre euh, latéral ou, ou gardien de but. Il euh, faut, 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 faut clairement le prendre. Après, euh, sur, sur les aspects euh, offensifs, pour être très franc avec vous, euh, voilà, je… Je suis pas un fervent suiveur du Barça, ouais, ouais. donc je ne saurais pas vraiment vous dire, bien entendu, fin, oui, euh, Lewandowski, euh, Dembélé, euh, Kaita, etc., c'est top, top, top. Maintenant, pour passer un, 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 un nouveau cap, surtout que tu as ton neuf qui devient vieillissant, mm. euh, comment tu prépares la suite, bien sûr, tu as ta pédrie, euh, etc., euh, sur le secteur milieu, mieux offensif, etc., qui, mm. qui peut être présent. Après, moi, De Jong... Euh, c'est pas que je le vois pas en MDC, hein, c'est pas ça, ouais. mais vu la classe qu'il a, je préférais le voir un peu plus haut. D'accord. Tu vois, plutôt sur un passé de 8, je, vois, aussi, je, je ouais. préfère vraiment le voir sur, sur un passé de vie donc... Euh voilà. Ok, ok, bah très bien. Bah voilà Ça, c'était le, le mercato idéal mmh. pour le Barça d'Abdou. Et on finit euh, par Bruce. Alors là, tu fait quoi, Bruce Est-ce que t'as as envoyé les, les billets ou tu, Non, tu parce, un peu parce que je qu sais qu pas, était, pas hein. combien de leviers ils vont activer. <laughs> même si je pense qu'ils vont faire bah, un très bon levier. mercato encore. Ouais ouais. Je pense ouais. qu'ils vont faire un très bon mercato. Et pour ça, ça tient à pas grand-chose. Ah oui, à un je joueur. ne pas grand-chose pour que le mercato un soit très bon. <laughs> S'il te plaît, n'aie surtout pas mis Messi en attaque. Non, je ne l'ai pas mis parce que c'était évident. Je ne l'ai pas mis. Non, là, j'ai essayé d'être un peu plus original, ah, j'ai pas fait le gamin hein, maintenant. Du coup en défense, alors je suis un peu mitigé mais pour moi ça me paraît évident et ça en parle. Du coup, j'ai mis Cancelo parce que je pense que tu peux l'avoir en prêt avec option d'achat. Je pense que y a Arsenal qui est dessus, il y a des clubs qui sont dessus mais on sait que Pep puisqu'il va vouloir renforcer d'autres clubs en PL Pas sûr. On sait son attachement avec Barcelone. Il y a un monde où je sens que tu peux l'avoir en prêt, option d'achat maintenant. La petite crainte, c'est son état d'esprit ces derniers temps, ce qui s'est passé à City, ce qui s'est passé au Bayern. Ça, ça me fait mais hésiter. Juste, je te coupe deux secondes, Bruce. Ouais. Mais euh, euh, moi, j'adore ce joueur. Hein. Mais, mais il est chelou, ce mec. Hein. Il est chelou. Mais il est oui, chelou. Hein. Moi, j'ai jamais réussi à le faire. Mais c'est vrai, en fait, c'est ma petite. J'ai l'impression euh... que c'est genre, il est dans sa bulle, il est dans bah, sa Dans, monde, dans, 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 dans joueur qui a fait la même chose City-Bayern, tu as Leroy Sané. Pour moi, Leroy Sané, c'est on en a parlé il y a ouais. qu'il disait. Ouais. on l'a jamais compris ce genre mais, mais quand c'est pareil mais c'est pour ça que je pense qu'avec un prêt option d'achat je pense vraiment que c'est jouable et aujourd'hui sa valeur marchande je pense qu'elle a baissé avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps elle okay. a quand même un peu baissé je pense que City est vendeur et veut s'en débarrasser on sait qu'il peut jouer à gauche à droite etc donc si tu peux le faire comme ça sans une grosse prise de risque ça peut être intéressant quand même pour, euh, pour le Barça ok euh, au milieu de terrain, alors il y avait des Gundo, etc. Je pense à pas mal de joueurs aussi, mais Gundo, au final, je pense qu'il va rester à City. Euh, pour moi, la priorité, c'est quelqu'un qui remplace Bousquet devant la Def, etc. Donc j'ai pensé à Brozovic, euh, qui est un joueur d'expérience. Ah et ouais. et c'est un joueur, je pense, on le voit, il joue un peu moins ces derniers temps à l'Inter, même si c'est un joueur qui reste important. Voilà, je vois bien ce joueur euh, tranquille au Barça, tu vois, se ouais, dans il ce football au milieu profil, de terrain. Hein. Et c'est un joueur ouais. qui a du ballon, <coughs> qui est intelligent, ouais. qui a tout. Donc, et je pense qu'il coûte plus si cher que ça. Alors, il, il coûte un billet, pas de souci, mais voilà, je pense vraiment que lui c'est jouable. Et puis dans, dans la durée jury s'inscrit un peu plus. Ouais, que... et puis Brozovic, ouais. euh, très très bon joueur, et voilà, je pense vraiment qu'il correspond parfaitement au Barça, exactement. Mm. Et du coup devant, ça va peut-être vous surprendre un peu, je ne vais pas vous mentir. C'est ça et c'est foutu de ma gueule. c'est foutu de ma gueule. Non, ma gueule, non mais c'est certain. Peut-être, peut c'est sûr. Peut-être, il y en a peu qui vont me suivre là-dessus, mais j'ai pensé euh, à Messi. C'est évident, évident c'est évident, mais c'est évident. Mais, mais <laughs> comment tu veux mettre quelqu'un d'autre que, que le meilleur joueur de tous les temps à la maison on t'a dit, mais si, reviens, c'est le moment. Tu leur referas passer les poules euh, de LDC et ça je sera je le, le moyen de je finir je en beauté dans une équipe qui s'est alignée 3-4 passes et qui a un QI football supérieur à la moyenne, contrairement à ce que tu connais ces derniers temps, donc reviens au Barça. R7, le bois, tous les jours. R7, le bois, tous les jours. Matin, <laughs> midi, soir, c'est C'est la monsieur. dernière fois que tu reviendras <laughs> Le CR7, il te à ton Messi, il te le, le voit. Tu t'as dit Messi le sur <laughs> mon compte, sinon <laughs> c'est la dernière fois que tu reviens. Il te le fume, il te le déguste. Et le comment dégust... tu ne peux pas faire revenir les autres De toute façon, c'est écrit, il va revenir, on CR7, le sait tous. CR7, il a, il a oh. Léo Messi sur sa oh, jambe. Il ne casse pas fait. le matos, s'il te plaît, euh, franchement. Bah, elle était déjà cassée. Et ouais. Quatre fois sa <laughs> taille, quatre fois son talent. Comment tu peux pas reprendre Excellent. Messi Et ça fitra parfaitement, voilà. Bon, bon. Et les <laughs> gens, ils vont se dire, putain, mais Messi, il a l'air… Oh, il est un peu plus concerné à Paris, oh il fait peut-être un peu plus d'efforts. Oh, il est heureux. Bah oui, il peut jouer au ballon dans une équipe ou des mecs il peut combiner avec. Non mais il est tu sais contre nous, même si tu le dis pas que C7 est meilleur que Messi. <laughs> Qu'est-ce que tu racontes, toi non, tu... Donc, Là, tu t'avances sur un terrain. Entre près. nous, je, je vois, je vois tu... même pas la chute. En fait, je vois, regard, regarde, je suis en train de toucher là, attention, tu sais très bien entre nous oh, que. Mais va regarder <laughs> le championnat, ça vous dit Est-ce fatigue quoi. Bon, messieurs, non, vous... euh, fin de, de cette séquence euh, recrues idéale. Euh, comme d'habitude, n'hésitez pas à donner vos avis. N'hésitez <laughs> pas aussi à proposer des joueurs, des noms auxquels on n'aurait pas pensé. Et euh, derrière, bon, on, on fera le tri. En tout cas, ça nous fait toujours plaisir de vous proposer ça. On enchaîne et maintenant, on passe à notre tour d'Europe et cette fois-ci c'est sûr hier en jingle. Et non Kanto, tu le dis on Ah ouais non mais justement <laughs> j'ai bien aimé les... les mercato de Kanto, hein. hein <laughs> <laughs> j'ai bien aimé ce qu'il a proposé sincèrement moi je trouve. C'est creuser la tête. <laughs> moi j'ai fait un mercato si la DNCG interdisait de recruter voilà Est-ce est est, que est-ce est est... est que je peux te dire un truc. Vas-y. <laughs> Quand je suis arrivé en régie ouais. euh, j'ai euh, l'homme de la régie Jean, Tim, Tim. Non, non, Jean. Poineau. 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 il, il m'a dit franchement Abdou, excellent, tu m'as envoyé euh, les, les éléments des joueurs qui ouais. pas ouais. rapidement, etc. Bah, Je lui ai dit, bah, normal, tu les envoies normal, puisque les autres, c'est comment Il m'a dit, bah, tu sais, quand tu m'arrêtes d'envoyer, <laughs> quand tu d'envoyer, c'était <laughs> évident. C'est sa faute, c'est sa faute. Il m'a pris un train où il n'y avait pas Internet. <laughs> c'est ah, vrai pas. que ça t'empêchait de réfléchir pendant 3 heures de train à ton mercato. Bah oui. Ah euh, apparemment t'étais en première classe quand ouais, toi. Oh, ouais. ah, on y vient alors, excuse nous écoutez moi non, puisque vous voulez venir Premièrement j'avais pas internet et deuxièmement il y a eu un petit J'ai failli finir sur le midi libre tellement il m'a cassé <laughs> les couilles tout, la fois tout, il tout, prend Je vous le garantis T'as l'impression qu'il a voulu fumer le garantis. Garantis, Maman 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 <rire> maman, 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 <laughs> maman, Et la mère elle disait rien à côté euh. Genre oh, Nathanaël il faut que tu te rends compte par toi même Que si je ne te réponds pas il faut que tu arrêtes Mais oh oh qu'est-ce que <laughs> tu fais là il ferme sa gueule On est 5 ans dans le train d'écouter ton fils Dire maman toutes les 5 minutes Chez toi tu l'éduques comme tu veux le j'en ai rien à foutre tu t'en il dit maman, il maman, maman, éducation positive, oui, comme ça, il va comprendre par lui-même, il, il va dire. Mais moi, j'en ai rien à foutre J'ai envie qu'il qu arrête de dire maman, toutes les 5 minutes et de me gueuler dans les oreilles Il prenait le store, il était. Hu, 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 arrête de crédit, il a coupé ta là maintenant J'ai craqué, il m'a fait craquer le petit dans le train. Évidemment que j'ai pas fait le mercato, il m'a fait craquer Évidemment je ah, mettais du genre du le passage dans ouais, les mais... oreilles pour me calmer! <laughs> quanto, quanto. Gar garde, garde si c'est ta hauteur. meilleure performance de, de la soirée, de, soir <laughs> de, <la> soir <laughs> de, de, de la saison. saison. All time, là. Là, <laughs> là. là, là, il faut une thérapie. Là. Bah, elle est là, all là, time, okay. celle-là. est cinq ans que Orge existe, je crois, il nous en avait pas fait une comme ça, elle était magnifique. Fallait quanto. que je sois là. Quanto, tu gardes la main, justement, ouais. comme t'es bien chaud là. On va parler d'un ouais. truc qui va peut-être t'énerver, le choke énorme de Dortmund. Ah, ah non, ça va pas euh... m'énerver ça. Bah non, mais ils kiffent le Bayern. Ah oui. Il était plus pour Dortmund, non Mais Non, non bah ils kiffent le, kiffe tu... le Bayern. Mais... Ah, <laughs> tu, tu passes ta vie à parler non, avec lui. Je suis pas lui, un supporter tu sais du Bayern, du toujours C'est le Bayern. Non, je pensais qu'il était plus pour Dortmund. Catastrophique. Les haters sont pour Dortmund. Ah oui, oui, donc ok, d'accord. Non, ben non, désolé, je savais pas. Bah le choke de Dortmund, Quanto, comment tu comment tu l'expliques Quelqu'un doutait a bah, avait... quelqu'un doutait oui moi je, moi je pensais vraiment que Dortmund allait le faire cette fois-ci très honnêtement enfin je veux dire tu étais sur une bonne dynamique alors certes oui la pression que te met le Bayern tout au long de la saison elle est dure et il y a des moments où ben bah, voilà tu peux avoir ce bon, pourtant ils t'ont pas mis peur. tant de pression que ça non, mais... cette année hein, justement ils ont dit tenez le t es t es t es si, si tu vous le laisse, ils ont pas très bien qu'il y a toujours une pression quand tu as le Bayern à côté tu 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 le sais c'est évident mais mais je comprends en fait je comprends pas avec le niveau de performance des joueurs que tu avais ces dernières semaines quand tu voyais le niveau de Julian Brandt quand tu voyais le niveau de, de Bellingham, quand tu voyais le retour de Daniel Malen, euh, même derrière, tu arrives à être un peu, plus, un peu plus solide. Enfin, je sais pas, je, je trouvais qu'il y avait un truc qui commençait à vraiment tenir. Et c'est pour ça que j'étais persuadé que cette fois-ci, ils n'allaient pas te choquer. Et puis quand tu regardes qui t'as en face, attends, et Mayence, Osbourg. Et je, ouais, non, pas je, je suis d'accord avec toi, mais, mais pour autant. Qui y a des, je suis désolé, même, y a même y a des choses, tu vois. Il y a des choses dans le football qui sont ancrées dans l'ADN d'un club, peu importe les joueurs que tu vas avoir ouais, sur le bah terrain, peu terrible. importe l'entraîneur, ils s'en font partie. Avec le, ben le Borussia Dortmund, ces, ces dernières années, ils ont des gènes de choker, et c'est ce qu'ils ont fait une nouvelle fois. Ça fait, Donc ça tu fait maintenant... que par ça. Bah, tu veux l'expliquer comment euh, bah, Depuis qu prend... que le Bayern Allaire... les a aidés à l'époque pour les sauver, moi j'ai l'impression qu'ils ont plus le droit. Euh... Mais tu vois, sont moi sont ce pas que je ne comprends de pas, c'est que hein. limite, le, le Bayern a, a fourni un pénalty sans gardien à Dortmund, dans le sens où tu regardes le dénouement, je te jure, vraiment tu as l'impression que le destin était fait pour Dortmund. As mm. Premièrement, changement de coach en, 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 en pleine saison du jour au lendemain, élimination euh, du Bayern mm. en, en Ligue des Champions, mm. ensuite le Bayern qui perd des points par-ci par-là, les embrouilles avec euh, sa Manet, euh, qui, euh, qui cogne euh, les années avec sa, sa ouais, euh, oh, <laughs> et puis derrière, euh, le Bayern qui perd, Dortmund qui a juste à gagner, c'est réglé. Euh, Dortmund qui rate un pénalty, me semble, sur ce match en question. Mmh. Dortmund qui, au final, perd le titre. Enfin, c'est des scénarios que tu n'auras ouais, pas pu imaginer, sûr. tu vois. Mais à mmh. côté de ça, tu as un Bayern qui fait une saison très mauvaise. Oui, mais très mauvaise. ça aussi, c'est pour ça. Il faut rappeler quand même que Nagelsmann se fait virer en plein milieu d'une saison. Une saison où il est quand même leader de son championnat, où il a pris deux buts en Ligue des Champions. Ouais, où mais il est, quali était pas bonne en il championnat. est qualifié. Mais, mais non, mais le, ce Bayern-là n'était pas impressionnant. On se rappelle, ouais. après, la, après la trêve, après la Coupe du Monde, il y a eu cet enchaînement de trois matchs nuls d'affilée. Ouais. Il y a eu des défaites qui traînaient par-ci par-là. Il y matchs de suite qu'ils avaient pas gagné. Mais, mais, mais c'était une mauvaise saison du Bayern Munich, mais même malgré ça, le Borussia n'arrive pas à être champion, ce Borussia-là, qui je dis prend un but sur coup de pied arrêté, bon, je, 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 déjà ça j'ai un petit peu de mal à l'expliquer, t'as un coup de pied arrêté, un corner, tu joues le titre, mais il devait y avoir 11 chiens de la casse sur le terrain, tu vois, tu peux pas prendre un but sur corner comme ça. Derrière, il y a un penalty. Allaire va le demander à, à Emre Chan pour, euh, euh, ouais, pour, pour finalement pour euh, finalement aller le aller le rater. Bon, c'est pas de chance parce que Allaire, on sait qu'il revient de loin et, oui, 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 bah oui. et c'est un joueur. Voilà, c'est un joueur qui est Ça précieux. Mais mais non, il euh, y a une réaction, une réaction un peu tardive parce que ce Borussia-là n'a jamais été capable de venir jouer au foot correctement. <laughs> il s'appelait Benjamin, il ne s'appelait pas Nathanaël en plus. <rire> <rire> mais non, non, euh, c'est cette équipe du, du Borussia qui, pour moi, n'a pas proposé le jeu d'une équipe qui a envie d'être championne. Okay, okay. Ils l'ont fait un petit peu vers la fin quand ils ont essayé de pousser pour revenir. Il y a quand même une période de 10 ou 11, je ne sais plus combien de matchs sans repère. Euh, euh, sur, sur ce match-là. Ouais, ah oui, d'accord, ok. Sur ouais, ce match-là, ouais, ouais. moi j'ai vu un. Pour parler de manière crue, pendant une grosse partie du match, j'ai vu un Borussia sans couilles, Voilà. Mmh. C'est ah bah... ce que j'ai vu. Non, non, mais je. je... C'est le caractère hein, qui fait la diff. Hein. Je, je peux bien comprendre. Et juste, euh, petit aparté, parce que c'est quand même assez important. C'est vrai que si quelqu'un <laughs> avait des nouvelles d'I Love Dortmund, <laughs> franchement, Ça je. Ça fait je, trois je, jours et pas plus. Je l'ai plus entendu ah, sur mes streams. Euh, Donne-nous des signes de vie. C'est qui C'est qui C'est un très grand supporter de Dortmund. Hein, euh, I Love Dortmund, qui est sur nos streams à Bruxelles et moi, mmh. qui vient tout le temps. Et c'est vrai que depuis la défaite, enfin, depuis le titre, on le voit plus du tout. Et Vraiment, tu tu vois plus. par exemple il y avait Antonini, Benz et tout le supporter après ouais. la rouste qu'ils ont pris contre City. Je les ai pas vus pendant un ou deux jours. Ouais là. ouais. Sont revenus. Ouais, Sont revenus. Mais bah, son revenu. Son revenu, lui, bah, il euh, plus rien. Lui mmh. je crois. Je sais pas si on va le revoir. J'espère quand même qu'on va le revoir. Ça, 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 ça me fait peur. Même on me dit dans l'oreillette que même sur le Discord des modérateurs il est même plus là. Je ouais, mais là quoi. il fait trop l'acteur. C'est <laughs> bon on revient <laughs> hein, bah, un peu. Pipion, Pipion, euh, toi t es comme Kanto sur cette histoire ou pour toi ils ont juste manqué le coche Enfin, C'est quoi, toi, tu l'expliques comment ah, C'est sûr que tu n'auras pas un Bayern aussi faible qui se présentera euh, peut-être hein, d'ici quelques les ans. années. Et même tu vois la réaction, elle est très très forte. Mais ils virent Salia et chez Oliver Kahn. Oh ouais ils sont Alors que Les galets, mecs ouais. viennent d'enfiler leur t-shirt champion 2023. Quoi. Là, c'est un club, ça pardonne rien. T'as <laughs> été naze, tu t'es trompé sur le choix du coach, tu t'es trompé sur le timing, t as été arrogant. Au Bayern, c'est le FC Hollywood. C'est euh, même si t'es champion, même si c'est un titre, on rase tout, on repart. Ouais. C'est dire, euh, voilà, si certains pouvaient s'inspirer cette exigence. On veut des euh, noms, Pipion. Bah, Je sais pas, moi <laughs> peut-être. Non <laughs> euh, <laughs> mais, <laughs> oh, mais ça m'interpelle. <laughs> on <rire> est cette, euh, proche d'une capitale là. <laughs> euh, à l'instant où euh, voilà <laughs> où ça aurait été être fait depuis un bon petit moment quoi après... Tu veux quel nom <laughs> Vas-y, continue continue. Non, après c'est mental, <laughs> c'est c'est surtout mental, parce qu'en plus ils ont eu cette deuxième période où honnêtement ils pouvaient les mettre les trois butins, et même ce moment où le Bayern donne presque le titre avec ce penalty de, de Cologne. Voilà. Après euh, force à Moussiala quand même, hein, parce que il ouais. y a on du choc et de la Quand Dortmund. on parle de Coronés, il en a eu. Euh, Moussiala 20 ans, la prise de responsabilité. Lui, il a, il a eu, il a ouais. marqué un but comme il ouais. sait le faire. Super il est beau par l'enchaînement Par enchaînement, le et contrôle, tout. Ouais. Premier contrôle qu'il fait, je le trouve. c'est sa... un contrôle. Et cette et cette année l'assassin, il en bouffe une énorme. alors qu'il doit décaler à gauche. Il est complètement il est seul. S'ils sont ouais. pas champions à cause de ça, cette action est tournant. Certains, certains avaient peut-être oublié le talent de ce joueur parce que oui, contre le Manchester City de Pep Guardiola, oui, oui. il n'a pas osé être excellent il était à son prêt, âge. Voilà, c'est bon, c'est un joueur. On sait qu'on va le revoir plusieurs fois. Il va, il va en fracasser pas mal. Mm. Euh, voilà. Après Dortmund, c'est un peu l'histoire de ce club. C'est regrettable, mais quand tu vois la communion à la fin. Euh, ça chante le Univer Colonne, ça applaudit les joueurs. Ouais. C'est bizarre parce qu'honnêtement, j'aimerais qu'ils passent ce stade de. Euh, T'aimerais qu'on euh, les, qu qu les engueule un peu. Quoi. Ouais, j'aimerais qu'ils se bousculent un peu contre, en disant ouais. voilà, Après, ah ouais. il y a des joueurs, tu vois la réaction de Marco Reus tu vois certains qui étaient en larmes, tu peux comprendre. Après, c'est vrai que j'en ai, ai vu dans le chat, c'est un club qui va toujours réussir à sortir de très bons jeunes. On a vu Duranville, 16 ans, euh, le jeune belge. Lui, on va en reparler parce que déjà, quand Anderlecht l'a lâché en Belgique, il pas vraiment content. Euh, c'est un joueur ouais, qui va faire beaucoup, beaucoup de dégâts dans son style. Mais voilà, c'est toujours pareil que T es un peu à la croisée des chemins cet été tu vas vendre Bellingham très très cher mais mmh. qu'est-ce que tu vas faire cette enveloppe est-ce que tu ouais. vas encore acheter <coughs> plusieurs prospects ou est-ce que tu vas dire bon là on aimerait vraiment aller chercher une, une équipe très compétitive ou dépendra de la politique et des on va chercher le Bayern et faire un parcours avec des champions parce qu'on va peut-être le dire mais In, tu t'es fait sortir par le pire Chelsea du 20e siècle aussi ouais, en des Champions, vrai, en montrant vrai, quelque chose vrai, de très très naze ouais. à 8e retour. Donc Moi, euh... si, si je peux rajouter quelque chose, ouais, vas -y, vas -y, que tu dis, en fait, c'est vrai que, tu vois, psychologiquement, quand, quand t'es Dortmund et que t'as toujours été perçu comme le, euh, le dauphin, tu vois, du Bayern Munich, enfin, même si t'as Leipzig, etc. Là, euh, psychologiquement, voir toujours le Bayern être champion, même quand tu vois que t'as ta chance... D'autre côté, tu te dis, bah, ma chance au final, je ne sais pas si je vais réellement pouvoir la saisir ouais. parce que ils sont trop forts en face, parce que moi de mon côté, bah, je vais te choc au moment où c'est -ce bah, mm -hmm. là où -ce il faut faire la dive. Donc je suis assez d'accord avec ce que disait Kanto mm -hmm. euh, juste avant. Et là-dedans, il y a un peu d'arsenal, tu vois, dans le sens ouais. où. De toute façon, c'est un peu délin. Les, teints, les euh, mecs, des tu vois, c'est toujours, euh, on se contente un peu de ce qu'on peut avoir. Tu vois, par exemple, là, bon, euh, vous en avez peut-être parlé avant, je ne sais pas, hein, mais tu vois, Arsenal, cette saison, tu regardes, hein, je suis un peu un hors sujet, désolé, hein, mais, mais tu vois. Euh, il y a deux choses. Tu as le choc du, du titre, et pour le coup, tout comme pour Marseille avec le PSG, où est-ce que. Euh voilà, on n'arrête pas de dire que ce n'est pas de la faute du PSG si l'OM n'est pas mmh, champion. Ouais. Au même titre, ce n'est pas de la faute de City Arsenal n'est pas champion, mmh. euh, dans le sens où euh, bah, les matchs perdus, c'est sur les trois matchs nuls euh, d'affilée, en tout cas les points perdus. Et au final, bah, on se contente en se disant bon, on rejoint la Ligue des Champions, on est content, on est deuxième, ok, c'est cool. Mais à un moment donné, non, il faut tu vois, du caractère, les gars, ouais. ce n'est pas normal ce qui s'est passé. Donc la saison prochaine, level up, tout comme dans le En fait, Fondé, il faut en vouloir plus. Quoi. Et, voilà, il faut en vouloir plus. Il faut arrêter de, de, de toujours se limiter à se dire bon, c'est cool, on, on produit un beau football. Mais c'est pas important il me reste à voir, ouais. le, le FC beau football, tu vois. Mmh. Voilà et juste si je peux dire un dernier truc, de Tottenham. <laughs> bah, eux, je pense qu'ils ont même pas besoin que plus de hein. ça, ça va chez les clubs de coups Ça va attraper <laughs> Abdou. Ah, ouais, bon, moi, il y, y, y a un supporter qui m'est tombé dessus parce que j'avais osé ah, dire oui. que c'était un club de losers euh, Écoute et, ça, ça, et, ça, et qu'il s'était limité. Enfin, il, il se confortait dans une espèce d'un un, un cycle hyper bizarre. Le mec m'a dit Ah oh, putain, il n'a pas le droit si pu en dire ça. Moi, je veux m'expliquer avec lui. Finalement, on était d'accord, tu vois, c'était entendu, on était de bons termes et euh, c'est regrettable, mais. Il y a l'espoir. Regardez mais... Na Naples. Naples, ils ouais. sont sortis de ce cycle de choc de petite mentalité. Donc, il y a toujours euh, la volonté. Après, je peux comprendre ce que tu dis sur Arsenal. Peut-être que les planètes, elles ne seront pas alignées de nouveau comme ça. ça. Mais tu tombes face à un City sur la seconde partie qui est. Incroyable, et après, tu vois, pour le projet Arteta et tout, c'est super de revenir en Ligue des Champions et montrer ça, quoi. C est c est la saison, tu as, as bien joué 90% du temps. Voilà, c'est magnifique, mais on, ouais. on a le droit d'être frustré, quoi. C'est ça mais je comprends. mais, mais, mais c'est magnifique. Br Bruce, je, je connais un peu ton avis hein, sur Dortmund. Hein. Est-ce que tu voulais rajouter un truc Parce qu'après, j'aimerais bien que tu me parles un peu de Pochettino et, et de Chelsea, savoir ce que tu en pensais. Ça fait vraiment de la peine, quoi, parce que on voulait quasi tous les voir champions, et voilà, bah, après, tout a été dit. C'est mental le problème, on n'est pas plus surpris que ça, même si là, on se disait, c'est enfin le bon moment quoi. Mmh. mais ouais c'est pas normal et je rejoins Pipion au niveau des supporters et tout ça va au bout d'un moment je sais pas vous avez le droit d'être très déçu et machin et de, de le, le faire, faire savoir, savoir. c'est pas mmh. normal la, la vérité c'est pas normal donc il euh, y a peut-être aussi besoin de ça peut-être pour, bah, pour que ça bouge un peu quoi. parce que t'as l'impression que c'est un truc général quoi. Mmh. Voilà. très bien bon euh, parlons de parlons de Pochettino euh, s'il vous plaît messieurs euh, je veux bien que vous preniez vos ardoises <laughs> euh, s'il vous plaît et euh, une question très très simple est-ce que euh, Mauricio Pochettino est un bon choix pour Chelsea, oui ou non Vous répondez sur euh, l'ardoise et on voit ce que ça donne au niveau bah, voilà de, de vos avis, de vos pensées. On est bon tout le monde. Et on retourne les ardoises. Pour Bruce, c'est un non. Pour canto c'est un non. Pour Abdou, c'est un ah. non. Et pour Pipion, c'est un oui. Alors messieurs, on va se faire un, un, un petit duel. Euh, pourquoi non Là, on, on va s'attraper à trois. Hein Ouais bah là, 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 là <laughs> euh, tous les trois qu'on va en pipiants. Il a dit quoi Il a dit il est content au pipi. En général c'est souvent sur la dernière demi-heure. Ouais il part en, en vrille. Ah, ah, c'est parce, parce voilà. qu'il a soif. Boris <laughs> 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 pourquoi non euh, Moi Pochettino j'ai jamais été un grand fan en fait. Alors oui il connaît la PL, etc mais j'ai jamais été un grand fan de Pokétino, personnellement. ouais donc euh, déjà c'est pour cette raison et en plus il y a quand même un sacré chantier qui l'attend parce que oui il y a matière à faire mais il y a un sacré tri à faire et il manque encore quelques joueurs on se doute bien ouais. qu'ils vont encore recruter des joueurs mais sincèrement Pochettino dans ce Chelsea ouais. la sens pas du tout cette histoire okay. voilà c'est aussi simple que ça pour moi euh, Pochettino euh, j'ai jamais aimé de toute façon il a dit euh... quand euh, à Paris etc déjà euh, pour moi il a ses limites tu l'aimes pas c'est tout non, je suis pas fan. Okay. Pour, moi, oh, pour moi, il y a des meilleurs entraîneurs. Et même si je suis pas un grand fan de Nagelsmann ou ce que tu veux non plus niveau caractère, etc. Mieux. Je trouve que Nagelsmann ça aurait été mieux. Oui. Ok. Pipion, toi, pourquoi oui ah, Déjà, moi, moi, je pense qu'il y a une saison qui s'est passée de manière un peu surréaliste à Chelsea avec tous ces mercatos. Et euh, ce club qui est totalement parti en vrille sur le terrain, on a vu que c'était vraiment le néant très souvent. Mais quand tu regardes euh, vraiment l'âge des joueurs et surtout ce qu'ils ont fait, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses à, de positif pour l'avenir. Sauf ouais. qu'il faut le coach pour les driver. Je pense que Pochettino, avec sa connaissance de la PL et surtout euh, le fait d'avoir souvent eu des jeunes joueurs. Euh, notamment à Tottenham avec un jeune Kane, un jeune Dele euh, voilà Peut-être oublier certains qui étaient Dele Alli, Mais à Tottenham il en avait fait un super super joueur Un des tout meilleurs joueurs de, de PL Et surtout voilà, il va encore recruter Nkunku En fait je pense que plus que Pochettino Ce qui va être important à Chelsea c'est faire le ménage euh, de cet effectif voilà, De 40 joueurs, avec euh, il n'y avait pas cette place dans le vestiaire Les mecs qui se changeaient euh, dans le couloir d'échauffement <laughs> Comme si on était en Régional 1 du côté de Louis en cuiseau Ça c'est la priorité tu vois c'est vraiment pouvoir réussir ça. Évidemment, Nagelsmann ça aurait pu être bien, mais c'est un coach qui connaît ce genre d'environnement. Euh, Londres, euh, Chelsea, Tottenham, peut-être pas euh, évidemment les mêmes résultats, mais je pense qu'il va arriver avec sa connaissance d'appel. Il sait ce qu'il faut faire. Et surtout, j'aime bien c'est le fait qu'il soit nommé là euh, fin mai, quoi. Il va avoir, tu vois, vraiment euh, deux mois de préparation pour faire. Euh, ce qui sait faire. Moi, je pense qu'honnêtement pour repartir, euh, voilà, j'ai envie de revoir euh, Pochettino. À Paris, ça s'est pas bien passé, et tout. Ouais. Parce que voilà, c'est un club hyper particulier. Mais j'oublie pas à Tottenham jusqu'où les a menés en finale de Ligue des Champions avec un effectif qui était pas non plus extraordinaire. Là, en fait, j'ai envie de voir en Ayant, tu vois, les, les, les mains dans le cambouis en départageant ouais. les joueurs, ah ouais, ouais. en ayant vraiment son 11 sport en dégageant ses nouvelles choix d'affiche manager, quoi. Voilà, j'en ai en matière à faire. En tout cas, si là où je suis d'accord avec toi, c'est que si jamais euh, c'est un très bon coach ou quoi, là il y a ce qu'il faut et on va vite le voir. Enfin, vite, faut laisser un peu de temps, tu vois. Faudra pas être trop dur, mais c'est le risque avec Chelsea, c'est qu'il soit pas patient, quoi. Mais si, si il, il est bon et qu'il arrive à en tirer quelque chose, là en tout cas, il aura beaucoup de mérite parce que il a des vrais choix à faire pour le coup. Moi, moi vous le savez, je suis un grand fan de, 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 de ce monsieur et c'est vrai que on, on a tous, je pense, Pipion, cette, euh, voilà, cette saison avec Tottenham où vraiment, il, je ne sais pas s'il si surperforme, mais en tout cas, tout se passe bien. Et je me demande si finalement, il n'y a pas eu un, un alignement de planète à ce moment-là qui a fait que bah, le mec a, a réussi. Maintenant, à Paris, on peut le dire, c'est un échec. Depuis, on l'a vraiment plus revu on Après, sait tous pas tous les entraîneurs pas où en à Paris, des évidemment, échecs. des hein, donc c moi ne je, je prends pas que ça c'est hein, pour hein, ça que, que j'ai ouais. pas envie tu vois de, de ne pas ah. lui laisser sa chance mais je pense que euh, pochettino doit encore nous prouver qu'il peut être un bon entraîneur tu vois je pense qu'il y a euh, il y a trop de il y a trop de parts d'aléatoire dans, dans tout ça pour qu'on se dise oui c'est un bon choix et que c'est sûr que ça va marcher je pense que voilà le, le, le temps nous dira en tout cas euh, bon on, on a des avis différents toi quanto tu, tu rejoins euh, du coup bruce hein, là dessus sur euh, sur pochettino ouais euh, grosso modo, Poquetino, on a vu le travail qu'il pouvait apporter à Paris et ce que ça donnait quand il y avait une équipe mmh. qui était construite un petit peu comme ça, euh, à la zepp, j'ai envie de dire, hein, sans aucune. C'est ah, un aucune problème, aucune problème aucune avec ça. Faille. Non, non, mais. Désolé. Ah désolé. Non, non, plus, plus sérieusement, on a vu Poquetino travailler dans cette équipe de Paris où il n'y avait pas réellement de, de cohésion et de sens dans la manière où l'équipe avait été bâtie, et on a vu que ça avait été, ça avait été des résultats qui avaient été mauvais. À Chelsea, c'est un petit peu pareil. Il une équipe qui a été bâti un petit peu n'importe comment on a injecté des millions et des ouais millions ouais. d'euros pour recruter à tout va et finalement il n'y a aucune cohésion d'équipe et j'ai peur que Pochettino qui pour moi est un excellent entraîneur, on l'a vu déjà évoluer dans des clubs à part Paris où il s'est un petit peu craché mais c'est vrai qu'il a fait déjà des, 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 des belles piges dans d'autres championnats et dans d'autres clubs euh, donc moi je reste persuadé que c'est un bon entraîneur mais c'est un entraîneur qui a besoin du temps il ouais, a besoin de beaucoup de temps pour se mettre en, en place en dans a un projet, sauf qu'une équipe comme Chelsea qui recrute à tout va, c'est une équipe qui a le même profil que le PSG. Si ça se passe mal, si mauvais mois, et je pense qu'il ira dehors. Donc c'est pour ça que j'ai mis que Pochettino ne serait pas l'entraîneur idéal pour Chelsea. Chelsea a besoin d'un entraîneur qui va avoir un résultat très rapide et je pense que pochettino lui aura besoin de plus de temps ok ok très bien bon bah en tout cas merci euh, messieurs pour pour avoir joué le jeu bon tour d'europe assez court bruce on va quand même te laisser nous parler très rapidement de juve milan moi qui permet ouais, toi toi. Les couilles. non <laughs> non 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 mais à tout. <laughs> en fait c'est parce ah, que comme, comme vous étiez trois à dire non je me suis dit ça sert à rien <laughs> bah, ouais. mais il peut-être un truc en plus, plus quand je suis quand même le mec que... qui regarde le plus l'appel je pense ici mais non non c'est bon c'est pas grave c'est rajouter un truc par rapport à moi ce que je voulais dire c'est non parce qu'il faut continuer avec frank lampard dans mon sens non plus, plus, plus sérieusement, non, mais moi c'est plus pour lui que, 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 pour, que pour le club, dans le sens où pour moi c'est ce, un traquenard pour lui, dans le sens où euh, Pochettino, moi même si j'ai jamais été vraiment ultra fan de son, de son style de jeu, très contre-attaquant notamment, ouais. plus il a toujours eu la chance d'avoir quand même des, des bons joueurs, je, je, je pense qu'arriver euh, dans, dans ce Chelsea là, lui qui pour le coup euh, voilà, a, a, a montré quand même que c'était un coach qui, qui s'y connaissait quand même très bien au, au niveau du foot, mm. euh, il va arriver dans ce Chelsea qui euh, a fait une saison euh, assez catastrophique, qui, euh, où est-ce qu'il va y avoir beaucoup d'attentes la saison prochaine, retrouver la des champions, aller le plus haut mmh. possible en, en, en Première Ligue, etc. Il va manquer de temps, je suis assez d'accord, donc ça va être un, un complexe. Et puis moi, de mon côté, j'ai ça c'est plus personnel, mais j'ai jamais été vraiment fan de, 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 des coachs qui avaient de la renommée, qui faisaient plusieurs clubs de, 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 de Londres de leur côté. Je trouve mm -hmm. toujours que c'est bizarre. Et, et lui, va être encore plus attendu ça au tournant. Dans cinq ans, Arsenal. Que, que hein, donc fais attention à ce que tu dis. Non, mais j'aurais le même avis. Et, et, et puis tu y réussis, y réussis, tant mieux, tu vois. Mais, mais voilà, moi je. OK. Donc, et il y a autre problème. chose aussi. Après. Le truc, c'est que je pense, enfin, j'ose espérer, même s'ils font n'importe quoi et qu'ils ont l'air complètement con en ce moment à Chelsea, j'ose espérer qu'ils vont lui donner un peu de temps. Parce que finir top 4 pour Chelsea l'année prochaine, en sachant que Liverpool, il va falloir compter sur eux, je pense, la saison prochaine un peu plus que cette année. T'as tu t'as Arsenal qui est bien, t'as Newcastle et les autres. Mercato, ouais. Pour moi, s'ils se disent absolument, on va être top 4 à coup sûr, sinon on le vire ou ceci, cela, ça sera du grand n'importe quoi. J'ose espérer qu'ils se sont dit, il faut qu'il y ait du mieux, qu'il y ait un gros tri dans l'effectif. Si jamais c'est lunaire et que tout se passe bien, on peut potentiellement jouer la quatrième place. Mais honnêtement, il y a un monde où Chelsea, bah, ils vont essayer de se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine, mais ça sera dur de finir top 4. Hein. Mmh. Moi, je ne les vois pas top 4. De toute façon, la, la, la concurrence anglaise fait que, quoi qu'il arrive. Les mais... équipes qui sont trop établies, ou c'est trop carré, qui vont pas tout bousculer, ils vont juste se renforcer, tu vois. Alors que, eux, on sait qu'il y a un chantier pas possible. Quoi. En tout cas, on le redit, mais c'est vrai que la, la, la prochaine saison de, de, de PL, euh, franchement, honnêtement. Ça peut être une des plus belles de l'histoire avec toutes les équipes. On l'avait dit euh, il y a quelques semaines ici. Euh, ça peut être euh, quand même euh, assez fou, Bruce. Un petit mot sur euh, ouais. la qualification, donc euh, en LDC de, de Milan et comme ça on clôturera ce tour d'Europe avec ça. Euh, content, content cette victoire contre oui. la Juve. Oui, oui, c'était, bon, c'est pas le meilleur match du Milan, mais bon, c'était important de faire au moins le nul pour assurer la Ligue des Champions. Ils ont su gagner à la Juve avec un magnifique but de Giroud, une tête qui est vraiment pas évidente, qui t'assure la Ligue des Champions. Euh, en sachant que voilà, bah, Kamada euh, va signer libre, apparemment. Ouais. Ils Super pioche. Ils, ouais, ils sont sur énormément de joueurs. Apparemment, il y aura un budget de 70 millions. Donc, euh, c'est intéressant pour Milan, tu vois, parce que d'habitude, ils dépensent pas autant. Euh, ils sont aussi sur d'autres joueurs libres comme Thielmans etc. Donc, ils sont ouais. sur pas mal de monde. Donc, euh, hâte de voir ce qui va se passer. En tout cas, il y a beaucoup de noms évoqués du côté du Milan. Et on savait que se qualifier en Ligue des Champions, c'était primordial pour continuer euh, bah, d'être en Ligue des Champions, gagner de l'argent et aussi continuer à attirer des joueurs euh, de plus en plus importants. On sait que les A.O., euh, ça, va, ça va être officialisé bientôt, il y a la prolongation aussi, donc... Euh Beaucoup de choses positives, alors qu'à un moment donné, sans le retrait de points euh, de la Juve, la juve euh, bah, le top 4 semblait très 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 loin. Donc, on ne va pas se mentir, c'est très bon à prendre. Ouais, c est, c est, c est Ça une une fait nouvelle. plaisir. Ouais. Mer merci la Juve. Ouais. Euh, très bien, bon messieurs, on, on, on avance. Il nous reste plus beaucoup de temps. On se fait un pronoguide rapide et après, on fait un, un quiz que je vous ai préparé. Je pense peut-être le meilleur quiz de l'histoire de l'émission. Oh, 100% si, si, Bruno. Tu la merde. Je si, si, suis si, si. si. vraiment venu au bon moment. Ah, c'est mais... la meilleure analyse de l'histoire de De Canto. Voilà. Merci. D'histoire, c'est quoi la suite C'est encore Pierre Précision jeu, là, je Non, mais t'as vraiment eu le Prime de hors-jeu, t'es tombé au bon voilà. moment. Le Prono Gate, c'est parti. Ah, je rigole, ce sera un quiz tout à fait normal. Alors, euh, messieurs, regardons euh, le récap de la semaine dernière pas. avec. Euh, arrête, commence pas. Euh, les, euh, les résultats. Donc. Un point braque bah Alors, je vais te dire ce qui s'est passé parce que moi, je suis franc, je vais être très honnête. J'étais pas là. Et les pronos que tu vois, c'est pas les miens. Voilà, je m'en fous, je le dis. C'est Poino qui a fait les pronos. Parce qu'en fait, t'as pas eu le temps d'envoyer tes pronos. Bah, j'ai pas eu le temps parce que tu te souviens que j'ai dit points. Bah, tu mérites zéro point. Bah, bah, qui me mettent zéro alors Parce que ça, c'est pas moi. Ça, ça, ça me représente pas du tout. Il a fait des choix, il a dit ouais, braque. T'es pas là, t'es pronos, tu, tu, tu les envoies. Tu, on fait comment Bah ouais, mais attends. Il est catastrophique en pronos, Poino. Donc, ça, c'est les pronos de Poino, C'est pas du tout les miens. Il est losno taillé, il est éclaté. Pour moi, je suis exempt cette semaine. Comptez même pas sur les miens. Sinon, au classement, qu'est ce que ton my match. Ça veut dire que Pipion et moi potentiellement sur la dernière journée, imagine tu places le my match hey et la totale. Tu sais il y a un monde où c'est la giga remontada, mais c'est serré en vrai. Ah, ah je... Alors mais j'entends que Je suis le seul à avoir vu le choc de Dortmund <laughs> en fait. C'est vrai <laughs> c'est vrai toi, c'est ce qui t'a fait, fait, un fait un passer dans le clique au hasard. Bravo, je regarde même pas les <laughs> matchs. Genre... <rire> <rire> Par contre, comment il peut y avoir 10, <laughs> quasi 10 points d'écart avec Par le chat euh, et Braque <laughs> Par contre, Braque, euh, regarde, il est tout rouge, le pauvre <laughs> ou, Je sais pas, il est en stress <laughs> Non, mais, ah pas non, pas, non, moi ça non, va tranquille. Non, non, non. non, non <laughs> Pipion, t'inquiète, Pipion, il y a mais mais pas de problème. Mais le chat, comment c'est devenu des nullards à ce point-là C'est le FC Gaze. Hein, faut pas mais non, chose, 10 donc. points, mais c'est la honte, les gars, je sais pas, faites quelque chose. Messieurs, messieurs, les rencontres donc pour cette semaine. Au Serlens, bien sûr, en Ligue 1, match extrêmement important pour les euh, Oserois. Nantes, Angers, forcément, on peut pas passer à côté. Euh, 8. Le stade non, Je ne comprends soit, pas comment Angers peut avoir une cote à 8,50? Comment? C'est possible. René et Manchester City contre Manchester United dans la finale de la FA Cup et on le voit euh, beaucoup, beaucoup de hey, break, résultats similaires. Je te déteste au plus haut point. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que t'as fait? Il ose me demander ce qu'il fait en plus? J'ai fait quoi? J'ai mis, j'ai mis nul. Oui, oui. Bah, C'est pour ça que je te déteste. Mais non, mais alors attends. J ai, j ai... Non, non ah, Je ne suis même pas ton pote, rien du tout, non Il n'y a même ça. pas un petit soutien sur la fin Non, t'es dernier, t'as plus rien à jouer, t'es à 150 points. Fais kiffer, pas, moi. <laughs> je sais pas. C'est que... Alors, je me souviens plus de pourquoi j'ai mis nul, mais je l'ai mis pour une vraie bah, raison. En vrai, il y a vraiment pas moyen que ça fasse nul. Hein. Pourquoi, pourquoi C'est parce qu'en fait, vraiment, vous n'avez plus le mental, quoi. Et je... En fait, je voulais mettre... Je voulais pas mettre Angers parce que je vois je, je sens que ça va très mal se passer donc j'ai mis nul pour trancher mais franchement mentalement je vous trouve mais vraiment atroce en ce moment donc euh, je, me, je me voyais pas bah si avec mentalement aurais... qu'on était atroce ça serait pas <laughs> si mal non mais c'est une catastrophe et euh, messieurs bien sûr sur le My Match c'est simple hein, on est parti sur euh, la finale de l'Europa League ah. entre Sévier et Rome ils m'ont pas trouvé de la saison est-ce qu'ils vont me trouver alors où se cache Bruce où est Charlie euh, messieurs voici euh, tous, les, euh, tous les combis de la team hors jeu bien entendu euh, vous savez que si vous n'êtes être pas majeur, et eh ben, vous ne pouvez pas parier. Euh, vous savez aussi que parier ça peut amener de la dépendance, ça peut devenir dangereux, ça peut bah voilà vous faire perdre énormément d'argent, ça peut créer des conflits familiaux. Donc, bien entendu, on le fait en étant raisonnable et bien sûr en, en essayant de, de juste mettre un peu de piment dans vos rencontres. Voilà tous les euh, tous les my match. Le my match est très simple, ça se passe sur le site winamax.fr. Vous pouvez faire une petite Plusieurs sélections de certains éléments dans un même match, qui vous donne une cote personnalisée. Et après derrière, ben voilà, vous pouvez la jouer. Là, c'est ce qu'on a fait tout au long de la saison. Vous votez donc sur le chat. A priori, on a pas mal qu'on vu la Roma Apparemment, c'est serré. On me dit que c'est serré entre le premier et le troisième. Mais, a priori, c'est le premier qui va l'emporter. Et donc, Reveal le premier, c'est le Myman. Et voilà. Il a été trouvé. Portez l'œil, c'est Nulard là. Es c'est quoi ce principe de, de, de My Match là bah En fait, c'est simple. Comme je viens de le dire, es sur le site, tu as un truc qui te permet de créer un, un, une cote personnalisée sur un même match. Okay. C'est-à-dire que tu peux mettre par exemple euh, sur un PSGOM moi je suppose qu'il euh, y aura nul à la mi-temps et je suppose okay. que dans ce match-là, Kylian Mbappé va marquer. Bah, okay. Ça va te faire une cote boostée. Personnalisé, histoire, que, tu hein. peux, euh, que tu peux parier. Okay, okay. voilà, c'est ça vrai. le principe du My match. Et nous, on okay. le fait toutes les semaines pour avoir euh, bah, okay, voilà, okay. notre championnat. Et, du spectacle. Et ça donne ça. Voilà, okay. c'est du spectacle. Voilà, voilà pour euh, notre PronoGate. Maintenant, c'est l'heure du quiz, messieurs. On se réveille parce que je vous le dis, ce quiz-là, honnêtement, je trouve, trouve qu'il est pipion, assez équilibré. Tu nous, nous inquiètes pas très non, vite, non, hein. Je suis avec Pipion. Vous voulez le faire par équipe <laughs> Non, individuel. On me dit, on me dit individuel. Bien tenté. Moi, par contre, c'est juste Oscar va faire match nul. Angers va battre Nantes. Ouais. <laughs> Rennes va faire match nul. Ouais. 100%. En tant que City soit champion. Et, City, Et ou City ou United City ou ouais. United Franchement, je pense qu'il va y avoir un gros 2-2 sur ce match. 2-2 de deux. Rashford. Ok. Bon. Donc, United plutôt. Qui s'impose à la fin. Non, 2-2, c'est ni l'un ni l'autre du coup. Tu suis Les gars, c'est la finale de la FA Cup. Oui, mais il a Les paris, ça s'est battu avec Non, mais je pensais qu'il parlait de mecs des après, après, non, j'ai compris. T'inquiète pas, j'ai compris. compris, toi C'est Sénégal-Reck, t'inquiète. Merci. Bon, allez, messieurs, on y va. Première question, tout le monde est prêt Je vous conseille de nettoyer vos ardoises parce qu'on en aura besoin. Oh, Merci. Ah, ah faut, faut écrire dessus, c'est ça Non, ah, mais pour l'instant, je vous dirais quand il faut écrire sur, sur l'ardoise. Première question. Il n'y a. Ah, si, si, bah, c'est l'ardoise, pardon. Excusez moi c'est Ça, ça, ça C'est le quiz all time. Non, pas. non, mais tu vas voir, le, le quiz est trop bien. Euh, oh. Messieurs, il n'y a que deux équipes contre lesquelles Alexandre Lacazette n'a pas marqué cette saison en ligne 1. Oh. Oh, J'avoue, c'est bien le quiz. Lesquelles non. Lesquelles Donc, si vous arrivez à en trouver une, vous prenez un point. Si vous trouvez les deux, ça fait deux points. Faut réfléchir. Je ne dis rien. Pas de triche dans ce quiz. Si vous arrivez à au moins en trouver une, ça vous fait un point. Donc il euh, y a moyen d'aller euh, gratter. Bon, moi, il y a zéro, j'ai compris. Je sais, non, je, je, moi, je donne jamais euh, d'indication. Euh... Bruce, c'est bon Attends, je réfléchis sur le deuxième. Ouais, bah réfléchis pas trop longtemps. Euh... On, a, on a déjà dépassé de 4 minutes, là. Vas-y, je mets ça, <laughs> mais je suis pas du tout sûr, je mets au pif. Attention, on retourne, s'il vous plaît, messieurs. L'Orient est. Euh... Le Paris Saint-Germain pour Pipion, Auxerre et le PSG pour Canto, Lens et le PSG pour Bruce, et Troyes et Nice pour Abdou. Alors vous prenez tous un point, parce que euh, oui, c'était bien euh, euh, contre le PSG, que la Alexandre Lacassette n'a la pas marqué, et la deuxième équipe, c'est bien la G Auxerre. Donc ça oh, fait deux vrai. points pour l'ami Canto. Bravo bravo, bravo. bravo. Bah il fallait s'en souvenir. Abdou désolé. Tu, tu peux mettre un point pour le plaisir. <laughs> à la fin peut-être. La... Non non j'ai mis au fort. Abdou c'est la première ligue. Messieurs regardez les écrans attention Attends. question de rapidité il faut lever la main. Je regarde bien les poinot aussi. Hein. Oeil de lynx. Qui est cet arbitre Alors moi les arbitres je connais plus les noms. Comment il s'appelle on rappelle jamais des noms. Pu la merde. Vous l'avez pour, pour Le moment. Ton quiz, il pue la merde pour le moment. Il, il est éclaté. Euh... Alors Qu'est-ce qu'on s'en bat Je l'ai, mais attends. Mais c'est quoi ce <laughs> quiz Qu'est-ce qu'on <laughs> s'en fout de la UIS Et... Comment il s'appelle ah, mais... Ça commence par un W. Non ah, mais merde, attends. on a la tablette. Moi, je ah, ne enlevé la pas. J'ai pas enlevé la tablette. Il y a même la télé là-bas. Même l'écran. On a nul. Oui, il Non, non, non. Ouais, qua il a vu. Non, il a, il a pas vu, il a pas bon, vu. Bon, Abdou, t'as une idée Jérémy Trignac. <laughs> bon Abdou, il l'a vu. C'est quoi hein Trignac Non. Mais moi je l'ai dit avant. Strignac? non. C'est qui au c'est Non. Non, j'ai pas, pas vu. C'est Strignac. c'est C'est J'y rêvais au final, il y a des, des, général, des, diamants, des trucs étaient ouais, ouverts, mais t'es pas loin. Annule-la C'est ce que j'ai dit, j'ai dit « Mais attends, mais t'as regardé le chat Mais bien sûr j'ai regardé Mais bah tu voilà, ben t'as pas quand même Mais comment ça, moins d'un C'est mérité, c'est mérité C'est qui qui a fait le quiz C'est moi. Vraiment, pour le moment, c'est Zéro. Ah ben, t'as eu zéro sur 20. Question ardoise, question ardoise. C'est catastrophique. Messieurs, troisième question. Harry Kane... Vous écoutez Harry Kane est devenu le deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Première oh, Ligue, putain. créé, bien sûr, je le rappelle, en 1992, en passant devant Wayne Rooney. Question simple, combien de buts a marqué Harry Kane Question ardoise. Oh, Vous m'écrivez le coup. nombre de buts, c'est dans l'actu. T'aurais dû dire le nombre de buts qu'il a marqué en cette ligue, saison. Hein. Le nombre de buts, pardon En Première Ligue. En Première Ligue, ouais. Le nombre de buts total qu'il a marqué en Première Ligue. Ah, moi aussi, c'est du pif. Au plus proche, celui qui est le plus proche, bien sûr, euh, prendra le point. Hein. Après, si vous avez le chiffre exact, c'est 2 points. Oh, Pipion, je viens de voir ton ardoise, vous on en écrit la même chose. La vérité, c'est. Je vous crois. J'ai écrit avant lui. La vérité, c'est. C'est un truc de fou, mais j'ai écrit, écrit avant lui. Je vous crois. Putain Moi, ouais, je sais pas du tout. Hein. J'ai écrit, je me suis jeté un petit coup d'œil, voir si j'ai. Mais t'étais de derrière, t'as regardé. 3, non, non j'ai écrit 2, avant lui. Un, on retourne les ardoises, 223 pour Pipion et Canto, 210 pour Bruce. 232 pour Abdou, le point va à l'ami ce avec Parce que c'est 213 buts. Je mérite un point bonus, ah, je suis pas là. Mais ouais, moi, si... il fallait, fallait ah, donner C'est impossible non. de faire pas... pile, je braque. Par, 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 par contre, vraiment, ouais. bien, parce qu'on était tous dans le cercle Vous étiez ouais, dans un un Lâchez ça, a que moi qui ai eu le point, comment on fait bien Mais toi tu vas être les gars en deuxième Je vais aller en Ligue 2 Fallait faire un truc 5 points. Si t'as 5 buts près, t'as 2 points. Mais nous c'est plus de champ, c'est plus de champ. Rends 1, rang à toi, t'es serveur Fitcham, fit <laughs> fit tu ferais bien de tonner. Non. Les amis, qui <dites, rire> veut sur ce terrain Qui <laughs> veut <laughs> m'appeler tôte <laughs> Dites-moi, les amis. D'ailleurs, tu vas recevoir un mail dans pas longtemps. Alors, messieurs, <laughs> quels sont actuellement les entraîneurs en Ligue 1 oh, oh. qui portent le même prénom Il y a deux paires d'homonymes. Ah tantôt Ah non, il y, y avait les Bruno. Philippe Montagnier, Philippe Clément. Philippe Montagnier et Philippe Clément, c'est bon. Les il y Bruno, a ça, ça a marché euh, au moment de la saison. Pardon, qui Non, ah, je te et Bruno. Ensemble. je te parle en ce moment. Qui d'autre Il n'y a, a pas Antoine Non. Ah non, mais il n'y est plus, de toute façon. Mais je me disais, il y a peut-être un deuxième. En ce moment, il y en a deux autres qui Franck Julien même Prénom Franck Franck Non. Julien Non. Il n'y a, a, a pas G Gastien et. Aïe, 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 aïe. <laughs> je vous donne ah, ça, un indice, c'est un prénom deux, qui hein. commence par un C. Christophe et euh, qu'ils ont pelliché euh, qu Galitier, bah je Ah non mais il, que... ouais, gens, mais il avait la main il avait la main ouais, pour un point à chacun Non 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 non, 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 <laughs> non il avait la main Pipion Pipion, puis on se Christophe Galtier et Pelissier. Et puis on se va faire plein. Il a hésité, il n'avait pas tout de suite Pelissier. Tu me coupes la parole. Tu as raison, mais oui, honnête, je l'avais tout de suite. C'est dur, c'est dur parce qu'il y avait des boulons qui après dans la raison. Oui, il peut revenir Pelissier, mais Regarde, Pipion, il avoue qu'il l'avait pas tout de suite. Moi, je l'avais. Donc, c'est il a le temps, de la réflexion. Bah non, je pense c'est trop facile s'il a dit Pourquoi vous négociez avec lui Tu as vu juste avant, il parlait 5 points à la là sur le Pipion, il avait été honnête, il s'est pas bien expliqué, pas Alors, ça fait donc il a trouvé les deux en plus. Ouais. Ok. Donc non, ça, fait on a bah, ça fait deux points. Un chacun. ça fait bah deux bon. points. C'est euh, bon. Messieurs, c'est de la mort subite. Donc on va prendre dans l'ordre. Hein. Euh, on va commencer par Abdou et on va tourner. Attends, je regarde bien. Ouais, on va tourner vers euh, bah vers Kanto. Euh, Alors la question c'est simple. Citez-moi les joueurs qui ont marqué au moins. 10 buts en première ligue cette saison. Abdou, on commence avec toi, c'est de la mort subite. Ok, Jonathan David. Non, en première ligue. Ah, il saute Ah non, il saute, il l'a dit moi Il saute, il l'a éliminé Mais il a pas compris Mais il a pas compris, éliminé Première ligue, Moi, vous m'auriez éliminé si j'avais dit ça. Mais si tu de la vie, on t'aurait éliminé, arrête. Gabriel Martinelli. Gabriel Martinelli, c'est validé. Kanto. Harry Kane. Harry Kane, c'est bon. Allende. Erling Allende, c'est bon. Patkins. Patkins, c'est bon. Éliminé. <laughs> Ivan Tony. Ivan Tony, c'est bon. suis que j'allais dire, là. Bukayo Osaka. Bukayo Osaka, c'est bon. Haute garde. Haute garde, c'est bon. 15 buts. Là, le E2, il m'a enlevé les deux que j'avais derrière. Attends, laisse-moi réfléchir deux ouais, secondes. Non, si tu peux effacer quand, quand c'est sorti, euh, comme ça, ça m'aide. Merci. Salah. Mohamed Salah. C'est bon. Rashford. Rashford. C'est validé. 17 buts. Canto. Il en reste 1, 2, 3, 4, mmh. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 joueurs encore. C'est pas mal. Ah ouais. euh, non, je vais pas pas dire, euh, ouais, c'est osé de dire ça, Ilkay. Ilkay Gundogan, éliminé, Kanto, ouais. désolé. C'était osé. Lepion. Wilson. Callum Wilson, c'est bon. ma vie, c'est suis que j'allais ouais. dire, dire là. Il faudra ah. en trouver un autre. J'allais dire Thuné et, euh, et la Attends, attends, attends. Attention. Attends, ouais, mais là c'est une tueur, il me l'a enlevé. Je vais dire, je vais tenter, mais je suis pas sûr, Jota. Djogo euh, Jota, c'est pas bon, il a été blessé longtemps. Là. Putain, Jogo oui, mais ces derniers temps, il a mis des et buts de ouais. donc ça doit pas jouer à grand chose. Éliminé, Abdou, c'est un duel entre Abdou et Pipion. Et encore, <laughs> Moi, Jogo je vais Jean. dire euh, Fernandez. Qui ça Bruno Fernandez. Bruno Fernandez, c'est pas ouais. bon. Ah. Pipion, pour valider le point, <laughs> il faut m'en donner juste un. Darwin darwin Nunes, c'est pas non, bon. Ah, bon. J'ai bon. pensé, mais je pense ouais, que Du ça, coup, alors qu'est-ce qu'on fait dans ces galades Ah bah oui, ça continue. Ça continue. Attends, 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 attends. Je vais t'en avoir un. Attention. Bah, Ressus. On quand Et je regarde, regarde la liste, euh, C'est bon. Ah oui, putain. Pipion. Ah, mais c'est qu'entre eux deux, là Moi, bah... je suis arrêté en même temps que deux. Hein. Non, non. Mais, euh, Abdou... Et toi, tu t'arrêtes avant Abdou Non, je crois. Bah, ben, lui, il visite. veut qu'on lui serve un repas. Il veut ah, <laughs> ah, oui, il peut. ah, bah, tu peux, tu peux. Ouais, ouais, tu mais non, il peut pas. Vas-y. Non, mais c'est vrai, en vrai. Dans l'oreille, on me dit qu'il peut, il peut. Moi, j'en ai un, j'en ai un. Bah, tu peux, vas-y. Je peux Vas-y. Je pense qu'il a le truc. Vas-y. Alvarez. Oh, non, bah non. non. Alors, On fait quoi Il est éliminé. Des Il a. Mais du moins un. Hein, tout un. Tout <laughs> on <monde> a perdu. <rire> 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 ben, Bonneau, mais du moins un. On fait un quoi, Pointo Parce que on annule, On a On a On a Allez, allez, on annule Personne n'a le point. Mais comment ça, personne n'a le point Est-ce que Madison y était oui. Madison y était ah, ah, putain, Mais non Madison y ah, était Mais il bah, y, y avait Bobby Firmino bah, Il ouais. y avait Mais j'ai dit Ressus Ils ont pas trouvé toi pas. Bobby il a 11 buts Je viens de regarder Je penserais pas, pas. pas. C'est un truc C'est mort subi Dernier minute Mais c'est pas mon problème Kanto J'ai des restes Dans le dernier Ils ont pas donné de nom T'as dit David T'as dit David T'es le début Il a dit David on vous êtes des malades! Lui. Il a perdu dès le début! avec David mais des Allez, on donne le point à nous! Mais encore heureux! Vous êtes des Donnez-lui parce que c'est notre invité! On donne le point à nous! Un point pour <laughs> Abdou! Euh, messieurs, des messieurs, messieurs! <laughs> attends, attends, mais il y a encore zéro à l'écran là! On a coupé Bruce parce qu'apparemment il était insupportable. Donc on a coupé ton micro, là, Bruce! Si tu veux qu'on le rallume! Je vais couper mon micro, je couper le live, c'est Messieurs! Nouvelle question! Alors! Je vais vous demander de me citer, en oh. francaise, les deux entraîneurs qui sont passés par le RC Lens en tant que coach et qui ont dirigé une équipe en Ligue 1 cette saison. Abdou. Philippe Montagnier Non Philippe Montagnier, c'est bon. Exagère, Il y en a un autre Il y en a un autre euh, Pas si non. non. Il faut lever la main, Abdou. Attention. Ah, qui sont encore en lice en Ligue 1 ou pas Qui peuvent être en lice ou pas Combo Antoine Comboyet oh, ah, Ouais les deux points, les deux points bah, attends, mais, mais tout à l'heure ah, tout à l'heure c'était cool. en lice pas et là maintenant c'est que mais je comprends pas à quoi je précisais ils put la merde tout à l'heure rien moi tout à l'heure j'ai dit c'est pion, bien joué <laughs> Moi tout à l'heure j'ai dit Cipion, <laughs> les Bruno il y en avait un qui était en lice pour moi c'est bien que j'ai dit mais les gars Comboyet je leur ai dit des questions à chaque fois j'ai précisé vous là tu as précisé quand si Pierre il avait Ne parle pas Non là c'est une douille là c'est une douille Non là c'est une douille vas-y pas. attends mettons mettons mettons-nous d'accord sur un truc c'est a parce que tu précisé quand la main. C'est bon avance. Mettons-nous d'accord sur oh, ça. Enfin, à non, chaque non, fois non. les questions je les dis comme elles sont écrites là. Et Procípio là j'ai bien dit je vais, vous, je vais vous demander de me citer hors franquesse des deux entraîneurs qui sont passés par le RC Lens ouais. en tant que coach et qui ont dirigé une équipe en Ligue 1 cette saison. C'était écrit comme ça, texto, vous pouvez demander à Paul. Ouais, bon mais non. tout à l'heure c'était que en activité, donc, là c'est plus en activité. Donc je, je, je Cipion, dessus. Et d'ailleurs Sipion, quand, quand, quand il a, tout le temps, il brille. Quand, non, je je derrière, il, quand Cipion, il a levé comme, la main, comme il a demandé. Euh, il a demandé. Il a demandé. Il a demandé. Il Vas-y, vas-y, c'est pas grave. Il se passe sur les couilles si Il pue la merde. Vas-y, 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 go go. Question 7, messieurs. Sur les trois dernières années, donc on remonte jusqu'à 2020. Le Real Madrid et Manchester City se sont affrontés six fois en Ligue des Champions. Citez-moi tous les buteurs des matchs. Okay. Vous avez bien compris? Bruce, De Bruyne, De Bruyne. Euh, attendez, attendez parce que c'était de, voilà, hein. de la mort subite. Voilà, sont questions plus la merde. Non, non, c'était de la mort subite. C'était de la mort subite. Oui, oui, mais on compte. De Bruyne, c'est bon, bon, je le valide. Abdou. Euh, bah Benzema, classique. Karim Benzema, c'est bon, c'est validé. Ponto. Rodrigo, Rodrigo, c'est bon. Vinicius, Vinicius, c'est bon. Bruce. Euh... Alvarez. Alvarez, c'est bon Abdou Ok, okay excellent. Salut <laughs> excellence pour C'est pas dehors. Éliminer Abdou. Bernardo Silva. Bernardo Silva, c'est bon. Ah, putain. Marez Marez, c'est bon euh... Vini, ça a été dit, hein. Ça a été dit. Oui. Rodrigo on a déjà, c'est Non, ça non ça je savais pas la vérité, j'ai pas entendu. Jours, Rodrigo. Tu devrais écouter. J'avais pas entendu. Alors, je vois David tout à l'heure. Euh... Ouais, ouais non. normalement, tu devrais être éliminé. Moins un. Du coup, je vais dire. Je vais dire. Gundogan, mais ça passe pas. Ça passe pas. Éliminé. Juste la première saison c'est Gundogan. Gundogan, oui, oui. Gundogan. Mot plus un pour moi. Quant au pipion. T'en as un Peut-être <laughs> Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, c'est bon. Oh. Oh. bon gosse. C'est bon. Ah, là, ça met la fraîche, ah hein. en plus, c'était une tête le but. Il me revient au centre, au deuxième poteau. Il met une tête. J'ai plus l'année. Hein. Mmh. Si, si, je... vraiment, je m'en rappelle, c'est une tête, je crois, au deuxième, non Vraiment, j'ai moi, moi, plus, plus le but. Pareil. Le chat, il met une tête. Il est au deuxième poteau. Tipion Sterling. Sterling, c'est bon. Oh ça passe. Oh le corps Attention. Kanto, Kanto, Kanto. John Stones. John Stones. C'est pas bon. Petit pour valider le point. C'est jouable, c'est jouable. Ouais, je sais, mais. Je, euh, ça va être du hasard, malheureusement, mais je vais dire Valverde. Valverde. Ah, J'ai hésité entre Stones et Valverde. Valverde, bah, c'est pas chers. bon, on annule tout vu que personne n'a trouvé. Il y avait qui y avait encore Manuel Akanji, il <laughs> y avait oh. encore Phil Foden. y j'ai hésité Il y avait Isco, il ouais. y avait Fernando qui avait marqué un, un ouais. CSC, mais ça c'était avant 2020. Il y avait Aguero, il y avait Zeco, il y avait Marcelo, Colaro. Comment ça, Aguero Et... Ah oui, mais ça remonte euh, bien avant. Mais oui, non, mais, non, mais vous là, vous dit là, sur là, les trois dernières années. Sur les trois dernières années, oui, jusqu'à 2020. Zeco, il était plus loin. Mais si. Mais non, il y a un problème pas, là, sur les joueurs qui vont dire. Qui se fera Parce que là, on, on est en 2023. Non. Bah oui, on euh, dit a, sur les trois dernières années qu'en 2020, là était plus a... là. Alors, alors, je vous explique ce qui s'est oh passé. Là en là fait, à la base, je voulais vous faire sur toutes les confrontations non, entre oh le City et Real. Et après, j'ai resserré. On entre, est Depuis 2020. Donc, non, non, vous êtes désolé. C'était le quiz all time, moi. Alors, ça, là, Le Comment dire ceux c'est parce que la question, je voulais qu'elle soit différente. Mais c'est pas grave, désolé. On dirait des arbitres de cas. Messieurs, messieurs, question ardoise. Désolé, désolé Allez. pour celle-là, c'est une erreur de ma part. Désolé. Euh, question ardoise. Lors de la saison des invincibles d'Arsenal qui avait fini champion oh. d'Angleterre 2003-2004, vous écoutez bien. Hein. Donc, Abdoulaté. Hein. J'ai déjà écrit la réponse. Il y avait sept joueurs français dans l'effectif. Oh. Oh. Messieurs, je vous laisse réfléchir et écrire donc sur l'ardoise de nom des joueurs. Et celui qui m'en donne le plus, il prend deux points. Celui qui arrive à me donner le maximum de joueurs français d'Arsenal, ça fera deux points. Là, on n'entend plus que les craies, là. Il y en a combien, t'as dit Hein Il y en a combien en tout Il y en avait 7. On me dit que quand on triche. Non, mais je regarde là-bas. Je... <laughs> regarde, regardez si je triche, Il... regardez ce que j'ai écrit. Ils ont explosé Dites-moi si j'ai triché. Henri Vieira, Pires Petit, Mais tout le trop... monde les a, ceux-là. Écris, écris. Pas sorti, euh, Flamini ou. Messieurs, je vous laisse encore, allez, 20 secondes. Vous avez quand même assez le temps. Ok, ok. Allez, 10 secondes, messieurs. Bon, on verra. 7, t'as dit. Hein. Ouais, 7. Euh, J'ai peut-être confondu certains trucs, mais on verra. Celui qui en a le plus, il met le point. Celui qui en a le plus, il prend deux points. Pipion, lâche ça Celui qui arrive à trouver ouais. le plus de joueurs, bah, il prend ouais. deux points. Et si… Euh, s'il euh, si y a il y une égalité, ils prennent des partage points. Deux hein. points. Ouais. Partage de points. Ouais. Un point chacun. Messieurs, le reveal, Abdou Allez, on y va. Pas un peu plus tard, ça. Ah, peut-être, je sais pas. Alors, Sipion, déjà. Il en a un, je l'ai mis. Un. nous dit. Ah. Henri, c'est bon. Viera, c'est bon. Ah, J'en ai 6 comme… Manu Petit, c'est pas bon. Ah. Aliadière, c'est bon. Sigan, c'est bon. Euh, Will Thord, c'est bon. Pires, c'est bon. 6 sur 7. Je que tu en as 6 sur 7. 6 sur 7 pour qui J'en ai 5, je pense. Pires, c'est bon. Petit, non, mais j'en ai 5 par rapport à ce que tu as dit. Pas bon. Euh, c'est qui Grimandi Ah oui, 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 oui je, je m'en souviens. Non, c'est pas bon. Début de l'Hervinger. Viera, Henri, Sigan. Donc t'en as, Bruce 5. 5 sur 7. Abdou. Henri. Pires, c'est bon. Petit, c'est pas bon. Viera, c'est bon. Sigan, c'est Même Wilthard, que moi, en fait. Donc t'en as 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ah, moi, c'est les 4, je vous ai dit, j'en ai 3. Ah, bah, t'en as 4, bon, bah, c'est assez clair. Le point va une nouvelle fois à Pipion et c'est même 2 euh, points. Ça nous fait quoi au niveau des scores dit c'était après du coup ou... C'était avant, c'était au début. C'était avant et et après, Tu es incapable de resituer les trucs devenus ouais. 2-1. Bon, bah, c'est une victoire encore <laughs> une fois euh, écrasante de, de Pipion. J'avais une dernière question, une mort subite. Vas-y, pose-la, pose pose-la. Si pose -la, vous pose -la. voulez pas la faire, on peut à ah. la fin. Oh pose-la, pose-la. J'avais une dernière question. Allez, pose-la. Alors, c'est très simple, messieurs. Citez-moi, 5 à 20 tours, les 23 joueurs sélectionnés par Didier Deschamps lors de l'Euro 2016. Il y avait 23 joueurs, oh, très simple. je hein, okay. commence oh, oh, oh. Attends, on va commencer Abdou dernier, donc on va, bah pareil, vas-y, Abdou. Ok, Gignac. Gignac, c'est bon. Payette. Payette, c'est bon. Giroud. Giroud, c'est bon. Grisou. Grisou, c'est bon. Koscielny. Gosyeni. Ah bon. si, bien sûr que c'est bon. C'est Il s'est blessé, il s'est pété. Avant. Mais il est mais non, mais c'est bon. pété avant. Mais c'est bon, lui, c est c est... mais c'est bon, bon. bon. ah, lui qui Kossiani, défend c'est bon. sur... lui qui défend sur le but euh... Dederr. C'est bon, t'inquiète. Bon, bon, bah, non, t'as mis un coup de pression là. Vous êtes debout c'est bon. Kanto La pioche. <tête>. La pioche, c'est bon. Canté Ngolo, c'est bon. C'était deux que je voulais dire. Euh je vais pas de Yoris. Hugo Ioris, évidemment. C'est bon. J'allais le dire en plus, Thoris. Abdou. Euh, mm, 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 je veux dire, Tolisso. Tolisso, Tolisso, Tolisso. C'est pas bon. Non. Élimination d'Abdou. Tantôt. Steve Mandanda. Tiens, je... Steve Il Mandanda, vient. évidemment. Le deuxième. Sanya. Bakari Sanya. C'est bon. Ça passe. Mmh. Varane. Varane, c'est pas bon. Souviens-toi, il avait même envoyé une lettre pour dire qu'il était désolé oh de ne pas pouvoir faire 7 euro. Ça, c'est dur, c'est dur. Hein, c'est pas bon, Varane. C est, c est, ah. dur, Panto. Johan Cabaye. Johan Cabaye, c'est validé. Mission. Moussa Sissoko. Moussa Sissoko, c'est bon. Mathieu Debuchy. Debuchy, c'est pas, bon. oh. pas bon. On dirait Mission. pas Debuchy junior. Option voilà. <laughs> ouais, pour valider. Eliakim Mangala. Oh, ouais. Il y a Kim Mangala, c'est bon. te point Poinot Debuchy, c'est pas bon, c'est ce que j'ai dit. C'est pas bon. Eh <laughs> bien, c'est une nouvelle victoire de Pipion, ouais. encore une euh... fois. Il n'y pas Jallet Jalais Si, il y avait Jalais. J'ai hésité. Evra était là. Euh, j'ai euh... hésité, euh, Debuchy, Jallet j'ai dit Debuchy. Il y avait encore Adil Rami à trouver il y a 18 points. Il y avait Morgan Stéderlin. Il y avait aussi Blaise Matuidi, que vous avez pas cité. Et Anthony Martial. King'sley Coman aussi. Ah, le problème c'est quand Ima, tu le fouillé, tu te rappelles plus. Euh, quand tu Il m'a ah, remis moins un. Ce jour on va se battre. Il m'a remis moins un. Mérité, hein. <laughs> toi, toi 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 tu vas voir. C'est complètement mérité. <laughs> bon messieurs merci beaucoup de nous avoir suivis. Euh, on a un petit peu traîné hein, comme d'habitude vous connaissez. On se retrouve euh, lundi pour euh, une nouvelle émission. Passez une très très bonne semaine et on vous dit euh, à très vite. Merci la team. Merci Ciao. beaucoup. Bonne soirée à, merci tous. à tous. Salut. Ciao.